foule. J'ai du shit si tu veux. Romano. Putain, j'ai soif. Marie. C'est vrai. Cédric. J'ai envie de faire du sexe. Samy. Dans la soirée, je sais pas qui avait chié dans un gant. Karim. Faut que j'aille au tabac. Guigui. Ouais. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. Radio libre. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et oui, Radio Libre en direct sur Skyrock, c'est parti. Mais jusqu'à minuit, merci d'être là. Et oui, d'être là dès 21h, vous n'allez rien louper, nous non plus d'ailleurs. Jusqu'à minuit, on est là, on va rester avec vous. Vous allez profiter de la plus grande Radio Libre de France avec toute cette équipe merveilleuse. Eh oui, on est là. Au moins, oui. Qui est là, mais oui. Bonsoir à vous. Bonsoir. Appelez-nous dès maintenant, d'ailleurs, si vous voulez débarquer ici. C'est au 01 53 40 30 20. Vous avez l'appli, le 41 759, le skyrock.fm. Jusqu'à minuit, on est là. Profitez. Bonjour à Bilka, bonjour à Noé, qui est là. Bonjour à Herman, à Brian et à tous les autres. Céline également, qui nous fait un gros bisou. Bonjour Céline du 22, salut la Bretagne. Salut Gilali de Istres. Eh bien, on salue Istreux. Ah ouais. Oui, on l'avait eu antenne, Gilali. Ouais, c'est lui qui est parti se refaire les dents. Ouais, c'est ça. A priori, il est à Istanbul actuellement. Tout s'est très bien passé. Ah, je viens de parler avec lui. Il sort de l'hôpital. Il a plus mal au dos, il n'a plus. Il n'y a plus de dents. Ils ont tout enlevé. Ça s'est très bien passé. 8h, ça finit à 19h30 son bordel. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est un gros chantier. Il y a du boulot. Salut Gilali, on te fait un gros bisou. Oui, on l'avait eu, Gilali. Oui, vous pouvez nous parler tout ce que vous voulez, même vos dents. Si vous arrivez à un truc ce week-end, vous nous racontez. Si vous voulez faire les cons avec nous, c'est pareil. Vous débarquez ici. Vous nous parlez de tout ce que vous voulez. Vous avez un petit souci à gérer. On est là, et oui, l'équipe est mobilisée tous les soirs pour débarquer ici. Donc vous avez tous les moyens pour nous joindre. Profitez-en. Alors, bonjour l'équipe, bonjour la Marie, comment ça va? Bonsoir tout le monde, ça va bien. Ça va bien, tu es bronzé encore. Ouais, j'ai pris un peu le soleil ce week-end. Il n'avait pas. Bah si, non mais j'étais pas à Paris. J'étais pas à Paris, c'est pour c'est ça. C'est bien, t'es allé où? J'étais à la campagne. À la campagne. Dans 77. Non, même pas. Ah, ça a changé. Non, ça a changé. Bon, tu veux pas nous dire où t'étais? Non, je vous dirai pas où j'étais. Mais ne dis plus rien, Marie. Sinon, c'est où je suis. Je sais pas ce qui se passe, il y a des trucs chelous. Je suis en scred. Marie, sa vie, c'est un secret. je suis poursuivi par des paparazzi. Ah bah oui. Je suis plutôt vers le sud-ouest, on va dire. Dans le sud-ouest, très bien. Ah, t'étais chez ta pote Fistus? Non. Mais justement, c'est pour ça que je voulais pas le dire, parce que bon. Pourquoi les Fistus, elles habitent du sud-ouest? Mais non, mais je l'ai pas appelée, donc elle va gueuler. Ah, d'accord. C'est pour ça que je voulais pas dire. Bon, maintenant, je suis grillée. Puis comme elle écoute tous les soirs, coucou Morgane, je t'embrasse. J'avais pas le temps de passer de voir. On te salue avec nos points. Regarde, bonjour. Bon, c'était bien donc ce week-end, Marie? Ouais, très bien. Bon, très bien. Parfait. Bah écoute, ça se voit. Ça fait plaisir. Merci. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end vous aussi. Si vous avez fait des trucs ce week-end, j'aime bien quand vous nous faites un petit bilan le lundi soir lors de la première radio libre de cette semaine. Bonjour, bonsoir Romano. Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir alors. Alors, moi je suis resté à Paris, je me suis occupé de mes chiens. Très bien. Il y a une guerre, une bataille de chiens. Ce chien. Mais pourquoi elle s'amuse? Ouais, mais elle se chiffonne pour des gâteaux. Parce qu'on a deux chiennes, Muquette et Queen Lady. Queen Elizabeth. Voilà ça, voilà. Voilà, oui. Voilà. Que à la base on ne devait pas garder longtemps, mais que ça fait quand même, ça fait. Ah, c'est un moment là. Oui, là, c'est vrai. Très longtemps même. Ouais, là, mais ça commence à faire. Ouais. Sachez que il a adopté en fait. Bah, je pense que comme c'est parti, oui, on a deux chiens, quoi. Voilà, c'est bien. Et donc, je rappelle qu'il y a un an, il n'en voulait pas un. Ouais, il plus jamais les chiens. Il y en a une qui est heureuse, c'est Cariole. Alors ça c'est c'est le paradis. Là en fait on a un jouet pour chien. En fait il y a c'est un truc à roulettes. On met des croquettes à l'intérieur. Ah oui, je connais, il y a ça aussi pour les chats. Et quand la bestiole pousse le truc à roulettes, la croquette saute de la machine. Ouais. Bon. Autant Queen Elizabeth a bien compris le principe. Donc elle avec sa grosse patte, elle met des vieux coups de patte sur le truc, donc le truc avance, il y a des croquettes qui sortent, ouais. Sauf qu'à un moment donné, bon, l'autre, la petite, elle n'y arrivait pas parce que je pense qu'elle est trop petite, elle n'a pas assez de force, et le problème qu'il y a eu, c'est qu'en fait il y a deux croquettes qui sont sorties d'un coup, donc Queen Elizabeth considérait que les deux croquettes étaient pour elle, sauf que l'autre a essayé d'en prendre une, elles se sont chiffonnées. Ah ouais. Avec Ariel, s'est fait mordre la jambe. Ah ouais. Et moi elle me dit tu fais rien, je dis non mais il faut lui apprendre, hein, la petite, il faut qu'elle apprenne à se faire mater un peu, tu vois. Ah voilà, c'est ça. Non mais tu sais, c'est l'éducation, quoi. Amène-la à Medellin, tu vas voir. Non mais la petite, le coup des croquettes, non mais c'était déjà engueulé pour, tu sais, les bâtons à ronger là. Ah c'est ça. Mais la bouffe, les chasses comme Cédric, hein. Pareil, hein, si je mets un gâteau de Medellin ici, que Medellin essaie de l'appeler, Cédric est capable de la mordre. C'est des gâteaux. Non, alors on a un autre problème, c'est les jouets aussi. Bouge la queue, oui. Alors cet été, on avait acheté deux jouets différents.
C'était des glaces, tu sais, mais des trucs qui font du bruit, quoi, des Queen. Et en fait, c'est pire que des gamins. C'est on donne une le jouet à une, elle veut l'autre. Donc maintenant, les joueurs, les achètent par deux, c'est les deux mêmes. Comme ça, elles sont contentes. Au moins, elles se bagarrent pas. Elles ont les deux mêmes jouets, donc elles. C'est une sacrée vie. Hein. Il s'est passé des trucs ce week-end. Quand je vous disais qu'il se passait des trucs. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable ça. Ouais. Il y a Nassim qui nous envoie un message. Lui, c'est embrouillé avec un des potes. Nous aussi, on s'est tapé. Ah, tu ne dis pas pourquoi. Dis-nous en plus. Dis-nous en plus, Nassim. Donc tu vois, il y a pas que les chiennes de Romano qui se tapent. Il y a aussi Nassim et ses potos. Salut Nassim. Faut pas se taper avec les potes. Faut tranquille, Nassim. Tranquille. Tu veux nous en parler ? N'hésite pas. Bon, le tour de l'équipe, on continue, Guigui, alors ? Bonsoir tout le monde. Alors ? Comment ça, alors ? Bah, je sais pas. Alors, il y a des news ? Alors, tout va bien. C'est-à-dire Non, mais rien à bouger, déception. Ta vie sentimentale. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Étonnamment, pas grand-chose. T'es sorti ? Ouais, vite fait, mais bon, avec des potes, donc c'était un petit comité, c'était sympa, quoi. Ouais. Donc, toujours ça, avec ses potes. Autrement dit, ça a rien donné, si vous voulez. Ouais, d'accord. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression d'écouter la radio libre de la semaine dernière. Ah, on est bien le 18 septembre. Je suis de la semaine d'avant aussi. Oui, je suis de la semaine d'avant aussi. Là, on a eu un très très gros orage hier sur Cherbourg. C'est ah oui, il y a eu des tempêtes. Ouais, j'ai vu. Une espèce d'ouragan là, dans le Poitou, ouais. Je crois. Ça a détruit trois villages, je crois. Ah oui, carrément. Je crois que ça a fait des sacrés dégâts. Ouais. Ouais. Ah, oh, dis donc, Seifa qui a fait sa première relation sexuelle. Relation amoureuse. Tu dis pas si c'est sexuel. Alors dis-nous si c'est allé plus loin. Tu dis amoureuse. Donc dis-nous si c'est allé un petit peu plus loin. Un petit bilan de week-end, Seifa. Tu es toute contente aujourd'hui. Après, j'espère en tout cas que ça s'est bien passé. Hein. Natacha, elle est à Londres. Ils ont eu un gros orage aussi hier à Londres. Merci, Natacha. Non, mais je crois que ça y est, je vous l'annonce, l'été est définitivement fini. Ah, c'est fini. Fini la canicule, tout ça, ça y est. Ça va, comme un con, je suis en tongs alors qu'il pleut. Moi, je suis en t-shirt. Je me ouais, mais bon, à Marseille, c'est 30 degrés aussi. Ouais, c'est clair. Le canicule. Ouais, c'est moite, tout le monde. C'est lourd. Parce que c'est un peu orageux le temps, tu vois. Donc c'est. Bonjour, Samy. Salut, bonsoir tout le monde. J'ai perdu ma voix, moi. Ah, t'as plus de voix. Ah, bah ouais, j'ai perdu ma voix au stade Vélodrome, les gars. Ah, ouais, ouais. Ah, je me suis fait une montée. Il s'est fait casser le cul. Je me suis fait une montée, gros, sur les joueurs. Putain. Ah, pourquoi tu les aimes pas? Non, mais je les ai traités. Il y a eu 0-0, ça aurait pu être pire, vous auriez pu perdre. Non, je fais pas 0-0 à domicile. 0-0 contre Toulouse. Mais j'avais plus de voix à la fin, j'avais. Il n'y a rien qui sortait comme ça. Ah, t'es pas tombé malade. Il y a plein de maladies. Vous êtes tellement chaud. T'as hurlé là, segue-moi levier, tout ça. Segue-moi levier. Non, j'aurais dit 2-3 trucs. Un espace de mastre. Tu vois, cassez-vous. Cassez-vous, voilà. Bon, tiens, tempête à Nancy, mais aujourd'hui, dis donc. C'est Hugo54 qui nous envoie un message. Salut à toi, le Hugo. Nous, on a vidé la cave hier soir. Ah bah tiens, on parlait de tempête là, après la canicule maintenant. Oh là, moi j'ai tourné dans une cave. C'est le déluge. Alors, Cédric. C'est Mylène qui t'envoie le message. Tu as tourné dans une cave? Non, du tout, j'ai pas tourné dans une cave. Bah si, tu viens de le dire. Non, mais alors attends, parce que tout à l'heure, il y a eu un message, vous savez, de Bruno du club échangiste. Oui, parce que c'est vrai que la semaine dernière, tu étais allé en club échangiste. Bah a priori, il est retourné parce que il a dit ouais, merci de m'avoir dépanné, tu m'as bien rendu service. Ah, mais tu as fait quoi? Merci pour le coup de main. Tu l'as branlé? Ouais, merci pour le coup de main. Mais tu l'as branlé? Bah, coup de main. Ah ouais. Un coup de main, d'accord, ok, j'ai bien. Je voulais pas venir, du coup, j'étais donné un coup de main à Bruno, quoi. Mais tu l'as branlé? Mais non, connard. Un coup de main. T'as fait quoi là? Non, parce que Bruno il sort un livre, il voulait me l'offrir, tu vois. Donc j'ai dit que je passerais. Il l'avait pas la première fois que j'étais passé. Ah, bah je sais pas lire. Et c'est dommage, j'ai des images. Voilà, t'as pas le truc en audio description. Tu vois, ça te plairait. Ouais. Je suis malade, c'est pas ma faute. Non, mais t'es malade depuis une semaine, t'as chopé la ch'touille dans ce machin. Non, je suis parti pas. Non, mais il a chopé la ch'touille, je sais pas. Mais n'importe quoi. T'as sucé une bite avariée, puis. Essaye de parler, toi, avec des champignons au fond de la gorge. Bah ouais, mais t'as chopé des bactéries au fond de la gorge. Non, mais je me suis même pas mis à Walper du tout. Là, le mec, il a supplié, non, je t'en supplie. Vas-y, prends le livre et il faut partir maintenant. Tu fais peur aux gens. Et Karim. Qui a une petite accroche et. Bruno, ça, il est. Ah, t'as eu une accroche avec un client? Non, pas moi. Tu sais, Bruno, il y a un petit problème et tout. Ah, t'as fait l'agent de sécu? En fait, le mec, il fait l'agent de sécu. Ah, bien sûr, pas l'enfant. Il y en a qui vont en club échangiste pour baiser. Cédric, lui, non, il fait la sécu. Mais t'as mis un t-shirt staff? Non, non. C'est un t-shirt staff. C'est quoi, le mec qui m'en donne? Tu fais homme pipi? Ouais, voilà, oui, c'est bien ça. Ah, tu distribues les feuilles de PQ. Ouais, tu sais, il tient la bite des mecs qui pissent. Mais non, mais voilà.
Tu me donneras pour boire. Non, mais sinon, fais urinoir humain. Bah, bah, grave. Ah, mais non. Je sais que t'aimes ça, tu pourrais venir avec moi. Magnifique. Et Karim qui est là aussi. Bien le bonsoir. On a fait le tour de l'équipe de Simé Deline qui est là. Moi aussi, comme Samy, j'ai passé le week-end à traiter les Marseillais. Ah ouais, t'as perdu ta voix? Ouais, ouais, j'ai perdu. Bon, on est là jusqu'à minuit, profitez-en, appelez-nous, vous débarquez, vous nous parlez tout ce que vous voulez. On aura Alexis au téléphone en direct de Bordeaux dans un instant. On aura Camille. Ah bah tiens, Camille, justement, puisqu'on parle du week-end, on va faire un petit bilan du week-end de Camille. Et puis donc, si vous avez un souci, si vous voulez faire les cons, si vous voulez faire tout ce que vous voulez, c'est Radio Libre. Venez faire de la radio avec nous, c'est vous qui faites le programme. Et laissez-nous les numéros pour les doubles appels. Parce que dès qu'on est prêt, on attaque nos doubles appels. Ce soir, on aura aussi le clash de la drague. Ouais. Clash de la drague. Après, bah, alors, la semaine dernière. 4 victoires à la suite de Cédric. Bam, bam, bam. Lundi. Ah, ouais, t'avais niqué ta race. Alors, ça, c'était pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Ouais. Ouais, c'est ça. Lundi, mercredi, vendredi, Romano, KO par terre. Dimanche, ouais, la spéciale. Dans les petits gagnés à 52%, s'il te plaît. Ouais, mais j'ai gagné quand même. Et, cette, et alors, la semaine dernière, un retournement de situation. Tout est retourné. La Romano de Tada. Elle a eu. Lundi, mercredi, vendredi et hier, dimanche, dans la spéciale. Bam, 4 victoires à la suite. Et ce soir, mes amours, on va enquiller sur la 5e. Parce que vous savez que je vous aime. Il fait plus beau, il fait plus chaud, mais on vote toujours Romano. Jamais de la vie, on vote Romano. Bon, ben on va s'occuper de ça, le clash, préparez-vous. Ouais, ouais, ouais. Bon, dès qu'on est prêt pour les doubles appels, on attaque. Et puis, ben on va attaquer avec Camille pour faire un petit bilan du week-end. Bonjour, bonsoir même, Camille. T'es en direct d'Evry, salut. Toi. Salut, Camille. Salut, Camille. Ouais, Camille. Salut. Comment ça va? Ça va. Moi, ça va super. Oh là là, j'ai la photo de la cave dont je vous parlais tout à l'heure. Ah oui, grave, grave inondé. Donc, vous avez eu des inondations ce week-end. Vous allez me dire, ça occupe. Ah, t'as fait quoi ce week-end, Camille? Ça occupe, super. Bah, du coup, j'ai vu mon collègue. Ah oui, alors toi, tu nous avais appelé. Rappelle un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Le petit kiff avec le collègue de taf. Au début, tu lui dis, je veux pas être en couple, etc., etc. Après, tu tombes amoureuse. Les filles, vous savez parfois pas ce que vous voulez. Oui, mais ça peut évoluer. Et puis, ah bah oui, en peu de temps. Vas-y, explique tout, Camille. Alors, donc, pour résumer un petit peu, donc, c'est mon collègue de travail et il tourne autour depuis plusieurs mois. Et au début, j'étais pas réceptive et un soir, pas comme un autre, on a été boire des verres avec des collègues. Mmh. Et en fait, on a super bien parlé, il y a eu un feeling. Oui. Après, on s'est revus plusieurs fois tous les deux. C'est cool d'aller bosser, vous avez vu. Hein. Ouais, dans ces cas-là. Ouais. Et en fait, j'avais appelé vendredi soir parce qu'en fait, il était un peu distant depuis plusieurs jours et je comprenais pas trop. Et du coup, on m'avait proposé de le voir ce week-end. Je t'avais proposé de le voir ce week-end. Voilà. C'était mon idée géniale de vendredi. C'est vendredi soir, une idée qui a été approuvée par 115% des auditeurs de Skyrock à l'écoute vendredi soir. Ouais. Ah bah au moins. Et oui, donc je tiens encore à vous remercier pour vos messages de vendredi. Oui, je t'avais dit, parce qu'en fait, le truc, je vous explique plus en détail, c'est qu'au début, toi, tu lui dis, je veux pas être en couple, parce que t'as une histoire d'amour difficile, tout ça. Donc, je veux pas être en couple, je veux pas d'histoire d'amour. Donc lui, vous faites vos petites affaires, vous avez couché ensemble plusieurs reprises. Et tu lui dis, en plus, quand il est chez toi, parce qu'il voulait dormir, chez toi, tu lui dis, non, faut que tu t'en ailles. Voilà. Et après, tu nous dis que, ouais, tu le trouves un peu distant. Mais c'est toi qui avais mis la distance dès le départ. Donc lui, en fait, il a fait ce que tu lui as dit. C'était mon analyse psychologique de la situation avec Camille. Ça, c'est incroyable. Quel psychologiste. Incroyable. Eh oui. Incroyable, mais vrai. Donc lui, en fait, il a fait ce que tu voulais. Et toi, tu lui reprochais d'être distant. Ouais. C'est ça. Et alors? Et du coup, samedi, en fait, je lui ai proposé qu'on se voit. Et en fait, lui, il m'a dit, pour une fois, je veux changer, je veux que tu viennes chez moi. Ouais. Donc j'ai dit ok, pas de soucis, tout ça, et j'ai dû le rejoindre chez lui vers 20h, et il m'a demandé si j'avais mangé et tout, et je lui ai dit que j'avais pas mangé, et en fait quand je suis arrivée chez lui... J'ai une grosse bite, j'ai la saucisse, il y a que ça à bouffer. C'est soirée merguez ce soir. Allez. Il avait préparé à manger et tout, enfin, j'étais un peu choquée quoi, genre ça faisait un peu date, et du coup, on a mangé, tout ça, on a parlé. Je lui dis, je t'ai passé une bonne semaine, enfin les trucs banals et tout. Et il m'a dit, ouais, mais je me suis rendu compte d'un truc. Et là, j'ai commencé à être un peu blanche. Ah, écoutez, je lui dis, comment ça, tu t'es rendu compte de quelque chose? Et en fait, c'est que t'es sacrément moche. T'imagines. Et en fait,
Bah, il s'est rendu compte qu'il avait des sentiments pour moi. Qu'est-ce que je vous avais dit vendredi, que tout le monde il était contre moi, la Romano qui était là. Blablabla. Alors que t'avais raison. Je sais, je me rappelle même plus ce que j'ai dit vendredi. Mais des conneries. Je me rappelle même plus toi, Camille. Ah, si, Camille, je m'en souviens très bien, mais alors peut-être ce que j'avais dit, je me rappelle absolument pas. Vous rappelez pas. J'ai des trous de mémoire. Mais t'étais là en disant que le mec il avait limite rien à foutre. Ouais, il s'en battait les couilles. Ça. Alors que moi, bah, ça aurait pu. Hein. Mais non, moi j'avais bien analysé la situation. Tu avais raison. Et oui, c'est vrai. Dites-le quand même. Non, mais c'est vrai. Ah non, mais bravo. Bravo, du voilà, voilà. Ouais, ça va, on va pas te baisser dessus non plus. Non, mais tu vois, Camille, parce que tu l'as tellement mis de distance que lui, il savait plus comment se comporter, donc il a fait ce que tu lui as dit. Et, ouais. Et je t'ai donc dit, vas-y, fais un petit truc avec lui ce week-end. Qu'est-ce que je suis intelligent. Bon, et t'as baisé après. Ça a bien marché. Hein. Ah ouais, non, mais en plus, un mec qui te fait la bouffe, c'est pas un mec qui a envie de mettre des distances et qui a envie de te larguer, tu vois. Le mec qui te fait la bouffe et qui t'invite à la maison, ça veut dire quelque chose. Il avait fait quoi à manger? Il avait fait des pâtes bolognaises. Ah, il s'est pas fait chier quand même. Ah, il s'est pas fait chier, ça va. Il s'est pas fait chier, mais bon, c'était bon. Non, mais bon, il s'est pas fait chier. Après, si c'est pas un bon fils, c'est le repas que tu fais entre potes, frère, quoi, tu vois. Tu te fasses quoi, un tagine, un couscous. Bah, pourquoi pas, tiens. Bah, frère, elle aurait pu inviter ta femme, elle aurait fait du. Alors, elle fait 14 tagines, et puis elle aurait été contente. Elle, on aurait été heureuse, gros. Bon, alors après, à un moment donné, vous avez mangé tout ça, à un moment donné, vous avez baisé. Oui, bah, évidemment. Ah, quand même. Évidemment. Alors, vas-y, raconte. Mais ouais, donc bah après voilà, tout s'est passé au fil de l'eau quoi. Mais raconte un peu comment il t'a baisé, bien que. Ah, écoute-le l'autre. Ah ouais, bah, dis-nous tout là. Vous pouvez tout nous dire. Ah bah c'est un peu perso quand même. Attends, on sait que Cédric a branlé son pote du club échangiste, tu vois. Normal. Je veux dire, à un moment donné, il nous a dégoûté, on aimerait bien que tu nous excites un peu toi. Allez, bien sûr. Alors on t'écoute. Allez, vas-y. Alors j'ai branlé. Non mais pas toi, c'est Cédric. Après il a giclé sur ma main. Bon, il y avait pas de serviette, alors j'ai léché. Ah ouais, c'est sympa. C'est un bonheur. Non mais vous avez fait ça où? Dans le lit. On a fait ça dans les chiottes. On a mangé et tout, mais on a vite mangé parce qu'en fait ça m'a vite retourné dans tous les sens, donc c'était sympa quoi. C'était sympa, absolument. Ouais. Et donc toi, tu lui as dit que t'avais des sentiments naissants aussi? Ah ouais, lui qui l'a dit. Est-ce que tu lui as Moi, en fait, voilà, moi déjà, j'étais choquée quand il m'a dit ça, et il m'a expliqué, en fait, que s'il avait pris cette distance, c'est parce qu'il savait que moi, je voulais rien de sérieux et que j'avais des relations compliquées et que du coup, en fait, il mettait ses distances pour pas être blessé, pour pas être lourd. C'est ça, voilà, c'est ça. Bam, bam, bam. Et voilà, après maintenant moi je lui ai dit que voilà, je commençais à m'attacher à lui. Après voilà, je lui ai dit que j'étais pas amoureuse non plus, mais que voilà, après on peut pas savoir comment ça va se passer, qu'il faut laisser le temps. C'est ça qui coule en plus, ça permet de découvrir, tu parles à l'aventure, l'aventure de l'amour. L'aventure de l'amour. Putain, mais quel beau gosse ce Diffoul, c'est incroyable. Non mais je suis content parce que t'as pas dit de la merde pour une fois. Non, bah, c'était plutôt positif donc c'est bien. Bah, c'était même super positif. Bah ouais, c'est ça. Et donc vous voyez, vous bossez dans quoi tous les deux? Il y a Léo qui nous demande ça sur l'appli. C'est quoi la question? Il veut savoir dans quoi vous bossez tous les deux. Dans un garage. Dans un garage. Et comme quoi, on peut faire de la mécanique et faire de la nique aussi après. lui il est vendeur. Il est vendeur et moi je suis comptable. D'accord, pourquoi poète? Non, mais c'était par rapport à ta blague, la petite vanne. C'était un peu l'orchestre décalé un peu. Même l'orchestre, c'est un peu qu'ils comprennent. Non, mais bon, voilà, je suis content. Tu vois, je suis content parce que je pensais que ça se passerait comme ça. Bon, après, on n'est jamais sûr. Hein, quand on parle d'histoire d'amour, il y a parfois des surprises, des bonnes, des mauvaises. Bon, bah écoute, là, tout va bien. La prochaine étape, vous voyez demain matin, j'imagine, non? Ouais, c'est ça. Voilà, demain matin. Et c'est comment au boulot alors? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est douté de votre histoire? Bah, si tu veux, dès le départ, en fait, il y a son responsable qui est un peu un show. Hein, il y a 40 balais, mais il est chaud de la bite. Je pense que c'est un show de la bite. Comment ça se manifeste qu'il soit chaud de la bite? Bah, si tu veux, il a un peu des paroles genre ma belle Camille, tu vas bien. Ou des fois, il m'avait dit, toi, il te faut un mec d'une quarantaine d'années. Vu comme ça, ça paraît assez clair. Ouais. Voilà. Et moi, je lui dis, non, tu pourrais être mon père. Non. Donc, ça l'a juste refroidi. Oui, ça refroidit. Oui, ça refroidit, effectivement. Tu prends ça dans la gueule, c'est vrai, c'est pas... Bah non, mais c'est pas méchant, mais c'est vrai, quoi. C'est pas méchant, mais c'est pas super agréable non plus quand tu prends un truc comme ça. Bah au moins, après, moi, je suis cage, donc... Oui, je vois ça. Des choses directes. Ouais, c'est bien.
Bon bah écoute, moi je suis content. C'est voilà une bonne nouvelle pour démarrer cette soirée. Un petit bilan du week-end. Vous avez vous aussi vécu des trucs ce week-end. Vous pouvez nous dire. Vous avez votre appli le 41759, le skyrock.fm. Allez-y, faites péter et puis voilà. Très bien. T'as entendu Guigui? On peut trouver l'amour au taf. Ben je vois ça. Mais Marie elle veut pas. Mais Marie, moi j'y croyais pas. Ben si, regarde. Marie est pas célibataire Guigui. Eh ben non. Regarde, qui est célibataire dans l'équipe? Qui est célibataire? Ah. Cédric est célibataire. Ben, voilà. Ah non mais non, il est avec Bruno. Ah oui, c'est vrai, il est un couple décent, faut pas le dire. C'est un couple décent. Non, mais bon, voilà. Il t'a fait la vidange, je me demande de Tounsi. Oui, il m'a fait la vidange. Il t'a fait le plein aussi, surtout. Il a surtout le plein, ouais. Bon, bah, c'est cool en tout cas. Bon, bah, voilà une bonne nouvelle, je suis content. Voilà pour démarrer cette soirée. Tiens, d'ailleurs, on en parlait ce matin du boulot, du bahut, et c'est un bon endroit où rencontrer l'amour. Il y a 93% des Français, d'ailleurs, qui disent que c'est un bon endroit pour se faire des amis. Pourquoi tu ris? Non, parce que. Pourquoi tu c'est ris? Regarde la photo qu'on a reçue à Bruno du club échangiste nous a envoyé. Oh Cédric. Et Cédric, il est derrière le bar, la main levée en l'air. Oh face à des mecs à poil. Il y a que des mecs. Mais c'est un club gay, non? Ah ouais. Mais non, il y a des mecs. Il n'y a pas une meuf. Ah, mais il n'y a pas une meuf. Il n'y a que des mecs torse nu en paréo. Je l'ai transformé en MST club. Non, c'est le troisième. À côté du black, là, à gauche, il y a une meuf. Ah ouais, la brune. Ah ouais, il y a une meuf. Ah, c'est une meuf, ça. Au fond, il y a une meuf. Bien, c'est intéressant. En tout cas, c'est sympa. Mais Cédric, t'étais en paréo en bas ou pas? Mais qu'est-ce qu'on fait derrière le bar? Non. Parce qu'en fait, quand t'as habillé... fait la sécu maintenant. Non, quand t'es habillé, le seul endroit où tu peux être, c'est au bar. Sinon, ah, d'accord. De l'autre côté, c'est les clients, tu vois. Donc t'es resté derrière le bar tout au long de la soirée. J'ai pris mon livre et puis après je me suis barré. Quoi. T'as lu ton livre derrière le bar. Les clients ils devaient dire c'est qui ce pauvre mec. Le mec installé il y a un peu. C'est qui ce pauvre mec avec son livre. Exceptionnel. Mais t'as pas revu là ton pote de la semaine dernière là qui voulait soi-disant qui voulait te brancher là. Le chauve là. Le client avec là sa meuf. Ouais. Avec sa meuf. Non. Ah bah tu m'étonnes. Les derniers ils ont dit bon allez on va plus dans cet endroit. Il y a un mec chelou derrière le bar désormais. Je suis sûr que Cédric en a pris plein le cul. Cédric a vraiment une vie bizarre. Mort de rire. Heidi. Hein, mon rêve, aller dans un club échangiste, mais j'ai que 14 ans. Ouais, c'était un peu jeune. Oui, c'est Bis. Il a le temps. Oui, t'as le temps. Bis du 69 qui nous envoie un message. Mais là, dans le club, Cédric, c'est obligé d'être en paréo parce que tous les mecs sont en paréo. Ouais, c'est ça, ouais. Bah oui. Mais quand ils bandent, le paréo, il se lève. Bah oui. T'as déjà vu des mecs bandés Non, t'en as fait bander. Non, parce qu'en fait, il y a un coin canin là. T'as vu des gens ken, non? C'est une fois que. Non. Mais non, parce qu'en fait, ils kennent dans le coin canin, ce qu'ils appellent. Ah, ouais, puis tu peux pas ken au bar comme ça? Non, mais t'es en genre, tu ken devant Cédric qui a accoudé. En train de lire un livre. En train de lire. Ah ouais, gros. Si, c'est son gros. Voilà. Tu veux venir, Karim, putain. Ah, tu veux y aller, Karim? Non, mais j'ai une meuf, elle m'a dit non. Ah d'accord. Ah oui, donc là forcément. Mais en club échangé, ça m'a dit non. Ils sont pas très tolérants. C'est étonnant, tiens. Donc pour revenir à mon truc, là, il y a 93% des Français qui soient au bahut, ou alors qui soient au salut, d'ailleurs si vous êtes au bahut, je sais pas que la journée n'a pas été trop dure, qui soient au bahut ou alors au boulot et qui disent que bah, c'est un bon endroit pour se faire des amis. C'est vrai qu'on s'est fait un paquet d'amis au bahut, hein. On s'est fait un paquet d'amis au boulot aussi, ça peut marcher. Quoique, pas toujours. Ouais, même plus. D'ailleurs, ce matin, on vous demandait les témoignages. T'as beaucoup d'amis au boulot, toi, Camille? Bah après c'est pas forcément des amis, il y en a que je m'entends plus avec d'autres. Ouais, des bons potes. Mais après je fais quand même des distances quoi parce que c'est vrai que t'es la seule meuf dans le garage. Et on est 7. 7 meufs. Ouais, cette nana, ouais. Oh, ça va. Ah ouais, il y a du monde. Ah ouais, c'est un gros truc déjà, ouais. Ouais, c'est un garage. Putain, on en a deux, nous, Médeline et Marie. Mais c'est un garage à vite. Eh oh. C'est drôle, ça aussi. Ouais, c'était très drôle. Merde, c'est super. Ouais, bah voilà, tu vois, c'était tellement drôle que c'est pas le bon truc. Et on vous demandait d'ailleurs ce matin si vous aviez trouvé des poteaux ou plus d'ailleurs au boulot. Il y a JB qui nous a laissé un message. Écoutez, si vous êtes en train de travailler, vous pouvez trouver l'amour. Salut Difool, salut l'équipe. Alors moi, c'est JB du 28. Moi, j'ai rencontré ma femme il y a 13 ans de ça au boulot, dans un restaurant, car moi, je suis cuisinier, elle était serveuse. Et tu vois, nous sommes mariés, nous avons 4 enfants et tout va pour le mieux. Voilà, bonne journée l'équipe. C'est peut-être ce qui va t'arriver, Camille, dans pas longtemps, ça. Eh ben, on verra. On verra. Je ne vais pas précipiter les choses non plus. Hein. Non, mais tu nous appelles quand tu fais un enfant. Bon, on a le temps, ça sera bon là. C'était oui, début, oui, ouais. Bah, tranquille. Au plus tôt dans 9 mois. Hein. Et message de Brahms aussi. Salut Brahms. Ouais, salut l'équipe, c'est Brahms. Oui. Bah, écoutez, moi, une fois, j'ai trouvé l'amour, si on peut dire ça, au boulot. Mais c'était tellement une psychopathe que bah, j'ai dû changer de boulot et changer de téléphone et de vie. C'est le risque. Parce que la meuf, elle voulait tout contrôler. Et ça, c'est pas possible.
Voilà l'équipe, bonne journée. Bonne journée à toi, enfin bonne soirée à toi plutôt, Brahms. C'est vrai que j'ai un ami dans l'équipe qui a exactement le même problème, qui s'est posé des questions après avoir été harcelé par un autre membre de l'équipe. Ah ouais. Bah, j'étais pas loin de me faire transférer, ouais. C'est ça. Il y a une histoire que je voulais vous raconter aussi. Vas-y, Camille. C'est à une copine, une amie, hein, qui lui est arrivée à son travail. Elle était en intérim et en fait, elle a rencontré un mec là-bas. Et le mec, en fait, déjà, elle allait au coin fumeur, il venait tout le temps, mais il fumait pas. Donc, déjà un peu bizarre. Ah, c'est pour la voir. Et en fait, bah, la nana, elle a commencé à s'attacher à lui, ils ont commencé à parler, s'échanger leur numéro. Ils se voyaient à l'extérieur du travail, mais le mec ne voulait jamais qu'elle aille chez lui. Il disait, pour un premier date, c'est mieux d'aller à l'hôtel, machin truc. Alors que je suis pas trop d'accord, mais bon, c'est comme ça. Et elle a commencé à s'attacher à lui et tout, donc c'était une relation discrète aussi comme ça. Et en fait, elle a appris que le mec l'avait menti sur toute sa vie. Ouais, le mec, il avait une femme à la maison. C'est-à-dire en fait, bah, le mec, déjà, il disait qu'il en avait 37 alors qu'il en avait 41. Oui, bon, c'est débile de mentir pour 4 ans. Oui. Voilà. Ah, ouais, ensuite, surtout à cet âge-là. Ouais. Bah, oui, à cet âge-là, oui, plutôt, ensuite, oui, pourquoi pas. Il avait une nénette depuis 7 ans. C'est pour ça qu'il ne voulait pas la ramener à la maison. Il habitait avec elle et tout, tout ça. Il a menti sur toute sa vie, quoi. Mais ouais. Il bossait au même endroit quand même, parce que. Ouais. T'as dit ça par l'ambiance après. Elle bossait pas au même endroit, mais eux deux, ils bossaient au même endroit. Et en fait, bah, du coup, elle a tout appris. Elle a même su son adresse parce qu'il lui a envoyé des photos sur message. Et apparemment, quand on enregistre les photos qu'on nous envoie par message, s'il y a la localisation, on peut voir le lieu où la photo a été prise. Donc il l'a repéré. Ouais, ah ouais. Du coup, elle a retrouvé son adresse et tout. Et elle était devenue complètement psychopathe, hein, quand même, elle. Ah ouais, non mais ouais, elle est complètement psychopathe, elle a débarqué devant chez lui, et pour voir s'il y avait sa voiture, parce qu'en fait elle était tellement en love, quoi, qu'elle y croyait pas, quoi. Ah ouais. Et elle a carrément s'est fait avoir sur toute la ligne. Ah bah c'est clair. Elle a retrouvé le profil de la nana et tout, mais une vraie inspecteur gadget. Yep. Bah voilà une belle histoire au boulot, dis donc. C'est pas mal. Tiens, il y a André, 24 ans, là, qui nous laisse un message, qui dit « Moi je travaillais sur les bateaux de la ville de Bordeaux, ça baisait à tout va ». À bord des bateaux pendant que les arrive. Il va nous raconter. Très bien. Ah bah on va parler de baise au boulot, baise au bahut également, parce que je vois que dans les toilettes il s'est passé des choses. Moi quand j'avais 14 ans, je suis sorti avec une fille et le jour de mes 15 ans, elle a décidé de me branler. Ah gentil. On a fait ça dans les toilettes du bahut. Sympa comme tout. C'est Propri qui nous envoie le message. Salut Propri. Propri de Corse. Ah ouais, putain, dans les chiottes du bahut. Eh ouais. T'as jamais branlé un mec dans les chiottes du bahut? Non, pas ouf. Je sais même plus ce qu'on avait fait. Si on avait fricoté, mais bon, ça pue hein, quand même dans les chiottes du bahut. Ça vite. Ouais, oh là là. Ah, il pète du bahut. C'est incroyable. L'autre, il avait infesté toutes les chiottes. Non, mais on est d'accord que les chiottes du bahut, c'est quand même pas les chiottes les plus propres de la terre. C'est mon prof principal. Ton prof principal, hein. Ah, bah bien sûr. C'est bien pour avoir des bonnes notes, ça. Oui. Et ouais, bon, c'est pas con. Allez, vous nous racontez, on en reparle avec vous. Camille, on fait des gros bisous. Et puis tiens-nous au courant de la suite de ces aventures amoureuses. Tu vois, tout se passe bien. Il n'y a pas de soucis. J'avais dit qu'il fallait pas stresser. Bonne soirée. Et toi aussi, Camille. Salut, Camille. Salut. Camille Dévry, on nous demande où elle est. Si un jour elle est célibataire, qu'elle m'appelle. Elle a vraiment une voix charmante. Et en plus, elle s'exprime bien. Non, mais tu veux pas nous appeler un soir quand vous nous dites. Toi, c'est Mock qui nous envoie un message. C'est quoi, ça? Et Karim a une idée, dis donc. Juste, il veut écouter. Ouais, pour voir ce que ça donne. Il est chaud, Karim. Ce serait bien, ça, un jour, on fait ça. Une soirée spéciale, Ken. C'est vrai que le projet est pas mal. L'idée plaît également. L'idée est pas mal. Je te jure. Voilà. Ouais, moi ça va. T'as envie de m'entendre Ken, Guigui? Oh, ouais, Ken, ouais, encore, ça mon va. Dieu. T'aimerais pas, Guigui? Bon, comme ça, en même temps, la souffrance serait de courte durée. Après, au moins, ça pourrait être marrant, peut-être. Mais bon. Mec, ouais, 10 secondes, oh merde. Mais tu serais mort de rire? Oh là, j'ai craché. Bon, bah, c'est bien, en tout cas. Merci pour ton témoignage, Camille. On a bien démarré cette soirée, c'est pas fini. Dans un instant, on ira faire un tour sur les bateaux de Bordeaux. Il se passe des choses de sexe. Peut-être dans des toilettes aussi, puisque je vois qu'il y a pas mal de messages. Même les toilettes du boulot. Diffoul, on arrive à baiser. Ces messages de Mehmet sur l'appli. Bonjour, Mehmet du 68. Salut Mehmet. Dans les moi j'ai déjà fait la shot de Sky. Hein. Mais comment tu as fait pour rentrer? Ah oui, tu nous l'avais dit. Ouais, mais au troisième étage. Ah, je suis handicapé. Non. Ah bon, mais comment t'as fait pour rentrer? Bah, il passe les portes encore. Ah, c'est ça. C'est à l'époque, ça passait quoi. Bon, rentrer en travers, tu sais, marcher comme un crabe. Attends, je te rejoins. Bon, Ali, dans un instant, au téléphone avec nous en direct de Rouen. Salut Ali, on file en Normandie. Ouais, Ali. Ça va, Ali? T'as une question à nous poser, toi, Ali, c'est ça? Ali?
C'est ça, très bien. Et... rapproche-toi du téléphone, bah, c'est du mal comme ça. Ça, ça sera plus pratique. On va pas t'entendre. Et puis André, tiens, on filera aussi à Bordeaux. Et vous nous appelez pour tout ce que vous voulez. Hein. Salut André. Vous avez vu comment on est efficace, Camille. Je lui ai dit ce qui allait se passer dans sa vie. Je dois être voyant, peut-être. C'est peut-être ça mon truc. Ah, c'est ça, c'est sûr même. C'est la voyance. Et les doubles appels et Soul King et Gazo tout de suite sur Sky. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Et oui, la plus grande radio libre de France tous les soirs, c'est sur Skyrock. Profitez-en, appelez-nous 01 53 40 30 20. Vous pouvez tout dire ici, tout. Si vous avez un coup de gueule à pousser, si vous arrivez à un truc, un conseil à nous demander, comment on l'a fait avec Camille tout à l'heure. N'hésitez pas, appelez-nous. Et pas de censure. Et d'ailleurs, je tiens quand même à lancer un message à Bruno du club échangiste qui a été censuré par Cédric, parce que Cédric a appelé Bruno plutôt que de vous répondre. Vous êtes là à vous plaindre, à nous dire. Et vous avez bien raison. Ça répond pas au téléphone, tout ça. Ça sonne, personne répond. Et ouais. Et Cédric passe son temps à passer des coups de fil personnels et à demander à Bruno. Voilà, allez, arrête d'envoyer des photos. Elle est lourde un peu d'envoyer des photos comme ça. Mais on va peut-être avoir un gros dossier qui va sortir. Surtout les photos. Alors, quelles photos tu veux pas qu'il envoie, Cédric? Bah, celle où je suis toute nue. Notez ça pour une pour un petit jingle. Note toute nue. Voilà, toute nue. 21h34 et 50 secondes. Pourquoi tu t'habilles en femme là-bas? Je mets une perruque et tout. Note, Guigui, c'est bon, mais du coup, il me dit de noter. Oui, t'inquiète pas. 50 fois. C'est vrai que t'as un nouveau jingle. T'es content? Voilà, c'est pour ça que je me laisse pousser les cheveux. Je suis démasqué. Donc, Bruno, te laisse pas censurer. Tu peux continuer à nous envoyer des photos. C'est radio libre ici, personne censure personne. Vous pouvez tout nous dire, profitez-en, on vous attend. T'as pas l'air serein, Cédric. Ça va. Un dossier avant minuit, ça va déchirer. T'inquiète pas, il n'y a pas de dossier. Ah là là, si, il y a des dossiers. Tu peux même l'appeler, tiens, tu verras. Il y a des dossiers qui arrivent. Bon, alors, on prépare les doubles appels. Enfin, vous préparez les doubles appels. Commence pas à bégayer, t'as pas l'air bien. C'est vous qui nous envoyez vos messages avec les numéros de ceux que vous voulez qu'on mette en contact les uns avec les autres. Double appel à retrouver. Clash de la drague tout à l'heure. Et puis vous, en direct, on aura Ali qu'on va prendre dans un instant. On parlait baise au bahut, baise au boulot. Tiens, qui a baisé au bahut dans l'équipe, Romano? Sucer. Bah, c'est pareil. Ouais, quoi, j'ai même branlé. Oui, moi j'ai fait tout ça avec Poki Pu, ouais. Juste avec Poki Pu, pas la gothique. Non, la gothique, on était pas dans le même bahut. Hein. Et tu l'as pas ramené dans ton bahut pour. Bah, non, je pouvais l'avoir en. Poki Pu, je le faisais parce qu'on n'avait pas le choix, quoi. Ouais. J'arrive même plus à dire son nom, la gothique. Gothique. Non, mais on peut se voir à l'extérieur, donc je la doigtais en extérieur. D'accord, en extérieur, dans la campagne. Ouais, c'est ça, dans la campagne, chez moi, chez elle. C'est bucolique. Ça dépendait. Où tu trouvais, ouais. Ouais, j'avais niqué dans une cave un jour. C'est bucolique, ça aussi. Une cave d'immeuble. Bucolique. C'est romantique. C'est sympa. Bucolique romantique. Ouais, bien sûr, toujours. Guigui. Ah non, jamais. Jamais fait branler au bahut. Jamais. Et au boulot non plus. Non, au boulot, du coup, encore moins. Bah, ça va peut-être pas tarder. Mais attends, qui sait? Bah non, c'est Cédric, on l'a dit. Je suis Cédric qui est prévu. Ouais, jamais. Oh, j'ai mis une perruque. Mais nous, dans mon bahut, ouais, ça baisait pas du tout, c'était pas commun. Et bah, ouais. Ah, non, il y en a quand même qui l'ont fait. Bon, non plus, c'est pas. Ça peut arriver, oui. Non plus, c'était pas commun. Ouais, mais je pense que ça se faisait. Moi, ça se faisait beaucoup parce que c'était à l'internat aussi. Ah, l'internat, je pense que, ouais. Ouais, dans les internats, je pense que c'est la toute patate. Ouais, moi, c'était dans le dortoir. Ouais, j'ai un pote au collège qui est parti à l'internat et c'est vrai que lui, il avait qu'elle, mais à l'internat, pour le coup. Très bien. Dans les bahuts plus classiques, on va dire, ouais, c'était pas trop commun. En tout cas, chez moi, c'était pas la folie. Marie. Bah, moi, je t'ai dit dortoir. Et au boulot. Et puis, j'ai fricoté. Ouais, mais paniqué, hein. Paniqué au boulot. Non, jamais. Paniqué. Très déçu, moi. Jamais fait du sexe à Sky. Non, paniqué, non. Ah, d'accord. T'as serré, mais paniqué. Voilà. D'accord. Karim. Non, au bahut, jamais. Au bahut, Ken, dans le bahut. Oui, enfin, non. Ken ou petit attouchement. Ah, non, non, ouais. Juste, non. Juste étudier. Non, juste étudier et faire des bisous, c'est tout. Oh, c'est mignon. Un élève studieux. Ouais, c'est ça. Et au boulot. Au boulot. Ah bah oui, quand tu as ton taxiphone là. Ah ouais, ça, évidemment. Ta pizzeria, tout ça. Au taxiphone, pizzeria. Ce qui arrive, il a été jeune entrepreneur. Ouais, bah tout a fermé, faillite. Ça a bien réussi. Quel success story. Ah ouais, d'où. Et aussi, je me suis fait sucer par des meufs. Au taxiphone, une meuf, elle voulait un chargeur, elle avait pas d'oseille, donc elle m'a sucé. Tu nous avais dit l'autre. C'est elle qui m'a proposé. Elle est gentille. Et puis il y a celle à la pizzeria qui voulait un supplément champignon aussi. Exactement. Ah bah là, tu l'as servi. Tu l'as servi, elle était contente. Et toi, Samy? Jamais, gros. Putain, mais jamais. Non, des petits chauffages, tu sais, des trucs comme ça, mais rien de sec. Un chauffage, mais genre radiateur. Non. Tu te chauffes un peu avec la meuf, tu tripotes un peu, mais rien de. Non, bah, moi non plus, rien. Jamais rien. Par contre, à la radio, ouais. Oh. Putain, mon Dieu. Avec la meuf de l'époque. Comprenez pourquoi on ne va plus au siège social de la radio, parce que nous, l'émission, je dis ça pour ceux qui. La radio, c'est rue Greneta à Paris 2e. Et nous, on est à Courbevoie. On s'est déporté parce qu'on ne voulait plus aller là-bas. L'endroit est insalubre. N'importe quoi. Depuis que Cédric a baisé à l'intérieur. Toute la crise de Skyrock a chopé des champignons. Par des rappeurs.
Ah non, du tout, non. Non, c'était ma meuf de l'époque. Ah, c'est devenu au troisième. Il y a des bruits qui courent. Des ouais, bruits qui courent, a priori. T'aurais payé ton cul à tout le rap français, quoi. Wow, oh, c'est vrai que c'est gentil. Oh, bah dis donc. Eh bah, ça fait plaisir. Bon, on a fait le tour. Où est le tour de l'équipe? Ah bah, vous. Et en direct maintenant, on va retrouver. Tiens, on va filer à Bordeaux. Il a 24 ans, il s'appelle André. Salut, André. Bébé. André. Ouais, salut. Salut. Ouais, salut, André. T'es encore dans un bateau bouche, André? Non, là c'est juste que je conduis. Attends, il faut que je me mette sur le côté. Ah, ouais. Oui, c'est vrai. Ah, attention, André va se garer. On rentre pas dans un mur, hein, sur le côté. Oui. Non, mais c'est surtout qu'on m'a déjà retiré le permis, j'ai pas envie de me faire contrôler. Ah, tu conduis sans permis, très bien, oui. Parfait. Donc, comme quoi, tu ne risques. Normal, quoi. Tu ne risques absolument plus rien. Il s'est garé. Ah, bah super. Enfin, effectivement, tu es compétent. Tu t'es bien garé. On a Aurélien aussi en direct de Nantes avec nous. Salut Aurélien. Salut l'équipe, ça va. Salut Aurélien. Bon, tout va bien. Hello. Hello. Ouais, tranquille. Bon, et on retrouvera Ali dans un instant qui a une question à vous poser, une question pour la drague. Et oui, Skyrock, la radio de la drague, la radio de l'amour, la radio du sexe. Waouh. Vous êtes prêts pour le clash d'ailleurs de tout à l'heure? Ah ouais, c'est bon, moi j'ai ma méthode. Ah, c'est bien. Vous êtes chaude? Chaud, oh là, chaude. Moi je suis toute nue. Non, pas encore, non. Oh, avec ma perruque. Même pas de clou. Oh là, comme au changiste. C'est ça. Tu as été quand? Samedi. Putain, mais le belge, j'y crois pas, quoi. Le mec, il va faire un genre de sécu là-bas, quoi. Ouais, non, mais non. En jupe. Ouais. Là, j'étais au restaurant de mon pote. Là, parce que j'ai un pote qui a un restaurant à côté, en plus, tu le connais. Et je suis passé, tu sais, Bruno m'avait dit, ouais, pas chercher le. Quand tu veux, pas chercher mon livre, parce qu'il a fait un livre sur son club. Je suis passé, je me suis raté 5-10 minutes, tu vois. On a discuté, et puis. C'est ça, ouais. Voilà. Et puis, ce que tu nous as dit tout à l'heure. Et puis, on a bien compris, va. Alors, on a pigé. On n'a pas besoin de dessin, ni de renseignements. Ouais, non, surtout pas de dessin. Par contre, Bruno, tu peux continuer d'envoyer des photos, hein, je te le dis. Bruno. On prend ça, vas-y Bruno, éclate-toi. Bon, alors André, qu'est-ce qui t'est arrivé dans les Aurélien, toi aussi tu réagis par rapport à la baisse au travail ou au bahut? Ouais, c'est ça. Très bien. Et André, donc toi, ouais, toi, c'est les bateaux, j'allais dire bateaux mouches, pas comme ça que ça s'appelle à Bordeaux, c'est les bateaux de la ville de Bordeaux. Bateaux mouches. Ouais, c'est les bateaux cubes. Les bateaux cubes. Les bateaux cubes. Les bateaux cubes, d'accord. Les bateaux de la communauté. C'est ça qui est tombé. C'est quoi ce bruit? Non, elle est là. Ah, c'est bien, mais elle a eu peur, la coup, j'engueulais. Ah bah, c'est une porte qui a claqué, tout simplement. Alors, oui, il faut arrêter les courants d'air parce qu'on va tous tomber malades, Julien. Ah, grave. Je suis pas du tout hypochondriaque. Hein, les bats de cube? Non, à peine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, les bats de cube? Tu nous as dit que ça baisait dans tous les sens, toi, André. Ah, quand j'y étais à l'époque, ouais, c'était comme ça. On avait une équipe, on était 7 matelots et 7 capitaines. Oh, matelots sous fixe. Oh bah, tous les capitaines nous ont enculés. Tous. Ah, c'est presque ça, parce que dans le matelot, il y avait plus de filles que de garçons, et dans les capitaines, plus de mecs. C'était très équitable. Ok. On était une équipe assez soudée, on faisait des soirées ensemble et tout ça. Ça finissait souvent au bar après le service. Et ouais, il y avait pas mal d'histoires entre les mecs et les meufs de la boîte. Moi, je suis PD, du coup, c'était pas ma cam qu'il y avait dans le. Tu t'es jamais tapé un capitaine ou un matelot? Non, du tout, mais par contre, je ramenais mes plans cul le soir, une fois posé, ça vendait un peu du rêve, t'es sur la Garonne. Allez, viens, on va baisser sur mon bas de cube. Ouais. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Les machines aussi. Donc, toi, t'as vu des trucs, t'es déjà tombé, je sais pas, sur un couple en flag ou. Comment ça s'est passé? Non, mais un matin, si je suis arrivé, il y avait le capitaine et une matelote qui était déjà là, alors que c'était moi qui devais prendre le service. Tu l'as sucé, matelote? Elle dormait, elle avait encore un petit plaid sur elle. Et on s'est rien dit, enfin, juste un regard avec le capitaine, un sourire. Et on a passé la journée à travailler sans rien dire, sans parler de ce qui était. Ah, genre le soir, ça voulait tout dire, genre, ah, tu la cannes, hein, cochon. Ah ouais, tu vois. Bon, on savait qu'il y avait déjà entre les deux un petit rapprochement. C'est quand on était au bar, tu sais, quand t'es un peu nu, on voit tout de suite qui c'est qui se rapproche les uns des autres. Ah ouais, donc t'as bien, ouais. Tu pouvais étudier tout ça. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas envie d'aller bosser, vous avez un truc comme ça qui vous attend au boulot. Ça motive. Ça vous donne envie d'y aller. Donc ça nique pas mal dans le bas de cube. J'avais peur, moi, quand je l'ai fait plusieurs fois, que quelqu'un arrive et ait la même idée, en fait, le soir même, et qu'on se retrouve, en fait, sur le bateau. En fait, c'était un club échangiste, le bas de cube. Si vous prenez les bateaux de la ville de Bordeaux. Là-bas, les touristes, ils étaient là, putain, mais ça sent la bite sur le bateau. J'en ai vu où, quand ils s'asseyaient le matin, ben, je savais ce qui s'était passé la veille, quoi, tu vois. J'étais là, ça pue la bite. T'es déjà sorti avec
Bah, je sais pas, mais il devait sûrement avoir quelques vestiges. Des doutes. Ah, sympa. Et arrête, Aurélien, toi, à Nantes aussi, t'as baisé au boulot. Tu fais quoi comme boulot, Aurélien? Là, je suis conseiller client, mais ça, c'est dans mon ancien boulot, en fait. C'était quoi l'ancien boulot? Je travaille à la poste. Ah, et ça baise à la poste, alors. On salue tous les postiers, c'est qu'on est grave écouté à la poste. Ouais. Chaque fois que je vais à la poste, on me demande de leur donner. Oui, Diffoul, tu viens me donner 1500 euros? Non, non, je évidemment, viens, oui, c'est pour ça. Eh bien, non. Non, non, je viens poster ou chercher un colis. Enfin, je. Mais on salue tous les postiers, ouais, qui nous écoutent. Tu bosses à la poste et c'est passé quoi là-bas? Bah, en fait, je travaille dans un centre de tri. Et donc, bah, je travaille le matin. Et puis, bah, un jour, j'ai vu une intérimaire. Très sympathique. On a au début sympathisé. Et puis, bah, au fur et à mesure, on est sorti ensemble. Donc, jusqu'à là, ça se passait bien. Ouais. Elles, qui sont des journées de comment ça s'appelle? De bureau, quoi, donc, hein, 9h-17h. Ouais. Et puis, bah, au fur et à mesure de notre relation, on s'est vu chez moi, on a Ken, etc. Ouais. Et puis, ah, vous n'êtes pas Ken à la poste, je sais pas, dans les colis, tout ça? Si on pourrait Ken dans les camions encore. Je sais qu'il y en a un, il a Ken une chauffeuse, un gros queutard. il a Ken une chauffeuse. C'est vrai que les camions, c'est pratique, tu fermes le camion. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est comme un petit appartement sur roulette, quoi. C'est une bonne expérience. Comment, il a dit que c'était une bonne expérience? Ouais, de baiser une chauffeuse. Dans d'accord. Un camion. Pas comme son nom l'indique, elle va être bien ouais. Chaude. Ouais, je chauffais bien, ouais. Oui. Et puis, au bout de 4-5 mois, je trouve qu'elle était un peu distante, elle voulait plus qu'on se voit, je me suis un peu posé des questions. Et puis, ben, en fait, j'ai appris qu'elle se tapait un intérimaire de l'après-midi, quoi. D'accord. Donc, l'hôtel se tapait tout le bureau de poste. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, voilà, la meuf se faisait plus sauter que qu'elle ne bossait, quoi. C'est ça. Elle se faisait sauter matin, midi et soir, quasiment. Et comment ça s'est passé, vos rapports, juste après, quand t'as su qu'elle avait un autre mec? Quand j'ai su ça, je l'ai direct plaqué, quoi. Ça avait aucun intérêt. Et puis en plus, c'était mon premier amour, donc tu vois. Ah ouais, donc t'as merde, ouais. Toi, t'étais love, toi. Voilà, quoi. Ah ouais, t'étais amoureux. Ouais, bah, j'étais là, et puis, elle, c'était, voilà. Ouais. Quelqu'un qui voulait profiter, quoi. Eh ouais. Et c'est ça le problème du boulot, c'est-à-dire que t'es obligé de continuer de voir la personne. Donc franchement, je déconseille à tous ceux qui fréquentent quelqu'un dans un travail, ne le faites pas parce que c'est problème. Ah bah nous aussi, ça risque pas. Va. Non, non, on est immunisé. Ah ça, c'est clair que ça, au niveau de la sélection, il n'y a pas de soucis. Seulement même si ça n'a pas été fait exprès. Par contre, si t'as le numéro de Bruno, je le prends. Hein. Ah, pour aller dans son club échangiste. Ouais, il est intéressé. Non, mais là, on a reçu une autre photo, mais Cédric, t'étais torse nu derrière le bar. Oh, mais non, non. Ah, mais là, la photo, gros. Je dirais même, j'étais toute nue. Non. Toute nue, toute nue. Mais jamais de la vie, si je me mettrais torse nu. Un plan à trois, il te propose. Mais jamais. Ouais. Je suis sûr, en plus, c'est Bruno, je fais ça, il va envoyer une photo, jamais de la vie, je ferais ça. Non, mais Aurélien, t'as ta vie ou quoi pour vouloir baiser avec Cédric? Bon, non, faut en profiter. Ouais, là, faut profiter. Ouais, ouais, vas-y, on va se faire une soirée, t'inquiète. Ah, carrément. T'as raison, Aurélien, t'as raison, c'est bien. Et au BU, vous êtes fait sucer parce que là, il y a Tania qui nous envoie un message et qui nous dit, moi, je l'ai fait une fois, mais après, le mec l'a dit et tout le monde le savait, j'avais trop honte. Putain, ouais, ça a été une année horrible. Je me souviendrai toujours de mon année terminale. Ah, bah, c'est pas cool, t'es affiché. C'est vrai que quand tout le monde est au courant, c'est bâtard, ouais. Les mecs qui viennent te voir, ils te font. Ah ouais, horrible. C'est limite du harcèlement. Bah, ouais. Et ouais, t'as baisé au BU, toi, Aurélien? Non, mais tu vois, j'étais que dans une classe de meufs, on était deux mecs, mais franchement, t'avais de la meuf. C'est cool, ça. Elle était bonne. Non. Bah, je dis, c'est cool, moi, ça me plairait pas d'être que deux mecs. Ah, ça doit être relou. Ouais, putain, t'as leur discussion de merde. Allez, non, je pensais pas truc de. C'est reparti. De maquillage, de ménage, de vaisselle. Ouais, on parle que de ça, c'est sûr. On fait ça pendant un an. Non, ils font leur bouche en cul de poule, là. Non, mais c'est juste. Ouais, ils font les poupées de tête. Qu'est-ce qu'il dit, Aurélien? Il a raison, hein. C'est vrai que t'en as toujours une qui a un cul en bout, une bouche, un cul de poule. Enfin, les photos, ouais. Ah ouais, là, c'est clair. Ouais. T'as toujours la beurrette orange, voilà quoi. T'es une beurrette orange, toi, dis donc. Ah ouais. Ouais. Tu tapes les traînes de TikTok. Attends, ah, ouais, les stories des gens, la salope dessus. Sois plus sexe, ma beste. Bon, on t'embrasse, Aurélien, merci beaucoup de fil. Merci André aussi, hein. Toi, au Bahut, t'as fait des trucs ou pas? Merci. Non, au Bahut, merci. T'as fait des trucs au Bahut, toi, André, ou pas? Non, j'étais pédé, du coup, c'était compliqué d'aller. Enfin, t'as du mal à assumer, tu vas pas forcément. Ouais, tu le disais pas, tu le cachais un peu tout ça. Voilà, du coup, c'était ma sexualité, c'était plus en dehors du Bahut. Ouais. Donc, s'il y avait des mecs au Bahut, et il y en avait sûrement, hein, qui préféraient aussi les gars, ça se savait pas, eux, ils étaient comme toi, pareil, ils disaient rien. Bah, sinon, il y en avait, ça se voyait, mais bon, enfin, bah, déjà, j'ai pas trop. Faut se méfier, ça, hein. Parce qu'on a déjà eu des mecs genre gros viril, carrière de rugbyman et puis qui s'amusaient avec des garçons et puis des mecs super efféminés avec une queue de cheval par exemple
qui n'était pas gay. On a également des exemples inverses, bien sûr. Voilà. Non, faut pas. Voilà. Comme on le dit en Bourgogne et chez Guigui, l'habit ne fait pas le moine. Alléluia. Hey. Exactement. Alléluia. Ça, c'est bien dit. Exactement. Voilà, Guigui, il est content. Ah, il y a une Porto. Je me suis fait sucer par la plus moche de la classe, mais putain, qu'est-ce qu'elle suçait bien. Eh ben, écoute, c'est super, Porto. Parfait. Ah, t'as fait une rose. Ouais. Et Damso nous dit, moi aussi, j'étais dans une classe avec plus de nanas. Par contre, il y avait que des faux culs. Un jour, c'est ma meilleure amie. L'autre jour, c'était une pute. C'était compliqué à gérer, Damso. Non, moi, c'est juste le fait que, moi, j'aime bien que ce soit tout mélangé. T'as qu'un mec, tu t'entends pas avec lui. C'est ouais, ouais, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Bon, ben, merci. Merci les témoignages, merci André, on t'embrasse. Merci, il y a moyen de gratter un t-shirt ? Oui, on va t'envoyer. On t'envoie ton t-shirt à Bordeaux, t-shirt allez. Skyrock. Et t-shirt Skyrock aussi pour toi Aurélie à Nantes. On vous embrasse tous les deux. Ouais, parfait. Merci la famille. Des bisous. Et venez quand vous voulez. Hein. Salut tous les deux. Salut. Alors, on a nos doubles appels à gérer, on va les faire. On aura une opération reconquête avec Aurel. Du 02. C'est ça, ouais. Tiens, on va le prendre tout de suite, Aurel. Enfin, on va vous prendre tout de suite. On va vous dire bonjour. On fait le double appel juste après. Il y aura aussi Ali qu'on retrouvera à Rouen qui a une question à poser par rapport à la séduction et par rapport à vous, les filles. Parce que vous avez la parole, évidemment. Ah bah oui. On a même démarré tout à l'heure avec vous et avec Camille. C'était beau. Alors, Arnaud du 13. Salut, Arnaud. Salut. Ah, t'as vu le web? Oh, comme on est nul! Ah ouais, tu as vu le web? Oh là là, des chèvres cette année! Oh, on est nul! Oh, voilà. Oh putain de merde! C'est méchant pour les chèvres, les gars! Oh là là, pauvre chèvre! Et Arnaud, toi t'es dans le. Alors toi t'es dans le 13, t'es où exactement, tu nous as dit? Alors, je suis dans le sud, après bon, j'ai oui, le 13, une question à poser à Cédric parce que j'ai un club échangiste. Ah, tu veux l'inviter pour qu'il vienne faire la sécu. Ah. Exactement. C'est gentil, merci. C'est pratique. Tu veux l'inviter pour faire la sécu. Non, mais je fais le tour des clubs échangistes. Oh là, mais tu veux que je me mette toute nue? Parce que je suis toute nue avec une perruque. Non, non, parce que j'ai une soirée très spéciale là bientôt qui pourrait peut-être te plaire. C'est ah ouais, mais il y a de la meuf au moins dans ton truc. Ah, t'inquiète, il va peut-être bien. Et de la fraîche. Ah bah vas-y, je viens. De la fraîche. C'est quoi la soirée un peu spéciale? Alors, c'est une soirée BDSM. Oh. Non, il adore. Tu lui mets une boule dans la bouche, tu lui mets des sangles noires à Cédric, et alors là, c'est le top du top pour lui. Oh, putain. Non. Tu sais que je te verrais bien, sadomaso. Oui, t'es malade. Bah, plus maso que. Ouais, plus, bah, ni sado ni maso. Non, c'est pas mon délire. Plus soumise, tu vois. Non, bah, pas du tout. Non. Ouais, donc maso. Mais ouais, jamais ça, de la vie. Avec une boule dans la bouche, comme ça. Ouais, bien sûr. Comme les cochons. Ouais, t'as des drôles de fantasmes, du coup. Je veux pas te dire, mais. Une pomme dans la bouche. Je m'imagine bizarrement, toi. Non, mais c'est vrai, je te verrais bien avec un string en cuir. Je te verrais bien ligoté avec des sangles en cuir, tu sais. Ouais, ligoter sur une roue comme ça. Ah non, mais là tu vas pouvoir te faire ligoter, tu vas pouvoir te faire attacher, te faire fouetter, te faire électrocuter même. Oh. Non, mais c'est gentil, poteau. C'est pas mal. Toi, merci Arnaud, je décline l'invitation. Tu verras bien habillé en cuir aussi, toi. Ouais, mais je fais ça le week-end d'ailleurs. Ah, voilà. J'ai mes tenues dans le placard, mais c'est réservé à Carriole, désolé. Ah, merde. Ouais, peut-être qu'un jour je viendrai comme ça, mais bon, j'ai peur d'exciter certains membres de l'équipe. Et Guigui, je te verrai bien sur le Guigui, là, j'espère. Ah ouais, bah écoute, jamais testé. Bon, je vais te les envoyer, Arnaud. Elle a pas dit non, hein. Pour ta grande soirée. Jamais testé, hein. Il est open, Guigui. Tu sais, tu veux me soumettre, Guigui? Non, moi, ça va aller. Voilà, si vous passez à Marseille. Ah ouais, t'inquiète. Plutôt que d'aller au vélodrome. Je vais venir avec toute ma famille, t'inquiète. Ça, c'est sympa. C'est un truc à faire en famille. Mais c'est où? C'est à Marseille même? C'est cool. Écoute-le, il est intéressé. Alors, je te le dirai, si tu veux, en privé, parce que si tu veux, c'est quand même un milieu assez fermé, tu vois, ce milieu. C'est un truc clandestin, ton truc. Organise ça dans des caves, gros. Non, non, c'est vraiment un beau club, un très gros club. C'est dans la cave de la Castellane. Il y a une bonne réputation, mais si tu veux, bon, c'est vrai que d'en parler comme ça à la radio, de dire le nom du club, c'est un peu. Ah, bon. C'est les vestiaires de l'OM. Ils sont tous soumis dans les vestiaires de l'OM. Tiens, là, 11, tiens, 11 clients. Ils se sont fait soumettre par la saucisse de Toulouse. C'était quand? C'était dimanche. Dimanche après-midi. Après, à 17h. C'est ça. Et ouais. Bon, on t'embrasse, Arnaud. Merci du coup de fil et de la proposition. Merci pour l'invite. Tu peux passer une petite dédicace? Et fais des photos s'il y a quelqu'un de Sky qui vient. Bah écoute, je fais une petite dédicace à ma fille parce qu'elle vous écoute souvent. Bon, j'essaie de pas trop lui faire écouter les moments un peu. Hein. Oui. Oui. Mais c'est vrai qu'elle adore, on se marre tout ça. Elle adore écouter dans le club échangiste quand elle m'accompagne. Ah ouais. Alors. Qu'est-ce qu'elle en pense d'ailleurs? T'avais à quel âge ta fille? Une petite dédicace à ma fille Inès. Elle a quel âge, Inès? Elle a 10 ans. Et elle sait que t'as un club échangiste? Ouais, elle sait ce que tu fais dans ta vie? C'est ce que c'est, ouais. Non, elle sait que j'ai une boîte de nuit, mais pas que. Tu l'as jamais ramené au taf avec toi? Tu restes discret. Bah, non, jamais. Non, mais peut-être attendre un peu, oui. J'espère que ça n'ira jamais. Mais ouais, t'imagines, ouais. Je comprends. Mais toi, t'as. Si j'ai un fils, ouais, ça me dérange pas, mais ma fille, non, par contre. Non, mais toi, t'as ouvert ça. La justice.
la discrimination des sexes. Ouais, ouais. Mais t'as ouvert ça parce que de base t'es échangiste ou t'as juste flairé le bon business? Alors, pas du tout, tu vois. Moi j'ai juste repris un peu le business de la famille en fait. C'est une boîte qui est dans la famille et j'ai repris le business. Mais genre, c'était qui tes parents qui avaient ça? Pas tout. Oui, c'est mon père là, qui avait ça. Ah ouais. Et comment comment tu vivais quand t'étais je sais pas, quand t'étais ado, quand t'étais petit? Bah écoute, je me suis bien amusé là-bas quand même. Même si je suis pas échangiste, c'est vrai que quand j'avais 18-19 ans, j'y allais, c'est vrai que je m'amusais bien. Mais ton père, il te faisait payer? T'as ramené des potes ou pas? Non, j'avais de la vie. Mais tu voyais ton père Ken? Non, non plus. Non, mais tant mieux, oui. Ouais, par contre, lui, tu voyais Ken. Ouais, lui, tu voyais Ken. Lui, pour le coup, c'est une chose, un échangiste, mais. Mais avec ta maman. C'est marrant d'avoir un papa échangiste. Ah putain, c'est chelou, ouais. Mais avec ta maman, ils se sont rencontrés dans un club ou genre rien à voir? Ben non, justement, c'est après leur séparation qu'il a commencé à monter. Ah, il est devenu basculé. Échangiste. Ouais, il est venu échangiste dans ce pas aussi, hein, parce que c'est trop chaud, mon père. Hein, peut-être qu'il a proposé à ta daronne à l'époque, elle a pas voulu et ça s'est fini. Ouais, peut-être. Hein. C'est jamais. Eh ben écoute, merci en tout cas, merci Arnaud du coup de fil et de la proposition. Merci. On t'embrasse. Le BDSM, merci, c'est mon car. Fantasme. Le latex, les paddles, les menottes, miam, nous dit Anna, 23 ans. Ah ouais. Elle est très excitée. Ah bah Anna peut venir quand elle veut. Hein. Anna, tu es la bienvenue, tu vois, tu es invitée. Anal. Ouais. Mort de rire, il a repris l'entreprise familiale. Ouais, c'est ça. Ah bah. Car bon. C'est original. Bah oui, c'est bon. Bon, salut Arnaud, on t'embrasse. Salut à toi. Merci, ciao. Dans un instant, salut. Aurel, en direct du 02 Opération Reconquête pour Aurel. T'as 19 ans, Aurel, hein, c'est ça? On va t'en trouver dans un instant. Ça va, Aurel? Oh, mon G-Fool, comment ça va? Ça va bien, Aurel. Salut. Et alors, mon Aurel. Salut, l'équipe derrière. L'équipe est toujours derrière moi. Ouais. Salut. Ouais, on est derrière du fou. On est derrière, on l'encule. Tellement je vais vite. Gueule-le. Tout de suite. Ah, quelle entrée. Bon, tu bouges pas, Aurel. Tu vas nous expliquer ce dont tu as besoin, là, ton opération reconquête. On aura Ali pour opération drague dans un instant. Et puis, bah, là, on a les double appels à gérer tout de suite. Merci pour tous les numéros. On a testé sur ça et c'est parti. Excusez-moi, il vous embête aussi, cette personne? Ferme tes. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ta mère, enculé, va. Le double appel de Default sur Skyrock. Je baisse ta mère, enculé. Ta mère. Super. Sympa. Et c'est parti. Ça sonne. C'est parti chez nos familles avec les numéros que vous nous avez envoyés. Allez. Voilà, ça fait tut-tut. C'est une sonnerie téléphonique, Cédric. Voilà. Allô? Allô, c'est qui? C'est Sylvie. Oui. Entre allô, Thierry. Sylvie. Thierry? Voilà. Allô? Oui, allô? Oui. Écoute. Oh, écoutez, j'y comprends rien. Oui, comment vas-tu? C'est toi, mais Sébastien, au moins? Voilà. Absolument, oui. Sébastien. Oh, t'es con, toi aussi, merde. Je peux te parler. Ouais, je suis à poil, là. Con, Sébastien. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Allô? Vous commencez à me faire chier, hein? Oh, je raccroche. Là, je suis à poil, là. Vous essayez de m'appeler? Allô? Ah, oh, au revoir. Attends. Allô? Oui. Bon, ben, oui, ben, qu'est-ce qu'il y a? Oh, comment ça me fait chier ces gens-là, merde. Ah bah je connais point. C'est Sébastien. Bah, je sais pas, c'est vous qui m'avez appelé, monsieur. Bah moi, si vous venez de me téléphoner à moi. C'est pas monsieur, c'est madame. Oui, madame, excusez-moi. Non, je vous ai pas appelé, c'est vous qui m'avez appelé. Là, j'ai vu appel masqué. D'accord. Ouais, problème, allô alors. Allô okay. Allô bah, allô, bah, allô, bah, allô bah, on va raccrocher. Pardon, on va raccrocher. Bah, bonne soirée alors à tous les deux. On raccroche. Allô allô, allô. Au revoir. Allô. Oui, comment vas-tu? Vous êtes qui? Patrick. Patrick. Ah oui, moi, vous appelez qui? Patrick. Patrick. Oui, et vous appelez qui? Patrick. Qui c'est qui m'appelle là? Patrick. Mais monsieur, si j'ai votre numéro de téléphone, vous savez qui vous appelez là? C'est pas moi qui vous appelle. Sûrement pas, non. Bon, je suis en train de regarder la télé, c'est pas moi qui vous appelle. Hein. Ouais, j'ai une bonne bite surtout. Hein. Voilà. T'as une cacouin pour. C'est quoi ce bordel là? C'est qui appelle là? Ben vous êtes qui? Ça recommence non? Ben, c'est quoi ça, votre connerie, là? Allô? Ben, connerie, moi, je vous ai jamais appelé! Oui? Oh, ben, qu'est-ce que c'est qui appelle, là? C'est pourquoi? Qui c'est qui vient de m'appeler? C'est marqué privé! Alors, arrêtez votre connerie, pour vrai. C'est pas moi qui vous appelle, non? Et c'est vous qui m'avez appelé? Va te faire voir! Je vous emmerde! Vous devez vous tromper de numéro, hein. Ici, vous êtes chez les pompiers. Ah, ben, c'est sûr. Oui. C'est pour moi qui appelle, hein. Ah, ben, moi, je sais pas, ça vient de me sonner chez moi. Non, mais oui. Vous êtes qui? Ferme ta gueule, pauvre tête de con! Oula! Oh non! Et après, je viens de discuter! Police secours, j'écoute! Ah, police secours! Mais c'est qui? Police secours! Police secours, j'écoute! Là-bas, comme du temps à perdre, hein? Non, mais. Non, mais vous êtes pas du tout là. C'est vous qui m'appelez, c'est pas moi qui vous appelle!
Alors vous arrêtez vos conneries, c'est bon. Hein. Mais tu es toujours aussi chaude. Voilà. Claude, j'ai jamais appelé Claude. Oui, bah ta gueule. Donc, c'est qui appelle là? Je suis pas ton chien, moi. Hein. Comment? Mais je t'emmerde, tiens. Je vais pas raccrocher, mais t'es déjà des têtes. Je t'emmerde. Qui continue de gueuler son mec. Salut les filles. Pauvre con, t'es bien pédé. Oh. Ah. Allô. 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 Oui. Oui. Allô. Oui. Oui. Oui, comment vas-tu? Comment? C'est qui, là? Faut arrêter d'appeler, là. Toujours le même. Un Patrick. Il faut arrêter d'appeler. Je te connais pas, moi. Moi, je suis Patrick, hein. Ouais, mais moi, je te connais pas. Ouais, je suis à poil, là. Allô? Ouais, je suis à poil, là. Oh, moi, je suis toute nue. Ah bah c'est bien. Ouais, j'ai une bonne vie surtout. Oh là, moi j'ai toute nue. Ah, je fais une perruque. Oui, mais rapide-toi s'il te plaît. Allô? Rapide-toi. Tu es écœurant. Allô? C'est bon? C'est bon. Allô? HV. Allô? Eh, on a appelé 20. Ouais. Non mais j'ai compté, 20. Ah ouais? Allô? J'adore le vin. Je brasse une goutte. J'adore le vin. Ça c'est ton chiffre, Mario. Génial. Ça, c'est clair. Vraiment, ça fait super. Allô? Allô, oui, c'est qui? Oui, comment vas-tu? Qui c'est? Patrick. Comment? Patrick. Patrick. Décidément. Quel Patrick? Ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. Allez, on attaque. Oh là, salaud. Comment? Allô? Ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. Va te faire enculer, bâtard. Doigt dans la chatte, là. C'est clair. Là, on termine bien. Oh, t'étais génial avant. Oh, salaud. Oh, salaud. Oh, salaud. 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 Oh. Elle est plus jeune, celle d'avant? Attends, je sais. Pas sûr qu'elle réponde, mais. Alors, oui, finit... bonjour, vous êtes sur le répondeur de. Bonjour, madame. Bonjour. Allô, allô? Oui? J'ai une bonne bite. Ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. Salaud. Tranquillement, ouais, avec ta queue à l'air, là. Oh là, et moi je suis toute nue. Oui, c'est bien, merci Cédric. Ouais, oh là, je vais me mettre en jupette. Oui, non, on va y aller, non, on va rester comme ça. Il fait froid, Cédric. On a perdu quelques degrés depuis 15 jours. On va se réchauffer comme ça. Ou non. Oh là. Bon, allez. Bien le double appel. Parfait. Ah ouais, bien. Merci pour le numéro. Vous restez bien dans le coin parce qu'on aura le clash de la drague à retrouver dans un instant sur Skyrock. Enfin, dans un instant avant 11h, on va faire le clash. Cédric et Romano, préparez-vous. Et si vous êtes là et que vous avez un truc à nous dire, ben vous pouvez nous appeler. Profitez-en. On retrouve Aurel dans un instant. Opération Reconquête. Si vous avez envie de reconquérir quelqu'un, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tiens, réfléchissez. Dites-nous parmi vos ex, est-ce qu'il y a des ex que vous avez envie de conquérir ou de reconquérir? Hein, Romano? Non, moi ça va, franchement. C'est bon. Donc tu aurais pris tout. T'as va donné. Bien. Je suis sûr. Je pensais à quelqu'un. Non, non, mais ça va. Je sais pas si vous pensez à la même que moi, mais. Et donc vous pouvez vous préparer. Aurel, donc t'as 19 ans et t'es dans le 02 et on est de retour tout de suite avec toi, Aurel. Tu bouges pas? Ok, ça marche, du coup, je vous attends. Et pour séduire, une méthode d'Ali, les filles, il faudra nous dire ce que vous en pensez. Les gars aussi d'ailleurs, hein, si c'est une bonne méthode ou pas. Allez, on s'occupe de toi, Ali aussi. Et de vous tous, jusqu'à minuit. À tout de suite, Ali. Foul. Bonjour au chien derrière. Romano. Ah, c'est bon. Marie. Et bien sûr, attends, il y a beaucoup d'eau dans la bière. Hein. Cédric. J'ai arrêté les sodas. Samy. Oh, j'ai ramené une pierre, mon pote, de 5 kilos. Karim. Je jette mon paquet, 2 minutes après, je rachète une cartouche. Guigui. Eh, vous trouvez pas, je commence à être musclé de ouf là. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et oui, on est là en direct tous les soirs avec toute l'équipe qui est là, vous tous qui êtes là aussi. Mais Deline, tu voulais dire bonjour à la radio? Bonjour. Ah, on n'a pas eu droit encore au bouffouf. Oh oui, ouf. Oh oui, t'es contente, la Radio Libre, elle est bien, hein. Oh oui, elle est bien, la Radio Libre, c'est une belle émission. Oh oui, c'est monsieur chien. Oh. Elle est très très contente. Et Guigui, pourquoi tu fais cette tête terrorisée? Je suis pas terrorisé, mais enfin cocu un peu quand même. Pourquoi? Mais non, mais de toute façon, pas. C'est après moi qu'elle saute, pas après. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais là, je vois ses grandes dents, je me dis putain. C'est... Oh là là. Non, oh là c'est grandes dents. Enfin, elle aboie mal en plus. Mais non, elle a une belle voix, je trouve. Non, elle a une belle voix. Ouais, c'est un chien, quoi. L'animatrice sur Skyrock. On est la seule radio où il y a une animatrice. Chienne. Et moi? Eh ben alors, il faut pas m'oublier quand même. Évidemment, ah, bah, attends, c'était ouais, sûr, ça. Ah, parce qu'on est de bonne humeur. On a la blague facile ce soir. Bon, alors. On a des choses à faire. Si vous avez besoin de nous, on est là. 01 53 ouais. 40 30 20. Pour nous appeler toute la France. Vous nous laissez vos messages. On salue vous tous et vous toutes. Ah non, les 15 000 euros, c'est pas ce soir. Ah ouais, non. Non, je dis ça pour Timothée, là, sur l'appli Skyrock. Les 15 000 euros, ce sera vendredi matin. Mais tu peux t'inscrire ce soir, par exemple. Ouais, ça marche. Tu envoies 15 au 7 20 20. Tiens, je vais le faire. Je vais envoyer 15. Et je me suis inscrit un paquet de fois. Vous allez voir que c'est moi que je vais appeler vendredi.
Ça serait pas mal. Tu sais que ça me ferait délirer de m'appeler moi-même. Tu serais dégoûté, Romano, de m'entendre gagner 15 000 euros. Ah bah je porte plainte. Pourquoi tu portes plainte? Je me dis, il y a eu de la gruge ou. Alors 15 au 7-20-20, j'envoie 15. Hop là. Quel est l'animateur chauve de Skyrock? 1. Romano. 2. Cédric. Ah bah non, Cédric, il a une queue de cheval. Alors, mais si la question c'est ça, déjà, il va falloir enlever cette question. Ah, c'est quoi cette question? Donc j'envoie 1. C'est quoi ces vieilles questions? J'envoie 1. Bravo, t'as gagné 15 000 euros. Ouais, t'as gagné une perruque, ouais. Et ça y est, je suis inscrit, je vais pouvoir gagner mes 15 000 euros vendredi. Alors là, faut y envoyer 17 euros. Oh, 15. On va 15, sinon ça n'a pas fonctionné. Alors, ça marche pas, dis donc. Ah, je comprends pas, ça marche pas. Bon, c'est 15 000 euros et demain matin, tiens, je vous le dis, on aura un iPhone 15 à gagner dans le morning. Donc, soyez là demain matin, dès 6h. Ah ouais, énorme. On se réveille avec vous jusqu'à 9h15 tous les matins. Et un iPhone 15 à choper. Vous savez que j'aimerais bien avoir un iPhone 15 aussi. Bah, a priori, il est pas si super que ça. Hein. Ah ouais, il paraît qu'il est pas mal. Non, mais par rapport au 14, il n'y a pas de grosse évolution et il est plus lourd et l'autonomie de la batterie, les gens sont déçus. Il est juste plus solide. C'est-à-dire que si tu le fais tomber, il se casse plus parce qu'ils ont mis un espèce de truc. Ah, ça c'est bien ça. Ouais, en titane, ouais. En titane. Mais bah, ouais, du coup, ça le rend plus lourd et il y a des gens qui sont déçus par l'autonomie. Plus léger, justement, le titane. Ouais, bah ouais. Bah, a priori, il serait plus lourd. Alors, peut-être qu'ils ont changé les composants. Mais parce que j'ai vu sur les deux iPhone 15 qui sortent là, les deux sont pas en titane. Il y a le cher. Alors, c'est titane. Que le pro qui est en titane. Ouais, c'est ça. Pro, et lui, pour le coup, le 15, il est pas en titane. Moi, je veux le titane, moi. Ouais, mais 15 pro. Voilà. Bah, écoute, c'est très bien. On va offrir. Et par contre, la batterie, ils ont, a priori, il y a pas de problème. Ah ouais, t'as le chargeur qui change. C'est le câble, en fait, maintenant, c'est USB-C. Ouais, c'est USB-C, ouais. Donc, c'est obligé de le faire par rapport au truc européen. Vous voulez changer de téléphone, et ben, on va vous l'envoyer demain matin, donc dans le morning. Attention, il est toujours bon à prendre, vu le prix qui coûte. Ah, bah, c'est pour vous, c'est gratuit, c'est sur Skyrock. Bien cher. Bon, alors, on a. Combien il vaut 1005? Ça dépend, entre 900 et 2000. Bah, 2000, hein. 900 et 2000. Ouais, le plus cher est toujours à 2000. Ouais, déjà le 14 est à plus de 2000. Ouais. Bon, alors, donc ce sera pour demain matin. Et tout au long de la journée, toute l'équipe de Skyrock, hein, t'écoutes Sky toute la journée. Et à n'importe quel moment, à tout moment, vous pouvez gagner votre iPhone 15. Et vendredi matin, évidemment, vos 15 000 euros. Tu ferais des trucs bien avec 15 000 euros, Ali? Parce que moi, j'ai des potes, ils feraient de la merde avec 15 000 euros. Non, mais c'est 15 000 vrai. Euros. Ouais, tu ferais quoi? J'aurais peur d'être obligé de partir à la Mecque, hein. Tu partiras à la Mecque avec 15 000 euros, non, toi. C'est un voyage. Là, si celui qui est riche, il a l'obligation d'y aller. Ah, pourquoi? Parce que tu remercieras Dieu pour la vie de t'avoir fait gagner 15 000 euros, c'est ça? Le problème, c'est que quand on y va trop jeune, après, quand on revient, on fait encore des péchés graves, alors on a failli retourner à chaque fois. Putain, moi, je pêcherai, moi, si j'avais 15 000 euros. Je ferai un péché de dépense. Comment ça s'appelle, le péché de... C'est ça. L'avarice. Non, pas l'avarice. Non, l'avarice, c'est le contraire. Oh, là, moi, j'ai des varices. La luxure. Oui, t'as des varices. C'est vrai qu'à ton âge. Non, mais c'est quoi ça s'appelle? La luxure, non? Ouais, la luxure. Ouais, je me vautrerais dans la luxure. Voilà, c'est ça. Et toi, Aurèle, tu ferais quoi avec tes 15 000 balles? Moi, si je gagne 15 000 balles, je joue mon entreprise direct. Une entreprise de quoi? Une entreprise médiatique. Une entreprise médiatique? Locale. Tu ouvrirais quoi comme entreprise médiatique? Locale. En fait, j'aimerais faire une petite radio sur le DAB local. Voilà. Petite radio sur le DAB local. Qui est classe. Le DAB, c'est comme la FM pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais c'est en numérique. Voilà. C'est ça. C'est voilà. Ça, ouais. Et high quality, quoi. C'est ça, oui. Même si le son de Skyrock sur la FM est limite un son DAB tellement il est bon. DAB, c'est... Je sais, c'est moi qui l'ai fait. Encore un coup de génie, quoi. Ah là, c'est ça. Magnifique. Bon, alors on va vous retrouver tous les deux. Les deux A, Aurèle et Ali. Aurèle, opération reconquête, donc c'est rapport à un ancien amour, fille. Meuf, ouais. Meuf, très bien. Et puis toi, Ali, c'est le contraire, c'est opération conquête. C'est ça. Et tu te posais une question, et on va essayer d'y répondre. Et juste dans un instant, on aura en plus de bonnes méthodes, Ali, ça tombe bien. Parce que c'est lundi, c'est jour de clash. De bonnes méthodes. D'ailleurs, demain, on aura un clash spécial. Je vous expliquerai ce qu'on va faire. Parce qu'en général, on fait pas le clash le mardi. Demain, on le fera. Ouais. Ah ouais. Ah, vous êtes pas au courant. Ah bah non. Ah ouais. Eh ouais. Attends, panique. Une surprise. Non, moi, ça en va, train de te chier hein. Dessus, t'es toute nue. Moi, on peut en faire tous les jours des clashs, t'inquiète pas. Donc, je vous expliquerai demain. On aura un sponsor spécial demain pour le clash de la drague. Ah ouais. C'est cochonou. Je donne un indice, ça risque de faire très plaisir à Samy. J'en dis pas plus. Ah, demain, tiens, bah, c'est la défaite du PSG contre Dortmund. Il s'en va le sort, s'en va le Tu verras demain. Bon, Ali, ouais, donc opération séduction, qu'est-ce qui se passe et c'est quoi la question que tu voulais poser à vous tous et vous toutes qui écoutez? En gros, si je peux draguer mieux avec un animal de compagnie. Pourquoi? Parce que t'as du mal à draguer, toi, Ali? Non, je vais pas au charbon, moi. C'est-à-dire que, ouais, t'arrives pas à aborder. Par exemple, il y a une meuf qui te plaît dans la rue, c'est pas facile de venir. C'est pas comment l'aborder. Ben, je sais pas comment commencer la converse, quoi.
Que vous arrivez à aborder des meufs dans la rue Jamais. Oh là là. Guigui, t'arrives pas? Ah mais un peu, pour moi c'est quasiment, enfin pas quasiment. Ouais, c'est quasiment impossible quoi. Mais par exemple, t'es un arrêt de, je sais pas, un arrêt de bus et il y a une meuf qui est assise pas loin de toi. Là, ça te laisse un peu le moment. C'est sûr, quand tu croises une meuf dans la rue, tu vas pas lui faire hop 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 hop. Oh bah, il y en a qui le font. Hein. Cédric, il fait. Ouais, ouais, normal. Et alors, une meuf dans la rue comme ça, toi, Cédric, bah tu fais hop hop hop. Bah ouais, tu connais pas son prénom. Ah, tu la siffles même. Non, je la siffle plus. Ah, tu. Ça y est, il a arrêté ça. Ah, grosse pute. Et j'ai. Non, ça non plus. Non, ça. Ouais, ça, tu le faisais pas à l'époque. Non, jamais. Salope. Ah, si, tu l'as fait, Cédric. Je t'ai vu faire. Écoutez, vous allez être choqués, les filles. Dans la rue, mais pas les meufs. Non, non. Tu fait. Non, jamais. Non, en fait, c'est. Mais non, pas. Non, mais. Non, non, on est pas là. C'est pas Radio Mytho ici, on dit toute la vérité. Non, moi, je fais pas ça, moi. Entre Marie, là, qui ne veut plus nous dire où elle est partie au week-end. Cédric, comment? Mais alors, comme il respire. Mais je mens pas comme je respire, t'as un foutu quoi. Non, mais Cédric, c'était pas exactement ça. Quand Cédric, en fait, il sifflait les meufs dans la rue, il faisait son truc avec la bouche. Voilà ça. Ouais, ouais, son truc à l'envers. J'ai jamais réussi à le faire. Elle était là, elle hurlait, mademoiselle, mademoiselle. Voilà, mademoiselle avec le joli bottine. C'est ça. Et quand la meuf, elle se retournait pas ou elle le regardait d'un sale œil, il était là. Ah, c'est un salope, va. Tu parlais mal. Tu fais ta belle, hein. Ouais, essaye, lui disait ça après, ouais, tu te crois belle. Arrête de faire ta belle, va, t'es pas belle. Bah ouais. Ouais, vilaine, la classe. Moins belle, salope. Mais non, mais maintenant, je le fais plus. Ouais, mais je le fais plus. Bah, ouais. Non, mais t'as raison. Je le fais plus que là, tu peux avoir. Parce qu'en soi, tu peux avoir une amende. Ouais, je sais, c'est pour ça que je le fais plus aussi. Ah bah, c'est juste pour ça que tu le fais plus. Non, même, t'as vu, parler aux meufs comme ça, c'est pas très classe. Ah, mais c'est bien. C'est bien, bravo, c'est ça. Ah, bah tiens, regarde. Sarah qui envoie un message. Moi, un mec me siffle, il prend une baffe directe. Bah, tu m'étonnes. Tu vois, Sarah, bim. Et le mec, il connaît pas. Comment tu veux qu'il t'appelle? Mais tu peux lui dire, excuse-moi, mademoiselle. Ouais, mais elle est loin. Que de la siffler comme une chienne, quoi. Mais si elle se retourne. Ah, la grosse chienne. Mais tu siffles, la meuf, elle se retourne. Aminata, c'est les hommes de Cro-Magnon qui faisaient ça. Ah, c'est moi. Merci Aminata pour ton message. Et Inès qui nous dit, mais ça ne fonctionne jamais, Cédric. Si, ça a fonctionné. Tu siffles une meuf dans la rue et t'arrives à la serrer. Pas à la serrer, mais il y en a qui sont arrêtés, j'ai pu parler avec des meufs. Elles sont arrêtées, oui, pour te foutre une baffe. Ouais, ou t'insulter. D'ailleurs, ça se voit, tu as quelques séquelles physiques. Elle a pas pris qu'une, elle n'y a pas été de main morte. Bon, pour revenir à mon truc, ça va te servir, Ali. Mais par exemple, t'es à l'arrêt de bus, comme Guigui. Tiens, Guigui, Ali. Moi, c'est impossible. Vous êtes à un arrêt de bus, il y a une super meuf, genre une meuf de Brazzers qui est assise, là, habillée comme dans Brazzers, avec des seins qui débordent dans tous les sens. Ah ouais, carrément. Ouais. Son cul qui explose, son string, tout ça. Déjà, tu te dis, putain, la meuf est classe. La meuf est classe pour prendre le bus. Je me dis, ah putain, tiens, je savais pas, il y a une tapin maintenant ici. Je me dis, putain, sympa, ça a changé. L'emplacement est occupé par une prostituée c'est désormais. Rien. Qu'est-ce que tu fais, Guy? J'ai un pote, il avait une méthode. Alors, je vais la prendre parce que. Qu'est-ce que tu fais, ton pote? Alors, tu vois la meuf, tu lui tends la main, tu dis bonjour, elle te serre la main, parce qu'elle va être polie. Après, tu dis, je suis un extraterrestre, et je fais l'amour en serrant la main. Mais alors la meuf, elle retire sa main immédiatement. Il y a eu tous les cas. Quand il a été, parfois il y a des meufs qui retiraient leurs mains, il y en a qui la laissaient, il y en a qui souriaient, il y en a qui rigolaient, puis ça brise la glace. Ouais, après. Moi, bon, j'ai jamais osé la faire. Bah moi, je la ferais pas non plus. Moi, je trouve ça très gênant. Ah non, mais c'est pas que c'est très gênant. C'est quand même spécial comme. Non, mais c'était. Non, mais c'est. Mais si ça marche. En tout cas, moi, je le ferais pas. La meuf prend peur, nous dit Sky M. Miss Stone. Mais quelle méthode de merde. Même chose pour Azimis. Non, mais c'est vrai, moi, pour Justin. Moi, qui une meuf, elle me fait ça, ou un mec, je lui dis, t'es gênant. Tout va bien. Je t'assure, t'es en train de me donner des frissons, quoi. À la limite, moi, on me le fait, je pense que je rigole, mais j'aurais jamais les couilles de le faire. Je me dirais, mais je suis un peu un ringard. En boîte, faut essayer, ça doit mieux fonctionner en boîte, je pense. Peut-être en étant un peu bourré, ouais. En boîte, c'est pas le même délire. Le matin, genre à 7h, ouais, l'arrêt de bus. Deux petits verres, après c'est bon. Ouais, je suis un extraterrestre. Par contre, on va avoir un terme pour rentrer après. J'imagine Marie en boîte, d'ailleurs, tiens. Ah, dis donc, il vient d'extraterrestre. Et je vais branler la main. Tu sais, il m'a baisé avec sa main, dis donc. N'importe quoi. C'était bizarre, j'ai rien senti. Oui, bah au moins ça. Tiens, moi je vais lui parler direct, nous dit Clo-Clo, 15 ans. Ouais, tant qu'à faire. Donc une meuf au bus, à l'arrêt de bus, quoi vous faites les gars, dites-nous. Est-ce que vous aiderez Guigui, t'as pas dit? Non, moi impossible, j'ai dit. Mais tu lui, je sais pas, t'as un petit regard et tout. Non, moi j'aurais un blocage, je me dirais bon, tu la baisses meuf, les yeux, tu la vois, tu baisses les yeux toi. C'est pas que je baisse les yeux, mais c'est que je vais pas l'approcher pour lui parler quoi. Moi je suis capable de lui dire bonjour moi. Ah ouais? Ouais, putain, c'est mais toi, non mais tu sais que toi t'as un avantage. Non mais dis-fou, il va dire bonjour, c'est pas non plus, tu vois. Non mais dis-fou, il a l'avantage. Non, c'est qu'il a Médeline. Donc avec Médeline, des fois ça peut aider, tu sais, si Médeline comme elle est un peu excitée, elle saute sur tout le monde. Tu posais la question. Ouais, c'est vrai. Alors, vous répondez vous aussi, mais ma réponse à moi,
c'est que les t'as un animal pour serrer, oui. Pour, ah, c'est plus pratique. Même pour entrer en contact avec des gens, tout simplement. Bah oui, bien sûr. Eh ben, ça fonctionne à donf. Un pote, un asiatique, il a deux chihuahuas croisés hors chair. Il les a mangés. C'est la part. Il les a fait en soupe. Oh le fou. Je sais pas s'ils vont juger encore. Non, mais je plaisante, bien sûr. C'est juste pour rire. C'est très drôle. Oui. Il pourrait se marier toutes les 5 minutes et divorcer toutes les 3 minutes. Non mais c'est ça. Non mais je t'assure, si tu veux draguer, prends-toi un chien. Moi je connais toutes les meufs du quartier, toutes. Ah bah ouais, c'est logique. Tous les mecs du quartier aussi d'ailleurs. Hein. Non, c'est pas une légende. Ah non, c'est pas une légende. Hier on a fait un groupement devant la maison de Guigui. Un groupement de chiens. Faut arrêter de faire ça là. Il y avait 8 chiens, leur maître et leur maîtresse. D'ailleurs, il y avait que des maîtresses à part moi. J'étais chez moi, je me reposais tranquille, j'entends des chiens qui aboient, qui hurlent de partout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là en bas chez moi là? Voilà, c'était Médéline Joël et son ami. J'habite dans 37 mètres carrés, je sais pas, c'est petit pour avoir un chien, non? Écoute, moi je suis dans un 50 mètres carrés, ça va. Karim, quand t'avais Médéline. Ouais, franchement, ça va. Le sortir, elle était petite au début. Ouais, tu vas me dire, ça prenait moins de place. Ouais, mais. Ouais, même, gros. Non, mais ça va. Faut juste que tu le sortes souvent, hein, le chien, parce que bon, le chien, il faut qu'il, ouais, c'est ça, ouais. Faut qu'il cavale un petit peu. Actuellement, je suis en rémission d'un cancer, donc j'ai des rendez-vous tous les 6 mois, ça va, c'est bien espacé. T'as eu quoi comme cancer? Cancer des os, le myélome. D'accord, c'est quoi? C'est les os qui se fragilisent, c'est quoi, non? C'est pas ça? C'est les os qui se fragilisent et qui, au toucher, ça fait hyper mal. Et là, maintenant, donc t'es en rémission, ça veut dire que t'es guéri. Enfin, t'es en. Voilà, je suis guéri et je suis en surveillance médicale. Bah bravo à toi. Et 6 mois. Non, mais c'est un bel espoir que tu donnes parce que c'est vrai, si on t'annonce ça, et ça peut arriver à n'importe quel âge, hein, les cancers. Hein. Si on t'annonce que t'as un cancer en général, tu te dis que ta vie est finie. Non, pas forcément. Et puis la médecine avance. T'as les cancers qui soient. Ouais, la médecine avance de plus en plus vite. Ils ont trouvé un. Une grosse pensée pour la famille de Wahid. Ben, on salue Wahid. Ah ouais, le comique est décédé. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, ça avance. Ils ont trouvé un vaccin pour les cancers du poumon. Ah ouais, j'ai vu ça. Allez, moi, je fume la cigarette et je vais arrêter d'aller chez le pneumologue parce qu'après, à chaque fois, j'ai peur qu'un jour, ils me disent d'arrêter de fumer. Ah bah, il va te le dire, oui, normalement. Un bon pneumologue, c'est un peu le principe. C'est logique. Normalement, un pneumologue, il va te dire, ah bah, continuez, c'est super. D'ailleurs, on s'en fume assez peu, je trouve. Il me demande combien j'en fume par jour, j'ai dit entre 8 et 10. Après, il me dit, bah, il n'y a pas de problème. Bon, oui, non, mais bon, le mieux, c'est d'arrêter de fumer, ça, c'est clair. Bon, écoute, bon, mais prends-toi un chien, Ali. Tu veux quoi comme chien? Je sais pas, comme, un fox terrier. Ah, c'est tout petit, ça, c'est bien. Ouais, j'aime bien, c'est assez vif, ça court partout, c'est j'aime bien. C'est les chiens qui ont c'est les chiens qui ont des grosses moustaches, là, c'est ça? Non. C'est les chiens un peu comme, Allez, j'ai pas d'exemple en tête là, mais c'est un chien qui a des moustaches. C'est un petit chien. Avec des moustaches. C'est un petit chien, ouais, avec des moustaches. Ouais. C'est un chien de chasse, c'est ça? Je crois, ouais. Un fox. C'est comme Milou en fait. Non. Ah bah, c'est un chien de chasse, oui. C'est comme Milou? Ah si, c'est ça, ouais. C'est, comme je pensais pas à ça, moi, je pensais pas à ça, dis donc. Non, mais je vois celui que je l'aime bien, celui que tu dis qu'il foule là, mais. Avec les moustaches. Ouais, les moustaches très longues là, je sais plus comment ça s'appelle, ouais. Non, mais à une époque, j'en voulais un, mais d'ailleurs, il existe en petit et en grand, celui-là. Non, mais sinon, prends-toi un staff, c'est sympa, un staff. Il est très rare d'avoir un chien comme ça, staff. Tout blanc comme Milou. J'ai envie de prendre un fox terrier, si tu prends un fox terrier. Non, mais ça a une mauvaise image, les staffs, et c'est super gentil. Oui, non, mais ça a une mauvaise image, ça, c'est sûr. Oui, mais c'est parce que les gens, ils s'arrêtent au. Bah, non, parce qu'il y a des débiles aussi. Il y a des cons aussi qui ont des staffs. Ouais, c'est ça. Il y a un paquet d'abrutis qui ont des staffs. Des chiens solides. Je vous dirais, m'y connaissant grave en chien maintenant. Et avant j'étais un spécialiste des chiennes. Maintenant je suis un spécialiste des chiens. Non mais les petits chiens sont plus agressifs que les gros. Oui mais sauf que ils sont pas dangereux. Oui mais tu te fais mordre par un caniche. J'ai un ami personnel ce week-end qui a une meuf qui s'est fait mordre par un chien au sang. Non mais c'était elle, elle nous a dit ce matin qu'elle avait failli aller aux urgences. Oui non mais n'importe quoi. Mais tout à l'heure j'ai raconté là quand ils sont les deux chiens ils sont chicanés pour un gâteau. Là mais en plus c'était involontaire, le chien elle voulait pas la mordre, c'est en fait elle a voulu les séparer. Moi je l'ai laissé faire, je lui dis mais il faut qu'elle se fasse mettre à l'amende la petite. Tu sais pour lui apprendre la vie en fait. Tu sais comme c'était à l'élevage avec sa mère quoi. Tu sais, elle a pas voulu, elle a voulu les séparer et elle s'est pris un coup de dent qui traînait quoi. Voilà. Mais à côté de ça, bon, ils se sont vite rabibochés. Hein. 2 minutes après, l'autre était en train de lui lécher la moule. Donc. Ah, c'est comme ça qu'ils disent bonjour. Voilà, il se lèche le trou du cul. Enfin, ouais, Paco, le chien avec les longues moustaches, là, qui ont un long museau avec des longues moustaches, c'est Schnauzer. Merci Paco. Bon, sinon on nous dit à Jack Russell, c'est top. C'est ignoble, Fox Terrier. C'est trop moche, je trouve. Message du phare. C'est Pringles qui disait que le Jack Russell, c'était
C'était top. On voit les chats sur internet, ils sont vachement intelligents, les chats et les chiens. Ah oui, ça comprend tout, mais c'est un truc de ouf. En fait, le chien passe sa journée à te regarder et à t'analyser, à te scanner, en fait. Et au bout d'un moment, il comprend comment tu fonctionnes. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu fais des il trucs. Il t'observe. Il sait ce que tu vas faire. Ah, Midjay, du 33, qui nous fait un staff, ça fonctionne gavé. Et en plus, c'est trop mignon. Moi, j'aimerais bien la chatte à Marie, message de Ludo, du 25. C'est mignon, tu vois, un animal de compagnie. Oui, toi qui as une. Sac à foutre. Toi qui as sac à foutre, ton chat. Quoi, tu sers pas plus depuis que t'as sac à foutre? Bah non, je la promène pas. Puis en plus, si tu vois un mec qui promène dehors son chat en laisse, je pense que bizarre, rapidement il passe pour un fou. C'est tu vois, donc non, j'ai pas tenté le coup. Donc la réponse est plutôt carrière, tu sais, le promener un lapin, hein, en laisse. Hein. Ah bah tiens, elle est bien rangée. Et elle a également promené un porc. Ouais, Cédric. Ah, oui, non, c'est non, un vrai porc. Ouais, non, mais c'est quoi cette histoire? Un lapin, mais pourquoi? Non, mais un lapin, moi je la connaissais pas encore, elle a vu un lapin qui s'appelait Bisounette. Et en fait, elle lui découpait des elle prenait les chaussettes de foot de son père, elle lui faisait des habits et elle le promenait en laisse dans le quartier. Elle était contente. Ah, elle était contente. Elle passait pour une dingue déjà. Je sais pas pourquoi elle passait, mais sans doute pour. Avec le porc. Bah, tu te dis c'est ah, mais, le porc, Ah, ça la rendait folle parce que j'étais là, c'est un porc. Bah, j'ai non, c'est une girafe. Non, mais c'est hallucinant. Non, mais bon, un porc, c'est vrai que c'est plus surprenant, quoi. Et en plus, le porc. À Paris, c'est. Ah ouais, à chaque pas, le truc, il grinçait, C'était Giroud. Ouais. Il s'appelait Giroud. Adrien, il dit il faut vraiment avoir rien à foutre pour se faire chier avec un clébard. Après, chacun son truc, hein. Bah oui, chacun son truc. Non, mais à la limite. Mais, tu vois, je préfère quelqu'un qui dit ça, au moins, tu vois, t'en prends pas. C'est... Ouais, moi, t'es franc. Ouais, voilà, plutôt, parce que, a priori, là, les SPA, elles sont blindées de chiens, mais c'est un truc de ouf, hein. C'est encore un, je crois que le. C'est un record, triste là. Record, ouais, elles sont pleines à craquer, les SPA. Non, mais tu vois, regarde, un chien pour draguer, c'est parfait. Message de Freeze sur l'appli Skyrock. Fries, d'ailleurs, puisque tu t'appelles comme une frite. Salut, Fries. Donc, tu vois, lui, il a testé et ça marche. Non, mais vas-y, fais-toi plaisir, Ali. Après, c'est une responsabilité, faut pas l'abandonner. Faut s'occuper de lui. Ah oui, ça c'est clair. Oui, dis-moi, Ali. Il sort des poules. Oui. Ouais. Je veux juste savoir si toutes les femmes qui sont intéressées pour me parler, si je peux leur donner mon WhatsApp. Alors, vas-y, tu en profites. Ah ouais, bien sûr. Comme ça, même sans chien, tu vas pouvoir arriver. Je connais pas par cœur le WhatsApp. Je l'utilise pour vous parler, mais je connais pas par cœur. Ah bah alors, ça va être compliqué. Je sais pas si vous l'avez, vous. C'est quoi le WhatsApp? Vas-y, c'est ton numéro. Non, mais c'est son numéro. C'est toi qui as des lunettes fashion, tout ça? Ouais. Je te vois avec tes lunettes fashion. Bon, bah, est-ce que vous faites les films? La première photo que j'avais mise, c'était une photo avec un filtre bizarre. J'avais rien demandé, c'était un Huawei. Et maintenant, je suis avec un Redmi. Et les photos, elles sont vachement mieux. Bon, change les photos, nous on vous donne le numéro, les filles, si vous voulez rentrer en contact avec Ali. Bon, après, monsieur Cocaillotte, il a raison aussi. Il est en Normandie, à Rouen. Ne prends pas un chien juste pour draguer des meufs, hein. Prends un chien parce que t'as envie de prendre un chien, tu vois. Oui, c'est vrai, ouais. C'est pas juste, c'est pas un objet fashion, c'est pas après, un sac à main ou une paire de lunettes. Ouais, il faut bien réfléchir, hein. Après, tu le ramènes à l'SPA, c'est bon, j'ai trouvé une meuf. Tu vois, Ah non, ça se fait pas, non. Bon, c'est chaud pour les filles. Moi, je suis maître chien, message de Vinsoul, là, sur l'appli Skyrock. Salut Vinsoul. Bon, oui, faut pas prendre un chien juste pour draguer des meufs. Déjà un chien pour tout l'amour que ça t'apporte. Et au moins, tu verras, ça reste fidèle, contrairement à ce qui peut se passer dans la vie sentimentale. Vie sentimentale, d'ailleurs, on va y revenir dans un instant avec Aurèle. Merci Ali, on te fait des gros bisous, hein. Hey, gros bisous, je continue à vous écouter, t'inquiète. Bah, t'as intérêt, reste là jusqu'à minuit. Et puis laissez-nous vos numéros pour Ali, les beaux gosses. Profitez-en. Les méthodes du clash, est-ce qu'on les a? Puisqu'on va parler de... Ouais. On a parlé de drague. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va séduire en direct. C'est ça. Quelle est ta méthode, Romano? Eh bien, ce soir, je suis médecin. Je suis le docteur Sgeg. Tu n'es pas le docteur Romano? Non, c'est un collègue du docteur Sgeg. C'est un collègue. C'est un collègue. Et ce soir, je suis gynécologue. J'ai croisé la femme derrière. J'ai trouvé qu'elle sentait un peu de l'entrejambe. Oui, et tu t'inquiètes. Non, mais c'est médical. Moi, j'ai peut-être pu sauver la vie, moi. T'imagines quand on va appeler les gens, tu vas leur dire ça. Ou alors, bon, éventuellement, si je tombe sur le mec, je peux être également proctologue. Ah. Et je trouvais qu'il puait du cul. Mais tu sais que tu parles comme Eva Guénin, bro. À chaque fois, tu dis gynécologue. À chaque fois que tu dis génico. Comme les vegans à chaque fois. Voilà, bah, je suis sûr qu'elle. Ah merde, non. Ah bah. Bon, je suis médecin de la chatte. Mais je vais. On peut dire comme voilà, ça. Pour être très classe ce soir. Le docteur Sgeg arrive. Et Cédric, c'est quoi ta méthode? Ben moi, je suis toute mouillée là ce soir. Et je vais venir chez les familles. C'est bizarre ce soir. Je suis excité, quoi, tu vois. T'es toute mouillée. Alors, t'étais toute nue. C'est un petit jeu de mots. Mais t'es toute mouillée. Mais c'est-à-dire que tu muques comme Marie? Exactement. Marie, tu muques. Ah ouais? Ah ouais? J'étais pas au courant, dis donc. Bah, demande à monsieur le
gynécologue. Je peux regarder au fond de ta culotte si ça me souhaite. Non, mais c'est pas au fond. Bon. Non, je me suis mangé la flotte tout à l'heure, là, il pleuvait, je me suis mangé une averse, je suis tout mouillé, je suis à côté de chez des familles. Ah, tu chiens le chien mouillé. Je voulais bien me sécher chez la femme. Chicher, ça va être ça. Sans la grosse chienne mouillée. C'est ça, une petite rawalpée chez des familles. Oh, ça va être ça. Et je leur ferai l'amour, tu vois. Bon, alors, dans un instant, clash de la drague. On va s'en occuper. Et, tiens, en parlant d'influenceurs et d'influenceuses, vous avez vu l'autre, la pupu de Kenza, là? Hein? Non, moi, j'ai pas vu. C'est qu'elle a fait encore. Poupée de Kenza. Ah, avec complètement ch'touf. Alors, attention. Fallait écouter le morning ce matin. Le skeg de son fils, là. Non, pas le skeg de son fils. Moi, elle avait déjà montré des photos. Sa fille. Ses enfants. Ses photos de ses enfants à poil. D'ailleurs, il y a Booba qui avait. Qui a réagi ce matin, qui a réagi sur ses réseaux, là. Pupute. T'as joué avec les enfants, pupute. Pupute Kenza. Tu nous as fait voir des sexes d'enfants. Des zézettes. T'as franchi la limite, pupute. Donc ça, c'était avant. Et donc, ce qu'elle a fait là, elle a filmé ses enfants, enfin, un de ses enfants, avec son mec. Et elle a montré le zizi de son mec à ses gosses. Hein? Le gosse a 4 ans. Et elle lui fait, regarde le zizi à papa. Il t'a fait ton père ça quand t'étais petit, Guigui? Oh bah évidemment, toute ma jeunesse. C'est vrai, il te montre. Mais pas du tout. Non, jamais. Jamais de la vie. T'aurais été choqué? Bah un peu, ouais. Ouais. Un peu, énormément peut-être même. Donc écoutez là, la pupu de Kenza et ses enfants là. Oh, j'ai regardé un truc là, j'ai levé la tête direct. Le zizi à mon père. C'est zizi à mon père. Elle traduit ce qui se passe et l'autre il est mort de rire. Tête du gosse. Oh là, tu regardes le zizi à mon père. Tu regardes le zizi à ton père. Ah ouais. Elle est chetouffe, hein, cette meuf. Ouais, elle est. Elle a déjà fait tomber ses gosses par terre. Ouais, elle a piétiné aussi. Premier truc qu'elle prend, c'est son téléphone pour filmer le gosse avant d'appeler les urgences. Ah ouais, non. Oh, il a la tête toute molle. Oh bah regardez, il y a un trou dans la tête, dis donc. C'est ce qu'elle disait en plus. Il y a la tête toute molle. Ah mais c'est ouf. Bah oui, écoutez. Depuis ce matin, je dis à Alain, sa tête, tu trouves pas ton fils à la grossie? Il me dit non, c'est un mec, c'est normal. Et là, je viens pour lui faire le shampoing, son crâne il est tout mou. Il y a comme de l'eau aussi. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, Marie, toi qui es mère? Bah, moi je suis un peu choquée parce que j'avais pas trop suivi. C'est pupu de Kenza pour les intimes. Oh mon dieu! Voilà. Et elle continue en fait. Bah oui, elle continue, ça fait. Non, mais là, demain elle va faire une vidéo parce qu'à chaque fois elle fait ça. Elle fait quoi? C'est, elle va faire une vidéo où elle fait semblant de chialer parce qu'en plus elle est de ça, elle est très très mauvaise comédienne. Ah, ouais. Donc elle est selfie! T'as pas une larme qui coule à chaque fois. Ouais. Et puis après, deux jours après, je sais pas, elle montra sa chatte à son fils. Tu as vu la ZZ de papa? Ouais, tu genre vois, elle pleure, elle s'excuse, genre. Après elle se plaint parce que ses comptes ils sautent, après ils reviennent. L'autre fois elle pleurait, elle était elle là. On m'a. Ouais, d'ailleurs je comprends même pas qu'il lui rouvre ses comptes. Ils ont qu'à lui fermer définitivement. Bah ouais. Plus c'est débile. Combien de fois qu'elle fait un truc qui comme ça? Qui sont ces gens? Bah c'est les gens des réseaux. C'est assez. Mais elle est suivie par beaucoup de gens. C'est ouais, j'imagine. C'est sur Insta, je sais pas si c'est vrai, mais sur Insta, il y a plus d'un million, je crois. Oui, après. Ah ouais? Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est pas. Après, c'est les chiffres d'Insta. Mais enfin, bon, putain. Écoutez. Elle est dangereuse, non? Ah bah, c'est pas très rassurant, oui. Oui, pour les anciens, franchement, un truc comme ça. Pour les gosses, il y a mieux. Elle s'est abusée. Mais elle a déjà eu les services sociaux au cul, hein. Bah, heureusement, quand même. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est qu'il laisse son téléphone en faisant tomber son gosse. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est qu'il lui laisse ses gosses, quoi. Oui. Bah, j'espère que les enfants ils sont heureux avec elle. Enfin bon, c'est non, vrai. Non, mais je suis désolé quand tu filmes et que tu montes la bite de ton père à un gosse de 3 ans et que tu lui dis, ah, regarde, c'est la bite à papa. Non, parce que je suis désolé quoi. Non, parce le que gosse, après. Même pas dans un chaud, environnement. quoi, je sais pas, je suis pas assistante sociale ni. Non, mais, t'es le docteur. Non, parce que non, après, mais tu vois, c'est quand même limite quoi. Quand ton enfant a 3 ans, il peut te voir à poil, c'est pas la fin du monde, mais de le faire et de le filmer. Non, mais et déjà, faire de montrer ton gosse à poil sur les réseaux. Ouais, non, mais déjà ça. Avec tous les pédos qui traînent. Parce que tu sais qu'il y en a plein qui le font. Oui, on en parlait l'autre jour. Là, oui, là, mais aussi ah, mais ça va pas. Pour faire des mongoliens, j'allais dire, mais c'est même pas gentil pour les mongoliens. Non, mais t'imagines, les pédos, ils récupèrent ça. Oui. Et elle s'est déjà excusée, nous dit Joey du 84-20. Ah oui, elle s'est déjà excusée, elle a lu une feuille. Déjà, elle sait lire, ce qui est quand même pas mal. Non, mais à chaque fois, elle fait le même truc. Elle a un truc, elle fait ça, ça fait parler d'elle. Derrière, elle fait semblant de chialer en s'excusant. Et dans une semaine, elle refera une autre merde. Elle commence, elle a perdu 1 million de followers à cause du truc du zizi du daron. Non, mais a priori, il y a eu un bug sur le truc, c'est elle ne l'a pas perdu. Et Paco nous dit, c'est la deuxième influenceuse de France. Ah bah dis donc. Non, non. Ah ouais? Non, mais non. Ouais. Non, je pense pas. Il y a largement Nabila, déjà, elle est à, je crois, à 7-8 millions. Maëva Guéna, je pense qu'elle a plus qu'elle. Ah, cette célèbre Maëva Guéna, c'est vrai. Bon, allez, on y retourne. On va prendre, avant le clash de la drague, on va prendre avec nous, en direct, donc, Aurèle, 19 ans, dans le 02. Rebonsoir Aurèle. Rebonsoir l'équipe. Rebonsoir Aurèle.
Alors, re-salut Aurel. Et donc, toi, tu nous parlais de ce que tu as dit au standard, une opération reconquête. Ça veut dire que tu veux ressortir avec ton ex. C'est pas ressortir avec mon ex, c'est parce qu'en fait, c'est une meuf que j'avais rencontrée sur un site de rencontre. On s'entendait super bien, mais giga bien. C'est quoi le site? À peine. D'accord. Et en fait, bah, jusqu'au jour où j'ai passé un été de merde, où j'avais été viré mon appart, enfin, il y a eu toutes les galères et tout. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, bah, moi, j'ai perdu totalement pied et totalement confiance en moi, alors que j'étais en discussion avec la fille. Mmh. Et je suis allé parler à une autre meuf. Donc, c'était avec un pote à moi. De base, c'était pour se foutre de sa gueule, mais c'était aussi pour voir si j'arrivais encore à séduire les meufs, tu vois. Bien sûr, ça c'est ce qu'on dit quand on va draguer et qu'on est déjà pris, ouais. Mais quand t'es allé serrer l'autre meuf, t'étais officiellement avec la première ou pas? Non, pas officiellement, mais fait, ce qui se passe, c'est que la meuf, je voulais grave pas la serrer, tu vois, genre je m'en battais les couilles de sa vie. C'était juste pour s'amuser avec un pote, parce que j'étais dans une situation où je me faisais chier H24, donc j'avais besoin de passer du temps. Oui, il y en a plein qui font ça. Et puis là, le besoin aussi de reséduire, de me dire putain, parce que moi, je me trouve hyper, hyper laid, machin. Mais c'est chelou que t'aies besoin de reséduire alors que tu viens d'en séduire une et que t'es sur un coup. Moi, je serais allé au bout du coup, moi. Enfin bon, après, c'était même pas forcément un coup, tu vois. Je voulais vraiment une relation sérieuse avec elle, parce que vraiment, c'était une fille que j'aimais vraiment. J'avais appris à l'apprécier malgré. Juste sur les réseaux. Qu'il y avait et tout. Sans la voir. Et en fait, on allait se voir parce qu'on allait faire un date. Parce que là, le truc, c'est qu'elle était en vacances assez loin de Saint-Quentin. Mmh. Et moi, du coup, j'étais à Saint-Quentin même. Mais dès qu'elle revenait de vacances, en fait, on avait prévu de se voir et de faire un date ensemble, tu vois, de voir si on pouvait vraiment, entre guillemets, s'accorder notre confiance, s'accorder notre cœur aussi. C'est beau ça. S'accorder notre cœur. Je voulais, c'est violent. Mais eh bien, tu les as eus, c'était gratuit. Magnifique. Ah, comme ça, offert. Mais la nouvelle meuf donc que t'as draguée, elle n'avait pas de contact avec l'autre, donc l'autre a été au courant comment, tu lui as dit? Oui. Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'autre a trouvé l'Instagram de la meuf avec qui j'étais en contact, donc comment, j'en sais rien. Et en fait, bah comme nos messages, parce que moi avec mon pote on rigolait, tu vois, on était morts de rire, sauf que le problème c'est que c'était des messages écrits. Donc tu vois, c'est facile de prendre des screens et de dire ah ouais, le mec avec qui tu vas sortir, il est en train de me draguer, machin, tu vois, c'est facile à faire. Alors que moi j'étais avec mon pote derrière, on se tapait des barres de fou. Parce que la meuf, elle tombait dans notre truc, tu vois, genre la meuf. Ah, faut lui dire, quand même. C'est un délire. Ouais, faut lui dire que c'est un délire et que tu rigoles avec ton pote. Elle va pas te croire. Ah oui, si c'est ça. Elle va pas te croire. Et puis, elle me croit pas. Elle te croit pas. Pas du tout. Eh ben voilà. Ouais, mais c'est normal, gros. Bah voilà, comment niquer un coup? J'ai fait le con, quoi. Bah voilà, c'est ça. Ah bah là, t'as fait le con. Ah ouais. Comment niquer un coup, c'est ça. Du con. Ouais, bah parce ouais, que complètement. Ouais, quand tu lui dis ça, forcément, elle va se dire mon pote, enfin ton pote, il est dans le même dans la sauce et tout ça, donc je peux poser la question, elle aura jamais la confirmation en fait. Oui, et puis ouais, elle va pas croire ton pote en pensant que tu l'as influencé comme les influenceuses. Que tu l'as influencé pour qu'il réponde ça. C'est bordel. Ouais, merde. Ouais, c'est ça. Et bah tu t'es foutu dedans tout seul. Comme un couillon là. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, couillon. Hein, qu'est-ce que vous faites là? On est là pour amener des solutions à tous les problèmes. Soit tu te crois, soit c'est mort. Ouais, bon courage, sans les rames. Ah bah là, le moteur. Là, tu vas en chier là. Ouais, c'est clair que. Hein, qu'est-ce qu'on fait? Va rattraper le coup avec ta connerie. Ah, c'est le bordel. Alors, sois sincère, peut-être la meuf va redescendre un peu aussi, tu vois. Ouais, peut-être qu'elle va se calmer. C'est ça. Quand tu dis sincère, c'est-à-dire, donc, parce que j'ai toujours été, pour le coup, non, je suis sincère avec elle. Non, mais ce qu'on m'a dit, tu lui dis, écoute, c'est un délire, tu me crois pas, tant pis, moi je suis honnête avec toi, c'est un délire, on a délire avec mon pote, machin, excuse-moi, et voilà. Tu vois. Mais après, fais chier, Non, mais sans t'énerver. Non, mais bon, il y a que ça à faire, t'es honnête, tu vas faire d'autres. Ouais, t'attends quelques jours, tu vois, c'est un peu tranquille. C'est qui tout double? Mais le pire, c'est que moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à aimer quelqu'un, et elle, franchement, je m'étais vraiment beaucoup, beaucoup attaché à elle. Mais qu'est-ce que t'as été faire cette merde aussi? Mais ouais. Oui, après, il déconne avec un pote, donc. Non, mais va expliquer ça à une meuf. Pour la suite, tiens. Moi, je mets le truc, c'est que la meuf, elle va pas comprendre. Non, mais moi, je mets le truc dans l'autre sens. C'est comme si Carriole, elle va draguer un mec, qu'elle me dit. Ah non, je rigolais. Ouais, tu vois, je dis, bah, va niquer ta race, sale pute. Non. Carrément, tu as encore de la chance qu'elle ne t'ait pas dit, va niquer ta race, sale pute. Non, mais tu vois, c'est. Même si t'as confiance en la personne, tu te prends ça dans la gueule, va expliquer, ouais, c'était une blague et tout. C'est délicat, quoi. Hein. Je suis que la meuf, elle soit jalouse. Il y a As Ducas qui nous dit bien fait pour lui, parce qu'il voulait se moquer de l'autre meuf. Tu as été puni. Oh, tu as été puni par Jésus. Exactement, voilà. Jésus le Tout-Puissant. Guigui, tiens, en parlant de drague, juste une petite parenthèse, il y a des photos d'auditeurs de Skyrock, d'auditrices de Skyrock qui promènent leur chat dehors. Il y a Ludo, t'as un beau chat blanc, Ludo, il est mignon ton chat blanc. Et lui, il promène son chat. Dridri également qui nous envoie un message. Et S. Vira qui nous envoie un message également et qui nous dit Guigui, moi je promène mon chat, les gens sont intrigués, ils viennent me voir. C'est vrai que c'est intriguant, c'est sûr. Vas-y, viens promener sa foutre, on promène sa foutre
avec Medellin. Non mais tu vas voir, moi. Non, en plus, non mais moi ça fout, elle est trop craintive. Donc dès qu'il y a un bruit déjà dehors, elle va se cacher. Alors si je l'amène dehors en laisse, mais laisse tomber, elle va péter. Non mais déjà, moi quand j'avais Kawa, je lui avais foutu un harnais, tu sais, pour chat, parce que je voulais justement la sortir, parce que j'avais peur qu'elle, qu'elle se sauve. Mais putain, le H, j'avais mis mille trucs et en fait elle marchait mais en arrière. Elle comprenait pas en fait. Parce qu'elle est pas habituée, ouais. Ah ouais, ah ouais, et elle a marché en arrière pendant 10 minutes. Bon, nous on était cons, on l'a comme filmé, Michael hein. Jackson. Ouais, non. elle faisait le moonwalk. Elle faisait ça, mais grave, elle avait l'air con. Parce qu'ils comprennent pas, les chats, ils sont pas habitués à avoir un truc. Ah, bah, c'est clair, accroché. Ouais. Il y a Gwada Saïna d'ailleurs. Hein. Il nous dit bah, on promène les chiens, pourquoi on promène pas les chats, hein. Bah oui, mais il faut les habituer quand ils sont petits. Bah, moi cet été, il y avait un mec qui dit bon courage pour promener un chat. Pardon. Cet été, il y avait un mec, ça fait plusieurs années que je le vois. Bon, c'est un peu un marginal. Mais le mec, il a son perroquet sur l'épaule. Mais je le connais, il vient dans la ZAD. Oui, bah ça m'étonnerait qu'à moitié. C'est le mec, mais tout le monde le regarde, il va au supermarché, il a le perroquet partout, sur l'épaule. Le perroquet, il a une petite chaîne d'accrocher, tu vois, pour pas qu'il se barre. Ah bah ouais, et bon, forcément, tout le monde le regarde, le mec, tu vois. Moi, je connais un mec qui promène des aigles. Ah oui. Ouais, dans la rue, ouais. Il y a une vidéo d'ailleurs sur l'Insta de Medellin. Ouais. Allez, mater Medellin de. Avec un aigle. Ouais, elle avec un aigle dans la rue. Ouais. Ah ouais. Bon, ça c'est la petite parenthèse sur les animaux. Après, Aurel, écoute, c'est vrai que c'est compliqué cette histoire. Non, mais le truc de Samy, à la limite, pourquoi pas, joue l'honnêteté. Ouais, bah c'est ce que t'as fait depuis le début. C'est quoi. Ça. Non, mais t'as une bonne idée, Diffoul, c'est vrai. Mais Diffoul, c'est vrai. Mais ça va être. Moi, pour moi, ça va quand même être compliqué. Ça va être compliqué. En fait, tout dépend de la meuf, quoi. Bah, c'est une fille qui a beaucoup de caractère. Ah ouais, bah donc ça va être très très compliqué. Ça va pas être facile. Bon, ben bah, ça t'apprendra à faire le con. Non, mais bon. C'est quand même assez. Fais-lui écouter l'émission là. Oh, fais-lui écouter le replay. On voit que t'es honnête. Le podcast du. Ça serait mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui lui fasse écouter parce qu'elle va se dire ouais, il a menti exprès pour me faire écouter. Non, mais t'as l'air sincère à la radio. On sent la sincérité. Non, c'est vrai. En plus, on a fait du violon. Ça se sent dans les voix. En plus, on a sorti le violon spécialement pour toi. Donc fais-lui écouter l'émission, peut-être que ça marchera. Bon. Après le truc c'est que je pense peut-être qu'elle écoute parce qu'elle écoute de temps en temps. Bon, alors, si tu nous écoutes ma chérie, regarde comme il est sincère, il voulait juste déconner avec gosse, un poteau. Oui. Hein. Marie, toi tu faisais toi avec des copines, vous draguiez des vieux là quand vous étiez. Ne le faites téléphone. Pas les filles. Hein. Ah ouais, non mais oui. Marie, quand elle avait 15 ans, elle faisait draguer des vieux. Non, on était même plus jeunes. Ah pardon, bon, tu vois, regarde. Non, non, mais j'avais un téléphone dans ma chambre et avec une copine on appelait. Et vous faisiez quoi? Bah, on appelait, on rigolait, quoi. On essayait de draguer le mec. Ouais, il se fait mais non, mais ouais, c'était un vieux. En fait, on était tombé sur un vieux, c'était en peignoir. Ouais, c'est Marie, ça. Elle faisait pas Mélin. Ouais, mais j'avais pas besoin, j'avais une. Enfin, ouais, quoi, tu avais déjà une grosse voix. Mais... Hey, salut, c'est ma mère. J'ai 15 ans. Et je me souviens, c'était un mec en peignoir qui disait j'ouvre mon peignoir et tout. Et nous, on était morts de rire. Ah oui, on faisait un vrai pervers. Mais là, avant. Ouais, c'est ça. Et il y avait Calagal qui faisait ça aussi. Lui, il branchait des mecs, il les faisait venir à un carrefour près de chez lui et de sa fenêtre, il regardait galérer ouais, les mecs. Il attendait la meuf qui ne venait jamais. Donc, ouais, ouais, mais si, ouais. Et le mec, il défait, disait, le mec attendait pendant une heure. Et l'autre, il était à sa fenêtre, il était mort. Et il était là, il était mort de rire. Bon, dis-lui, dis-lui que c'était pour rigoler et puis que voilà. Ouais, vas-y, dis-lui, pas du chien. Tu verras bien si ça passe. Dis-lui de pas chier un cake. Voilà. Imparable, bah, tu verras bien. Ah, bah, y a pas de méthode imparable. Là, c'est vraiment bonne chance. Ça dépend déjà du caractère de la meuf. Et puis, mais en tout cas, on te souhaite bonne chance, Aurel. Ça, c'est toi et ta chance. Merci, voilà. Merci du coup de fil. Et dans un instant, on va souhaiter bonne chance également. C'est vous et votre chance. Les deux clashers, Cédric Romano, avec le Dr Sgeg et sa méthode. Exactement, le Dr Sgeg a senti que ça sentait pas très bon au niveau de l'entrejambe de l'homme et de la femme. Oui, c'est moi, Luc. Ah oui. Ah mais c'est pour oui. Ça. Ça pue en plus. Et effectivement, je confirme. C'est ah ben ça sort du cul quand même. Hein. Le mucus. C'est de la mouille de cul. Ah. Ça. Donc tu es gynéco-proctologue. En fonction de sur qui on tombe, tu vois. Et Cédric. Bah moi je suis tout mouillé. Je vais venir me sécher chez les familles. Je vais me foutre tout nu après. En fait c'est quoi tu veux tu vas gratter une serviette ou un peignoir. Ouais, t'as tout compris. Ouais. Cédric. Ça, c'est, en fait c'est un conseil pas cher mais version wish. Ah non, j'aime sécher. Et sécher. Je vais galérer je crois. Alors Cédric, il faut mouiller. J'ai galéré, je crois. Ah ouais, préparez-vous. Attendez où avec tes chicots là. Le mec a l'air d'avoir fait du sacré bon boulot, dis donc. Oh, ça va. J'ai fini. Je parle au récolte, ça, désormais. Si c'est riche, ça, c'est Ah ouais. Et du coup, je voulais te demander. Est-ce que t'as fait l'enquête?
l'enquête sur La machine de Cédric pour le alors match. Pour l'instant non mais il a rien ouvert du tout, il a rien ouvert une enquête week-end. Pour l'instant je demande l'autorisation d'ouvrir une enquête dès que j'ai l'ai. Ah ouais, il a demandé au procureur la procédure. Je mène l'enquête. Ah là mais vas-y. Bon, si je gagne l'enquête, on la laisse tomber. L'enquête sera ouverte immédiatement. Ouais, on t'envoie ton t-shirt Skyrock la maison 02. Appelez-nous si vous avez besoin de nous, 01 53 40 30 20. Vous avez l'appli le 41 759 le skyrock.fm et on déchire tout en direct jusqu'à minuit. Et Doja 4 comme promis tout de suite. Foul. Romano. Bisous. Marie. En fait, j'ai eu mes règles et puis pouf. Cédric. Je suis un pilote, gros. Hein? Samy. Ah oui. Karim. Ouais, beau gosse. Guigui. Ça passe. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et voilà, en direct tous les soirs, on est là. Radio libre 01 53 40 30 20. Profitez-en, appelez-nous si vous avez un petit truc à nous demander. On est là. Un petit service, une question que vous vous posez. On est là aussi. Et un petit bilan du week-end aussi. J'ai eu les messages que nous avons envoyé tout à l'heure, c'est rigolo, vous avez fait des trucs de cool ce week-end. Nous, on a fait un barbecue jusqu'à ce qu'il y ait une tempête qui arrive à la maison. Ah, sympa, ouais. Le barbecue sous la tempête, c'est original au moins. C'est moins cool. Ça va être gâché. Mais en plus, ça arrivait vite. Hein. L'espèce d'ouragan là, ouais. Quoi, le tourbillon là, je sais pas comment on appelle ça là. Oui, enfin, je sais pas si c'est une grosse tempête comme toi, hein. Merci pour ton message, Jérém là. Mais, non, mais ouais, parce qu'à mon avis là, t'aurais été au plein cœur du truc, le barbecue il s'envolait. Bidoche aussi. Hein. Ah non, mais a priori, c'était super violent. Hein. Là, le machin, là, je sais plus dans quelle région c'est là. Poitiers, je crois. Et en Mayenne aussi, ouais, en Mayenne. Ouais, le truc, il y a des images, j'ai vu des images. Ça fait vraiment, tu sais, le tourbillon là. Genre une tornade, quoi. Ah ouais, ouais. Ouais. J'ai pas vu, non. Donc, il y a une meuf qui nous a foutu la honte, c'est une copine à nous. Elle était tellement bourrée ce week-end qu'elle a vomi partout. Et dans le bar, je peux te dire qu'on nous regardait bizarre. Ah bah, puis en général, le mec. Ah ouais, moi, ça m'est arrivé une fois, j'avais vomi. C'est Mirliton qui nous envoie le message. J'avais dégueulé dans tout le bar. Enfin, j'ai toujours été classe. Ouais. Non, parce que mais t'avais foutu dehors, non? Non, mais j'étais en Bourgogne et en plus j'avais pas bu. Je m'étais enquillé, je sais pas pourquoi, une demi-bouteille de Ricard tout seul. Ah avec, ouais, bah ça c'est. Ouais, avec, bon, j'étais chez un mec. Hein, qu'une demi. Ouais, non, mais. Bon, les Ricard c'est violent. J'étais mort bourré. Ah ouais. J'étais rejoint des potes dans le bar. Je me souviens, il y avait un étage, ils avaient squatté l'étage. Je suis arrivé en haut, j'ai fait salut tout le monde et là j'ai fait. Ah merde. Et la gerbe partout, tout le monde s'est écarté. Le patron il arrive en courant et il m'a dit t'as bu ici, bon j'ai rien capté. le mec il m'a soulevé dans les escaliers, il m'a jeté sur le trottoir, mais c'est comme une merde. Ah bah, c'est ça. C'est comme il aurait jeté une poubelle, quoi. Il a dit allez dégage de là et je t'envoie pas. Il y a David aussi qui a bu ce week-end. C'est moi qui ai vomi, mais le problème c'est que c'était dans ma chambre et dans mon lit. Oh. Sympa. Ah oui, c'est pas super. Je sais pas si t'es chez tes parents, mais ça les parents en général ils aiment bien. Moi ça m'est arrivé une fois avec un pote d'ailleurs. Non, ouais. Moi, ça m'est arrivé. Ça, c'est un pote qui avait vomi. On avait bu du vin toute la soirée. Ah, et un pote, ah ouais, le vin. Ah, le vin rouge en plus. Ouais, je déteste. Ah ouais, putain. J'aimais pas ça. C'est juste pour me bourrer la gueule. Mais donc lui, il était venu dormir à la maison. Il m'avait vomi dessus. Moi, j'avais vu qu'il avait vomi dessus. Ah ouais, c'est horrible. En fait, il y avait plein de vomi. Ah moi, j'avais vomi sur carriole moi deux fois. Ça lui fait plaisir. Très heureuse dans ses cheveux longs. Tu vois, David, tu n'es pas le seul à avoir. Attends, franchement, depuis, elle a des cheveux magnifiques. Vomi dans un lit. Je conseille ça, les filles. C'est grâce à toi. Franchement, un bain de vomi pour vos cheveux, vous aurez les cheveux soyeux. Bah, moi, j'ai un ex comme ça qui avait vomi derrière le lit, mais il s'en souvenait pas. C'était en vacances, tu sais, maison familiale. Ils étaient plusieurs. À l'odeur. Non, mais le truc, c'est qu'ils étaient plusieurs, tu vois, des cousins, cousines et tout dans une grande chambre. Et le lendemain, ils sont rentrés, ils se sont dit, mais c'est quoi cette odeur? C'est quoi cette odeur? Et mon ex, il se souvenait absolument pas qu'il avait gerbé. Et en fait, ils ont bougé tous les lits. Il y avait une énorme gerbe, pareil, de vin rouge sous le truc. Or, il m'a dit, mais laisse tomber, c'était ignoble. Sympa les petites histoires d'alcoolique. Ah, ouais. Ah mais c'est ce matin, on parlait d'un mec là qui était complètement bourré. Si vous êtes à Nîmes d'ailleurs, et si vous étiez à ce moment-là à la gare de Nîmes, le mec était tellement bourré qu'il s'approchait des passants qui attendaient. Des mecs qui attendaient leur train, leur bus. Ouais, ouais, les bus, ouais. Et à chaque fois qu'il voyait des gens, hop là, il baissait son fut et montrait ses couilles. Ah ouais, comme ça, quel beau spectacle. Comme ça, il faisait comme ça. Très sympa. Jusqu'à se faire arrêter par la police. Oui, bah oui, en même temps, bon, il a un peu cherché là. Oui. Là, tu cherches, en faisant ça, tu cherches quand même les emmerdes. Comme le dit Seigneur Tacos, c'est une belle pub pour l'alcool que vous faites là. Ah oui, ça, c'est une belle pub pour l'alcool. Et les Espagnols aussi de ce matin là, qui étaient tellement bourrés, donc il s'est bourré aussi. Il rentre à la maison. Et il rentre à la maison et dit putain, on a oublié un truc. Mais qu'est-ce qu'on a oublié un truc? C'est dingue ça quand même. Putain, c'était une personne. Oui, c'était leur bébé qu'ils avaient posé sur le palier. Ils sont rentrés dans la maison. Mais ils ont obligé de prendre leur bébé. Le bébé était devant la porte. Jusqu'à ce que des voisins trouvent le bébé posé comme ça, en train de pleurer sur le paillasson. Putain. Oui, bon, ça va, il était pas loin.
Oui, non, mais j'aurais pu l'oublier dans un bar ou tu vois. Dans le coffre de la voiture. Genre, ouais, ou genre dans la rue, tu sais, ils posent le truc. Bah, ça, c'est déjà arrivé des gens qui oublient. Ah, bah, ça, c'est notre histoire du morning. Bah, moi, j'ai oublié mon fils pendant 10 ans. T'as oublié ton fils? Non, ça, je l'ai pas oublié. Vous me disiez, j'ai un fils. Un jour, j'ai quand même mené l'enquête. Je suis bien au courant, je t'assure. Et justement, on avait une histoire la semaine dernière. C'était, ça s'est passé en France. Je sais plus dans quelle ville c'était d'ailleurs. Bon, bah, c'est pas du côté de Poitiers. Je sais plus où c'était. C'était donc une famille qui part boire des coups. Ils étaient tous complètement pétés. Et puis ils rentrent. Et puis à la sortie du, bon, ils vont à la maison tranquille. Rien. Et le bar à un moment ferme vers 1h-2h du matin. Et là, ils voient une mamie qui est posée à une table. Et qui attend, elle aussi, elle était complètement pétée. Et ils disent, mais vous ne partez pas, il faut y aller. Qu'est-ce que vous faites? Mais j'attends ma famille, ils avaient oublié la vieille. Ah merde. Ah mamie. Table du bar. Remarque, c'est moins pire qu'un bébé. La mamie qui était complètement pétée aussi. Bon, la famille est revenue chercher la mamie. C'est arrivé aussi, ça, sur une aire d'autoroute, où ils avaient oublié la vieille. Moi, je me demande s'ils n'avaient pas fait exprès d'ailleurs, parce que bon, c'est pareil, ils s'étaient arrêtés pour pisser, ou je sais pas, ou pour bouffer. Et en repartant, ils se sont rendus compte, je sais plus combien ils avaient fait de kilomètres, merde, on a oublié la vioque. Bah, une fois, mon père lui avait tellement cassé les couilles avec ma soeur, on descendait dans le sud et il nous a laissé carrément une aire d'autoroute. Qui, ton père? Ouais, il en pouvait plus. Avec ta soeur? Avec ma soeur. Ah, mais on avait chié. Il nous a abandonné? Je m'en souviens encore. Ah ouais, mais c'est horrible. Il s'est tiré, il en pouvait plus. On avait 5-6 ans. Ah ouais, sur le bord de la route. Ça passe. Je vais avoir 9 ans, je pense. Donc à 9 ans, il te laisse sur une aire d'autoroute. Ah ouais, non, mais en fait, on l'a. C'est la maltraitance. Vous êtes bizarre dans ta famille. Non, mais il est revenu, mais tu vois, pendant 10 minutes, avec ma soeur, on était complètement stressés. Et puis à l'époque, tu sais, il y avait. Mais en fait, Marie, tu n'es pas une ancêtre de poupée de Kenza. Non. Ah, et Elbil, horrible cette histoire-là. Une fois, tu veux le prendre? Ah oui, prends-le parce que ça c'est génial. Ah, dégueulasse. On va avoir le témoignage en direct. Vous aimez des témoignages dégueulasses? Eh ben, on en a un et il déchire. Vous allez voir. Et un autre témoignage dégueulasse. Attendez, il est où celui-ci? Il est super. Attendez, ça défile à une vitesse. Dès qu'on parle d'alcool, il y a plein de messages. T'as vu, Marie? Ouais, ouais, c'est dingue. Il est où, Bruno? Ah, Bruno, le poteau de Cédric. Vous savez, Bruno du club échangiste. Ah, ouais. Faites attention, l'alcool c'est dangereux, mais boire trop de sperme aussi. J'ai une cliente qui a vomi car elle avait trop avalé de sperme. Ah ouais. Oh merde. Ah merde. Ah vite. Oh là, s'il te plaît, Bruno, dis pas mon nom. Oh là, je t'en supplie. Là, elle a dit une cliente. On voit pas la vidéo. Ah, mais tu nous as dit tout à l'heure, Cédric, que tu étais femme ce soir. Mais pas du tout. Et que tu étais toute nue. Oui. Non. Bah, allez écouter le replay. Allez écouter le replay de la radio libre et on va vous le sortir dans la nuit comme tous les soirs. Et vous écouterez Cédric quand il a dit je suis toute nue et j'ai mis une perruque. Et t'as dit toute mouillée aussi. Non, et je suis toute mouillée dans le club échangé. Oh, la photo, gros. Ah oh, bah. Ah, elle est magnifique. Ah, horrible. Putain, Cédric, t'es sexy. Ah ouais. Faut décrire la photo. Bien, gros. Bah, en fait, c'est Cédric avec des gros seins. Ouais. Des gros seins avec un espèce de décolleté. Un décolleté bien ouvert. Ouais, avec le ventre de Romano. Non, c'est le ventre de Romano. Oui, c'est French Canadian qui l'a envoyé. Ouais, elle est magnifique. Vas-y, viens, on la poste celle-là. Elle est bien faite. Vas-y, poste-la, gros. Bah non, poste pas ça. On s'en fout, c'est un montage. On sait. On voit que c'est un montage. On le dit que c'est un montage. Franchement, on le voit pas tant que ça. Je veux dire, ça pourrait être crédible. Ah ouais, gros, putain, elle est bien faite. La tête. Bon, allez, vous m'avez chauffé, je la poste. Le problème, ta gueule, toi. Non, mais le truc qu'il y a, c'est que la tête n'est pas montée, par contre. Ah non, ça, non. C'est l'original, ça. Tête. Bon, témoignage de Karim, là, sur l'alcool. Et puis, pour tout le reste, appelez-nous. Hein, si vous avez besoin de nous, on est là. Allez-y. 01 53 40 30 20. Salut, Karim. Karim de Lyon. Salut, Nicole. Salut. Bienvenue sur Sky. Salut, Marie. Salut, tous. Coucou. Salut à toi. Merci. T'as 30 ans, toi, Karim. Et alors, vas-y, raconte-nous le. Parce que moi, j'ai vu le message. Vous allez voir, c'est génial. Donc, tu as vécu un moment très, très, très difficile de ta vie. Et comme vous le savez sur Skyrock, on se dit tout. Tout à fait. Bah, écoute, ça remonte déjà il y a quelques années. Je dois avoir une vingtaine d'années. Je sortais encore pas mal en boîte sur Lyon. Et puis, j'étais sorti tout seul ce soir-là. J'étais déjà bien rond. Et puis. Avec pas mal de verres dans la tête, j'ai eu la bonne idée en voyant une table remplie de verres, de me dire, comme elle n'était pas du coup avec du monde autour, j'ai eu la bonne idée de prendre un verre et puis je me le suis enfilé en cul sec quasiment et puis bah, en avalant, je me suis rendu compte que c'était pas de l'alcool mais du vomi à l'intérieur. Ah donc, Le con. Donc j'ai fait un petit peu comme dans 8 Miles ou la momie, j'ai tout revomi mais en jet de pompier. Ah ouais, non mais ça c'est... Voilà. Putain, ça c'est ignoble. Qu'est-ce que vous pouvez boire de pire? Que du... Tiens, de la pisse. Alors t'as justement, on va faire un jeu. Ah, petit débat là. Ah, voici les questions que j'aime, les questions impossibles. Mm-hmm. Vous avez 3 verres. Un verre de vomi.
Ok. Un verre de mucus. Un verre de mucus. Un verre de vomi, un verre de pipi et un verre de sperme. Et rajoute un verre de mucus, gros. Et un verre de mucus, quatre verres. Ouais. Quel alors mucus, c'est bien sûr c'est la mouille de cul. Comme moi. Qu'est-ce que vous buvez? T'es obligé, ouais. Obligé de boire un des quatre verres. Tu vois, toi qui as testé déjà le verre de vomi, mais le verre de vomi c'est horrible parce qu'il y a des morceaux dedans. Toi qui aimes pas les yaourts avec des morceaux, je pense que tu prends pas le verre de vomi. Non, moi je pense que je vais prendre le pipi. Moi aussi je prends la pisse. Ah bah moi aussi, hein, parce que dans les quatre là. Attends, tu prends la pisse aussi, ouais, Karim. Ouais. Samy, tu prends quoi? Ah putain, c'est waouh, gros, je vois. Ah ouais, tout est ignoble. Non, ouais, ça, ouais, quand même pareil. Toi, mais personne ne prend un petit verre de mucus. Non, non, justement. À tester le mucus. Tout le monde prend la pisse en fait. Et toi, Cédric, tu prends quoi, gros? Ah, je fais un mélange. Moi, je bois les quatre. Non mais prenez quoi? Tu fais un cocktail. Non, j'enlève et shaker. Je vois les messages, tout le monde prend la pisse. Donc j'enlève la pisse. Il reste un verre de sperme. Marie, tu prends le verre de sperme, non? Ah bah des trois, oui. Ah. Un verre de sperme, un verre de vomi, un verre de mucus. Romano, tiens. Je prends le mucus, moi. Ah, tu prends le mucus, toi? Ah ouais, ouais, non, le sperme d'un mec, ah non. Ah ouais, non, horrible. Ah, c'est vrai. Ouais, le vomi, ah ouais, c'est vrai que c'est le choix. Non, moi, le vomi, je pourrais pas avec les morceaux. Le c'est impossible. Le vomi, je peux pas. C'est comme les yaourts. Ah, mais le mucus, c'est de la merde quand même. Putain, je me demande si je prends pas le sperme. Ah, moi, j'hésite. J'hésite entre le mucus et le sperme. La merde, moi, je pense que ouais, le sperme, tu vas me dire. Non, mais je pense que je dégueule tout. Mais je pense que rien que de voir le verre de gerbe, je pourrais pas. Ah bah, pareil. Parce qu'il y a non, mais la gerbe, j'élimine tout de suite. Donc vraiment t'as été courageux, ouais, putain, t'en es pas rendu compte quoi sur le moment, ouais. Pas mal anesthésié aussi. Que, putain, le mec il devait être bien amoché parce que pour dégueuler dans son verre, dans un verre, c'est qu'a priori il était bien amoché. T'as déjà dégueulé dans un soie champagne. Oui, mais au moins il y a plus de place quoi, tu vois. C'est vrai. Ça colle. Et puis tu bois pas le soie champagne effectivement. Rarement. Mon débat fonctionne très très fort. Attends, mais j'ai une petite question. Il y a Thibaut qui nous dit, j'adore le sperme direct. Ah ouais, d'accord, le choix est vite fait quoi. Mais quand t'as pris le verre, parce que j'imagine que tu t'es assez vite rendu compte que c'était du vomi, est-ce que t'as quand même avalé une gorgée de vomi? Ah oui. Non, mais c'était déjà bien. J'avais bu déjà la moitié du verre. Ouais, donc t'étais en quille. T'as bien du vomi. Ça fait double vomi. J'ai revomi du vomi qui était à moi et pas moi. Putain, moi ça me rappelle une fois après une cuite comme ça, je suis allé dans mon frigo et en fait il y avait une bouteille de lait, je pensais qu'elle était pas ouverte. Et en fait, c'était du lait caillé. Tu sais, j'ai bu, mais à grande gorgée. Ah, putain. Bah, choisir, je préfère boire du lait caillé que de la gerbe de quelqu'un. Ah ouais, si on le rajoute dans l'équation, je prends aussi. C'est clair, à la limite, je prends même une vache caillée. Ah, je te jure, c'est l'horreur. Alors, Guigui, tiens. Bah, je suis très intrigué par le mucus. Mucus. Donc, je prends le mucus. Il y a Az qui nous dit, moi, je prends le mucus de Marie direct, deux fois. Ah, moi aussi, je prends le mucus. Prends du mucus de toi. Mais ça, Cédric, je savais que t'allais répondre le mucus. Ah, bah, attends, t'imagines de la gerbe. Bah, ouais, toi, tu. Ah, non, de la gerbe, c'est pas possible. Ah, non. Toi, j'étais sûr. Ah, grave. Tu allais répondre. Ah, toi, c'était sûr et certain. Le caca, c'est bon. Ah, ouais, ça, on connaît. C'est bon. Samy. Là, je vais rester sur un petit Ricard, moi, les gars. Perso, je vais vous envoyer. Y a pas de Ricard. Ah merde, vraiment. Ah, bah, je t'accompagne. Non, franchement, le mucus, hein, gros. Ah, il mucus. Ah, ouais. En tout cas, moi, ce qui est sûr et certain, c'est qu'en j'élimine au vomi. Ah, vous me faites plaisir. Direct. Ah, vous me faites trop plaisir. Allez, je vais vous en produire un maximum. Et dans les messages, c'est ou le sperme, pour Tata, par exemple, Tata Xanax, elle prend du sperme, elle. Ou le sperme, ou le mucus de Marie, je crois même que le mucus est en tête. Non, mais il n'y avait pas le mucus de Marie, il y avait le mucus. Donc, c'est déjà Marie. Marie, c'est un plus produit. D'ajouter Marie, c'est comme un bon vin. C'est le côté luxe. Ça se vend plus cher. Ah ouais, Marie, sois fière. Magnifique. Voilà, donc un beau débat qu'on a lancé ce soir sur Skyrock. T'en auras assez pour tout le monde. Un débat comme on l'aime. Il est à côté sur moi. Bon, bah écoute, je pense que dans le gros cul de Romano, il y en a plein, non? Oh! Et ben la prostate à la gueule, et je te dirais, nique ta race. Ça marche pas parce que j'ai pas un gros cul. Là, elle t'a cassé, là, mec. Nique ta race. Maudite ta race. Moi, Karim dit que j'ai pas de cul, donc je risque pas d'avoir de mucus, hein, mon gars. Moi, je te retrouve bien, Marie, moi. Ah, merci, t'es full. De toute façon, le mucus, ça sort du trou de cul. Oui, parce que Karim, il aime bien les formes dans tous les sens. Ouais, Marie, c'est plat, mais bon, t'as un trou du cul, donc tu peux avoir du mucus. Exactement. Des fois, quand je regarde ton cul, je vois, il y a des taches de mucus. Ouais, bah oui, bien sûr. C'est ça. Les canards. Mais toi aussi, je te nique ta race, toi. Bon, ben merci Karim, en tout cas, du témoignage. Karim? Ah oui. Vous faites kiffer. Attends, t'entends plus. Vas-y. Ouais. Merci à vous, Diffoul, de nous faire kiffer toujours. Ah ben, c'est gentil. Merci. Et fais attention à ce que tu bois. En plus, c'était pour. Oui, fais attention à ce que tu vas en boîte. Ouais. Ah ben, je pense que maintenant, ouais, tu dois être parano. Ah ben, en fait, c'est ça d'avoir voulu gratter un verre gratos sur une table. T'as été puni. C'est ça, la sanction. Tiens, regarde. Une fois en soirée, moi, j'ai bu une bouteille qui servait de cendrier. C'est qui à qui j'ai fait ça, moi? Ah ouais, c'est Sam. Sam, il vient pour se faire embaucher, Sam du Morning. Il vient pour se faire embaucher à la radio. Ah, et, putain, mais...
Il y avait une canette, c'était ça, dans la canette, ça me servait de cendrier. Ah et putain, ça, il a bu fait, dedans. Ouais, vas-y, bois, allez, vas-y, fais-toi plaisir, c'est offert par Skyrock, on est sympa, Sky, on offre à boire. Ah putain, mais il a bu un mégot. Oui, il a bu un mégot. Ouais, de la cendre, bon. Mais ça, ça a dû m'arriver, mon soir. Ouais, moi aussi, ça m'est déjà arrivé, ça. Non, mais bon, quand après, ça tu recraches quoi, ouais, tu vois. Voilà, tu recraches. Sauf que lui, du coup, pour être poli, ce con, il a fini la canette quoi. Parce qu'il s'est dit, bon, je vais être poli, c'est la première fois poli. Bien sûr. Et du coup, il a continué, il restait un petit fond. Pas poli, mais attends, dans ce concon, ouais, un peu. Ah ouais. On appelle ça un poli concon. Même concon, même complètement abruti. C'est ça, du morning. Bon, merci Karim, on t'embrasse. Et on t'envoie ton t-shirt Skyrock à Lyon. Et attention, c'est parti pour le clash là tout de suite. Romano, petit à crâne d'œuf, Cédric. Quatre mentons, un ventre surdéveloppé et un cerveau sous-développé. Face à face, les deux plus grands séducteurs de la planète. C'est le clash de la drague sur Skyrock. Bon, le clash, c'est parti, on y va. Romano, ta méthode. Bah, moi, je suis le docteur Sgeg. J'ai senti une drôle d'odeur dans l'entrejambe de l'homme ou de la femme en fonction de. Ça t'inquiète. Ouais, bah, je vais être proctologue ou gynécologue. Bien joué. Et toi, Cédric? Bah, moi, je me suis pris la flotte là tout à l'heure, je suis tout mouillé. Mais t'es sûr qu'il a plu partout? Parce que. Bon, après, il y a des coins. Ouais, il a plu. Je cherche pas, il a plu. Bah, s'il a pas plu une goutte, tu vois. Bah, je suis mouillé quand même. À Marseille, il n'y a pas plu. Il a plu 2 heures samedi, entre midi et 4h. Non, mais là, aujourd'hui. Bah, tu vois, non, depuis samedi, je suis mouillé, tu vois. Ah, depuis samedi, t'es mouillé. Voilà. Ah, d'accord. Mon con, mon pauvre ami. Parle bien, toi, il est fou, lui. Oui. Allô, Jean-Paul. Oui, j'écoute. Oui, bonsoir, je voulais parler à Jean-Paul. Vous voulez parler à Jean-Paul? Tout à l'heure, vous voulez parler à Daniel, vous êtes monsieur Dubois? Ah non, du tout. Non, monsieur Dubois. C'est Michel. On s'amuse, ça fait 3 fois que ça part secret et puis qu'on décroche mon copain, il se lève à 3h30 du matin, vous croyez qu'il a pas le droit de dormir? Oh bah si, il peut dormir, mais moi aussi je me lève tôt justement, je l'appelais parce que j'ai besoin d'un petit service là. Ça va être vite fait hein. D'accord. Jean-Paul. C'est gentil la dame. Merci. Non, c'est vrai. Bah oui, parce que ça fait 3-4 fois qu'on s'amuse alors. Ah puis désolé d'appeler si tard, hein, je suis désolé. Non, vous avez pas l'air commode, excusez-moi. Mais vous êtes gentil. Sinon, je suis pas mal aimable, mais là, ça gêne. Ça va. Jean-Paul. C'est quelqu'un pour toi, c'est des collègues de travail ou je sais pas quoi. Aucun respect, c'est vrai. Tiens. Chut. Ouais, respect. Allô, qui est, allô, ouais, Jean-Paul, ça va? Oh, c'est Michel. Ouais, c'est Michel, là, un de tes voisins. Dis-moi, je t'appelle là parce que je suis tout fou, je suis tout mouillé là. Je me suis pris la flotte là tout à l'heure. Et ouais. Du coup, je vais venir à la maison pour me sécher. Comment? Bah là, je vais venir là tout de suite, là, à la baraque. Je vais venir t'emprunter une serviette, je me fous à poil dans ton salon, je me sèche et puis après, je fais un câlin à ta femme pour la détendre un petit peu, tiens. Parce qu'elle a l'air tendue là ce soir. Ouais. T'avais un coup de fusil. Hein? T'avais un coup de fusil? Ah non, j'ai pas un coup de fusil moi. Juste une serviette et faire un câlin à ta femme. Petit coup de fusil, pim. Ouais. Je peux lui faire l'amour si elle veut. Hein. Ouais. Tu veux jouer avec elle? Ouais, si tu veux. Bon, bah repasse-la moi, tiens. Ouais, tu m'envoies un coup comme ça, on téléphone à les flics. Là, okay. Y'a pas besoin d'appeler les flics, hein. J'arrive dans 5 minutes, là, je suis là. Hein. On téléphone à les flics. Ouais, ouais. Mais repasse-moi ta femme, tiens, Jean-Paul. Non. Oh, allez, JP. Non. Sois pas jaloux. J'ai pas jaloux, Bah, t'es jaloux. Non. T'as peur que je lui fasse l'amour et qu'elle prenne du plaisir ou quoi, la belle? Dans 5 minutes, je vais téléphoner à les flics. Je vais téléphoner à les flics, je vais demander. Ça va lui rappeler des souvenirs à ta femme, tiens. Ouais. C'est continu, t'es hein, flic. Téléphoner à les flics. Bah, téléphoner à les flics, ouais. Ah ouais. Bon, attends, moi, je ferai l'amour à ta femme, d'accord? Ok, dans 5 minutes, c'est qui? Ok, pas de problème, ben moi aussi je suis là dans 5 minutes. Ah bon, ok, merci. Ok, allez, à tout de suite, bisous. Dis de se préparer, la belle. Bon, une invitation. Il a pas dit ça, il a dit dans 5 minutes, j'appelle les flics et je vais savoir qui c'est. Ah, c'est ça qu'il a dit, j'ai pas compris. Ouais. Ah, mais bon, il mangeait quelques mots. Oui, c'est vrai. Il appelle à les flics. Appelez les flics. Il appelle les flics. Appelez les flics. Bon, bah, petite invitation. Bah, même pas, les flics. Non, si, parce que j'ai que je venais, il m'a pas dit non. Mais oui, mais t'as pas dit non plus. Il a pas dit non, gros. On sera à vous de juger, de toute façon. Bon, c'était pas la folie folle, mais c'est sympa. J'ai une petite invitation. Non, mais il faut démarrer doucement. Oui, bah, c'était très doucement, oui. Attends, Mano. Allô? Eric. Allô, Eric? Pardon. Allô, Eric? Ouais, excuse-moi, j'ai mon clapet œsophagien qui déconne. Allô, Eric? Tu le rentres à la gueule et tu veux qu'il te réponde. Il parlait déjà pas avant, donc... Oui, allô, Eric? On entend un autre? Eric, parle, je crois que ta femme est le pute de la schneck. Oh. pour la tirer, il parle de respect. Pour la tirer. Ah, putain. Bon, fais-en un autre, Guy. Eric? C'est très délicat. Elle pue, hein? Ah, non, il a raccroché. Allô? C'est qui, là? C'est Eric. Mais il n'y a pas d'Eric, allez. On rappelle ça à un autre, putain, on aura tout essayé. Non, mais le mec, c'est bon, il va dire allô, il va me raccrocher à la gueule. Non, ça aurait été beau. Je la connais. Alors, ça serait qui, mon Guigui? Là, il rappelle peut-être Eric, Tony. Tu veux pas être mon infirmière? Oh, vas-y, avec plaisir. On va faire un duo. Allô? Tony.
Comment? Tony. Allô, Tony? Ouais. Oui, bonjour, excuse-moi de te déranger, c'est le docteur Zgeg à l'appareil. Le docteur quoi? Zgeg, c'est mon nom de famille. Ouais. Dis-moi, t'as bien une femme? Ouais. Ouais, parce que je l'ai croisée là aujourd'hui, j'étais derrière elle là, et j'ai senti une odeur bizarre au niveau de son entrejambe. Et vu que je suis gynécologue, je serais bien vu le sculpter. Eh, viens me voir chez moi, toi. Viens me voir devant de maison, là. Tu t'as mon numéro de téléphone. Viens chez moi. Bah, ouais, parce que je vais me sculpter. Viens dire bonjour, là, dans 5 minutes, là. Bah, je vais te montrer ce que je vais te faire, moi. Et puis, je suis proctologue. À la limite, je pourrais t'enculer pour le même tarif. Viens voir. Je vais arriver. Puis, je vais lécher ta femme pour. Oui, tu vas voir sur Viens voir. Fais le malin derrière un téléphone avec un appel masqué. Tu fais le malin, t'es loin, là. Tu fais avec tes copains, là. Non, je suis tout seul, là, parce que moi, je suis docteur, moi. Tu fais ton branleur, là. De toute façon, je vais venir. Je m'occupe d'elle et je m'occupe de toi après. Ah bah voilà. C'est négocié. Ça s'appelle du serrage. Et bim bam boum. Le mec il m'a répondu au moins 50 fois. Eh, viens mon copain, Il va te casser ta gueule. Viens dans la maison. Ah, viens dans la maison. Ça devait être le frère de l'autre d'avant qui mangeait le poté. Alors on est au deuxième tour. Cédric, à toi. Allez, vas-y. On appelle Cindy. Ils sont bien pour l'instant nos familles. Ouais, pas mal. Casting, tient à peu près la route. Très très bon casting, oui. Qui c'est qui souffle comme ça? C'est Cédric. Non, c'est pas moi. Bah si, c'est Cédric. Ah non. Bah c'est pas moi. Hein, bah, je vais souffler. Allô? Oui. Ouais, bonsoir, c'est le mec de Cindy. C'est Cédric, ça. Allô? C'est qui? C'est Michel, un ami de Cindy. Elle est là ce soir? Mais qu'est-ce que tu veux, sale bouffon? Bah je t'explique, j'ai un petit problème. La terre, je me suis pris la pluie. Je suis tout mouillé, puis je voulais passer à la maison pour me sécher. Mais va te faire enculer, qu'est-ce que tu veux? Bah justement, je veux venir à la maison. Tu veux que je vienne tout de suite là? Ok, tu sais quoi? Ouais. Je vais appeler les flics. Bah, appelle les flics si tu veux. D'accord. Moi, ce que je fais, c'est que j'arrive dans 5 minutes, le temps de me sécher, tant qu'il débarque, viens. Et puis entre temps, si j'ai un peu de temps, je ferai l'amour à Cindy, tiens. Viens, je t'attends, mon grand. Ah, génial. Dis-lui de se préparer, la belle. Viens, ça, fils de pute. Je vais lui faire l'amour comme jamais, t'inquiète. Y'a pas de problème. Elle va s'en souvenir et toi aussi, tu vas voir. Allez, je vais te faire une démo, mon coco. Allez, va. À tout de suite, j'arrive. Tout de suite. Bravo, c'est bien. Et voilà. Oh, à part les insultes, parce que j'ai entendu des insultes qui parlaient mal, des mères. Parle mal. Ça, j'aime pas. Ça, je suis pas. Ouais, mais invitation, serrage, tranquille. Oui, oui, regarde, c'est confirmé. Ça fait plaisir. Sale fils de pute, ça parle mal, on nous dit. Très, très mal. Regarde, les émis, ça parle mal. Mais t'as même pas répondu à ce moment-là. Non, mais tranquille. Moi, je suis devenu une baltringue. Non, moi, je voulais juste serrer, tu vois. T'es devenu une baltringue. Non, j'ai serré, t'inquiète. Non, mais t'aurais pu répondre. Non, tranquille, moi je vais juste serrer, Je vais piquer ta race. C'est tout ce qui compte. Bon, allez, on y retourne. Qu'est-ce qu'il y a? Je tousse. Catherine. Allô? Non, il n'y a pas de Catherine. Ah, pas de Catherine. Fausse alerte. Allez, un autre. Deuxième tour. C'est ça. Et déjà, on est à des. Enfin, il n'y a pas eu un appel pour rien. Invitation ou serrage? Ouais. À part, selon Romano, le premier appel de Cédric où l'invitation n'était pas vraiment évidente, mais à vous de juger. Attention, le mec qui dit je vais appeler les flics. Oui, c'est vrai. Cédric, tu vas avoir des problèmes après ce double appel, après ce clash. Je crois. Vous êtes bien chez Claudine et Thomas, lui Coco. Veuillez laisser votre message. Coco. Je vais laisser un message. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur la touche dièse. Bonjour, messieurs, dames, Coco. Bonsoir. Je vais vous dire ratatamtam. Ah, c'est bien ça. Et je dirais même Babylone brûle. Je l'attendais. Prends l'extincteur. Bon, un autre Guigui. Allez. Qui c'est qu'on appelle? Michel. Tu es prêt? Ah, là, je suis complètement prêt, là. C'est bien. Eh ben, c'est Michel au téléphone. Et oui, Cédric, c'est bien vu. On appelle Michel au téléphone. Ah, ouais, c'est Michel. Au lieu de me parler de conneries à la con. Kevin. Allô? Kevin. Allô? Va manger du caca, là, au lieu de me parler de conneries à la con. Non, mais je vais arriver dans 5 minutes, là, moi. Hein. Va manger du caca, là, au lieu de me parler de conneries à la con. Ah, c'est marrant ça. Absolument. Vas-y, refais. Va manger du caca. Allô? Va manger du caca là au lieu de me parler de conneries à la con. Le caca c'est bon. C'était sympa comme répondeur. Bah ouais, c'est sympa. Va manger du caca au lieu de. C'est très sympa, t'imagines, t'as ton. Le caca c'est bon. En fait, ça dépend qui t'appelle quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut vite ta mère. Très gênant. Tu m'étonnes. Étonnant. Alors, on appelle qui, la Guigui? On appelle Fabien. Après, Michel. Fabien ou Fabien? Fabien. I-U-N. Oh là, parce que moi, j'adore Lara Fabian. Bah, c'est super, ça, Cédric. Tu as bon goût, dis donc. Oh, les Céline Dion. Ah, c'est super aussi, au moins. Ça. J'adore. Alors.
Vous avez fatigué sur la fin du casting, non? Oui, ils ont fatigué. C'est un peu difficile. Bah, j'aimerais bien quand même avoir un deuxième tour, parce que c'est, finalement, ce n'est que le deuxième tour. Oui, c'est vrai, on a l'impression d'être déjà au cinquième, mais c'est que le deuxième, tellement il s'est passé des choses. Allez, Guigui, là. J'essaie. Qu'est-ce que tu me fais, Guigui? C'est les numéros de Cédric, je sais que c'est pas. Je sais que c'est pas super. Hein. Allô? Ouais, c'est qui? Allô, comment elle va? Vous n'avez pas marre de me faire chier depuis tout à l'heure au téléphone? Non, non, mais parce qu'en fait, j'appelais là, il est là, ton mari? Mon mari, il est malade, mon mari, il dort, alors arrêtez d'emmerder le monde! Ah, bah alors attendez, parce que moi, là, c'est pas le bon numéro qu'on m'a donné. Parce qu'en fait, j'ai croisé une femme aujourd'hui, là, et elle sentait un peu de l'entrejambe, c'est pas toi? Non, pas du tout, maintenant arrêtez de me casser les couilles, parce que sinon, ça va chier! Ah, mais ouais. Sinon, à la limite, je peux peut-être venir renifler et on pourra faire l'amour! Ouais, c'est ça, on va se faire foutre! Bah, je vais venir dans 5 minutes, là! Ah, elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas, ouais. Non, non, c'est. Attends, bon, là, j'ai. Putain, vous. Allô? Elle n'arrive pas à raccrocher. Elle n'arrive pas à raccrocher. Elle va raccrocher. Ça y est, elle va raccrocher. Tu peux y aller. Pas faire chier le monde, mais je n'ai pas eu de prénom. En plus de ça, bon, vous m'appelez quelqu'un, le mari est malade, donc forcément tout de suite, c'est un peu moins de. Il y a plein de maladies à la con. Si regarde, Rémi, il a une fièvre inversée. Rémi, allô, Philippe. Allô, Philippe. Ah, Philippe. C'est pour moi, là. Allô. Attends, s'il te plaît. Allô, Philippe. Hein? Bah, tiens, vas-y, prends-le, ouais. C'est pour toi, Cédric. Non, mais attends, t'as fait ton tour ou t'as pas fait ton tour? Il a fait son tour. Bah, j'ai fait mon tour, bah, je voulais faire comme ça. Ouais, tu passes au moins après. Voilà, Cédric vient de faire son tour, c'est raccroché. Ah, non, il a pas parlé. Il a parlé, j'entends Philippe. Là, allez, il a rien dit. Oui, Rémi, alors, je sais pas ce que c'est, ça. Rémi des infos, il a une fièvre inversée, il m'a dit. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, bah, j'ai pas compris. Mais c'est quoi, genre, il a la température du corps basse? Ouais, peut-être c'est ça. D'après ce qu'il m'a dit, il a une fièvre inversée. Jamais entendu. Ah, moi non plus, ouais. Il a pas une mythomanie aiguë plutôt? Vivement qu'il revienne dans le morning, on en saura plus très rapidement. Tu m'étonnes. Bon, vas-y, Cédric, tu le fais ton tour? Allez, tu fais quoi, fais ton tour, fais pas chier. Ah, bah, je fais pas chier, moi, t'es gentil. Allez. Allez, vas-y. On y va. Envoie-moi du lourd que je sers, que je gagne ce clash. Guy, tu penses qu'on peut faire un troisième tour avec les numéros qui nous restent? Ouais, parce que moi déjà, j'espère. Je me suis fait un peu couiller sur mon deuxième. Finalement, il y a eu un tour de potable, quoi, dans votre bordel. Ou alors, on fait juste le tour de la mort tout de suite, et puis voilà. Ah, bah là, la mort, elle est déjà là. Cédric, c'est le tour de la mort. Allez, on fait le tour de la mort. C'est la mort. Allô? Allô? Ouais, bonsoir, comment ça va? Jean-Bernard. Oui? Ouais, c'est JB? Oui. Ouais, c'est Michel au téléphone. Ouais, dis-moi Jean-Bernard, je t'appelle là parce que tu sais, je me suis mangé la flotte là tout à l'heure. Ouais. Et je suis tout mouillé là et je voulais passer à la maison pour me sécher les fesses. Bah, tu prends un fun et puis ça va bien. Non, mais je voulais passer à la maison là, tu me donnes une petite serviette, je me fous à poil dans le salon, je me sèche et puis voilà quoi. Non, non, mais je suis. T'es quoi? Je suis occupé là. Bah écoute, je m'occuperai de ta femme dans ce cas là si tu veux. Non, bah c'est pas grave, on a besoin de personne. Non, non, mais je vais te laisser t'occuper. Je suis en route. Non, non, mais, allez, bon, mais laisse-moi venir à la maison. Ouais, JB. Ça va bien, salut. Ouais, JB. Bon, ouais, c'était le tour de la mort de Cédric. Et attention, Romano, ton tour de la mort à toi. Donc ça répond, ça répond, ça répond pas, ça répond pas. Ah oui. Cédric, il a complètement foiré, il est très heureux. J'ai fait n'importe quoi. Ah non, j'ai serré juste avant, j'ai fait complètement une invitation au premier tour. Complètement à chier. Allez, Romano, vas-y. Attends, Romano, t'as vu que. Tour de la mort, tour de la mort, attention, on se concentre. Ben, ça répond, mort, ça répond, ça répond. Allô? Allô? Ah, c'est Alain? Qui c'est à l'appareil, s'il vous plaît? Bah, c'est le docteur à l'appareil, là. Le qui? Le docteur. Le docteur, pourquoi? Ouais, le médecin généraliste. Bah, c'est, ouais. T'as bien une femme? Ah non. Ah non? Donc c'est toi que j'ai dû croiser. Parce que dis donc, je t'ai croisé, j'ai trouvé que tu sentais un peu du derrière. Oui. Oui. Ah, toujours du derrière. Donc je vais venir ce soir te sculpter parce que c'est pas normal, hein. Oui, oui, oui. Ah bah oui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais t'enfoncer quelque chose dans les fesses pour repousser la crotte à l'intérieur. Oui, bah tu peux le faire pour toi, merci, ciao. Oui, bah je l'ai déjà fait, moi. Écoute, il m'a pas dit non non plus, il m'a pas dit oui non plus. Oui non plus. Mais tu vois, il était pas, il pue du cul lui. Il pue du cul, c'est le médecin qui pue du cul. Oui, c'est bien moi, oui, c'est bien moi. Bon, alors vos déclarations et ça va, il va falloir voter. C'est parti, appelez Skyrock, 41759, skyrock.fm, top vote, Romano, tes déclarations. Bon, mes amours, ce soir, dès le premier tour, magnifique serrage, là, avec une magnifique famille. Bon, vous avez entendu, sur la suite, ça s'est gâté, on m'a filé des familles, bon, on va dire, j'ai pris les restes. Mmh. C'était ce soir un clash écologique, c'était du recyclage. C'est ça, ouais. C'est cool. Machin, bon, fait avec les moyens du bord. Eh bien, ce soir, mes amours, il ne fait plus très beau, il ne fait plus très chaud, mais il faut toujours voter Romano, R-O-M-A-N-O. Bah non, merci, pourquoi? Je vous aime.
Ça, c'est la déclaration de Romano. Donc, vous voulez voter Romano, applique à 41759 skyrock.fm, mais vous pouvez également voter Cédric. Ouais. Et il faudra voter Cédric ce soir, la famille, parce que moi, premier tour, j'ai commencé doucement, tu vois, avec une petite invitation. Et après, bim, serrage. Cindy, son mari, je vais leur faire l'amour. Et ta fille pour à ça, n'hésitez pas à voter Cédric, c'est EDRIC. Mon adversaire n'a pas de serrage, lui, par contre. Ah, si, j'ai eu un serrage pour premier tour. Pour à voter Cédric, je mérite de gagner ce soir. Tous ensemble, on peut le faire. C'est EDRIC, je vous aime. Alors voilà, vous votez, allez-y. Allez, votez Romano, mes amours. Allons, ce soir, on s'est encore fait baiser sur le casting. Un casting déplorable réalisé par Cédric lui-même. Voilà. Depuis 21h, le mec fait ça. Voyez ce qu'il sert. Non, mais le casting était bien. Casting de Guigui. En fait, moi, j'ai eu un bon appel. C'est le premier. C'était le tien, Guigui. Je crois que oui. Ah, bah oui. Et après, vous avez entendu le désastre. Votez Romano, R-O-M-A-N-O. On peut faire un petit standard express 01 53 40 30 20. Tiens, appelez tout de suite. 01 53 40 30 20. Vous appelez et on décroche. Et on décroche en direct. Allons-y. Tiens, on a qui qu'on va. Tiens, il y aura Minou dans un instant. Bonjour Minou. Minou. Bonjour. Et... Minou. Minou, mais c'est mignon, un gros Minou. Ouais. Ou un petit Minou. Moi, je préfère les petits Minous. Ouais. Moi, j'en ai un très très gros. Chacun son. Moi, c'est même un gros matou. Ouais. Mon père, il nous appelle comme ça, Minou. Minou. Ouais. Tu votes pour qui, Minou? Romano. Merci Minou. Romano. Un bisou Minou. Alors tu restes avec nous Minou parce que t'as un truc à nous raconter. Il y a Angélique aussi qui arrive. Allô Angélique. Oui. Oui, bonjour Angélique. Tu es dans le 53. Ah bah t'as eu la tempête, dis donc. Angélique, on a eu la tornade, ouais. Ah oui, t'es en plein dedans, toi, dans la Mayenne. Ouais. Tu votes pour qui toi Angélique, pour le clash? Romano ou Cédric? Bah, je suis désolée, j'aime bien Cédric, mais là, Romano m'a clairement. Non, mais vote pour moi! Merci, ma belle. Bon courage, j'ai pas bête de serrage. Mais t'as été touchée par la tornade, toi? Non, mais on n'était pas loin. Bon. Ah ouais. Bah, tu vas nous raconter. Mais t'as d'autres choses à nous raconter, d'ailleurs. Parents, enfants, tout ça, on va reparler avec toi. Tu bouges pas, Angélique. Et 01 53 40 30 20, je décroche en direct. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, c'est Skyrock au téléphone. Bonsoir. Que bonsoir. Bonsoir, moi je vous adore, je vous écoute tout le temps. C'est bien. Le sujet qui a rien à voir, c'est que je suis DJ dans la Manche, au Frisland à Cherbourg. Oui. Et je critiquais le rap alors que j'adore ça maintenant. Oui, bref. Tu vois, comme quoi il y a que les cons qui changent pas d'avis. Exactement. Oui. Et je voulais tailler un certain Cédric par gentillesse. Tu votes pour Cédric? Ah non, il veut tailler. Non, il veut tailler par gentillesse. Ah, c'est gentil, je crois qu'il Romano. Par gentillesse. Donc tu vas voter Romano, toi? Non, je suis pas Romano. Non, tu n'es pas Romano parce que je suis là. Oui. Effectivement. C'est comment? Pas con. Ah, dis donc, Bito, C'est quoi ton prénom? Non. Très bien. C'est comment ton prénom? Je crois qu'il a pris. Je crois que t'as des restes du week-end au niveau drogue. Comment tu t'appelles? Ulrich, c'est un nom tout claqué au sol. Ulrich, non, bon, ça va, c'est non, Ulrich. C'est DJ Ulrich. C'est DJ Ulrich de la Manche. Ulrich Ramé. Et tu votes pour qui pour le clash? Moi, je vote pour Cédric parce que personne n'a la partie. Eh ben voilà, Cédric. Bah, merci, merci, ma gueule. Bon, allez, j'en prends un dernier. On a deux pour Romano, un pour Cédric. Oui, ne quitte pas. Et Skyrock, bonsoir. Il n'y avait pas trois déjà pour moi? Bonsoir. Non, il y avait les deux filles, gros. Bonsoir. Les femmes. Bonsoir, c'est Mohamed. Bonjour, Mohamed. T'es où, Mo? Vote Cédric. C'est Mohamed des Transports d'Orchy. Je vote pour Cédric. Cédric, deux partout. Allez, au revoir, Mohamed. Si ça n'a pas d'être venu. Merci, ma gueule. Vive Cédric, les transports d'Orchy. Salut à toi, Momo, raccroche pas. Bon, vous votez, René Jouet, vous avez vu, ça va être serré ce soir. Allez, à vous de voter, Romano, Cédric. Les dernières minutes pour voter avec nous, dans un instant, Angélique et Minou. Et puis vous tous, pour nous parler tout ce que vous voulez, profitez, j'ai promis aussi Doja Cat. Mais elle est là, Doja, tout de suite. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Et ouais, Skyrock en direct tous les soirs, Radio Libre, 01 53 40 30 20. On est là pour vous écouter, si vous avez un truc à nous dire. Si on peut vous rendre un service, allez-y. C'est quoi ce bruit? Ah non, mais parce que je ris. Il y a le pote de Cédric là avec le club échangiste, tu vois, le belge qui a accoudé au comptoir. Il nous envoie des romans photos. Ah ouais, tu déchires. Il parle au client, toi. Ça a bien marché ton appel pour lui demander d'arrêter d'envoyer des photos. Cédric, il a censuré des photos. Hein. Non, vous nous envoyez des photos que vous voulez. Vous dites ce que vous voulez. C'est Radio Libre, c'est Skyrock, c'est tous les soirs. Donc profitez-en. Allez-y, jusqu'à minuit, on est là, 01 53 40. C'est quand je parle avec le client pour régler le problème là. Je m'en souviens. Hein, t'as réglé quoi? Ouais, un petit problème. Tu règles des problèmes, il fait la sécurité quoi. Oh, je de la fête, les mecs. Non mais le mec il passe 10 minutes, il fait la sécu, il y a avec des problèmes. Bah, on est arrivé, c'est quoi le mec, il était pas correct, il faisait quoi?
Non, Cédric a passé galère, le week-end. Ouais. T'as passé le week-end dans un club échangiste. Non, juste samedi soir. Wow. Ouais, là, une petite galère. Il avait un gode coincé. Je l'aidais à le sortir. Non. J'ai tiré dessus. Avec les dents. Voilà. Médéline nous dit bonjour également. Oui. Elle va bientôt. Hein, je te dis. Elle va te bouffer la gueule, gros. Bonjour le chameau. Bonjour le bébé. Bonjour le bébé. Mais t'es sûr, elle va pas. Comment t'as pas peur? C'est dingue. Parce que des fous. Bah, il est habitué. Il dort avec. C'est Médéline qui lui saute au visage, qui met des gros coups de mâchoire là. Bah ouais. Elle passe vraiment à 5 cm de ton nez. Même pas à 5 cm. Mais après, quand c'est ton animal, t'as confiance. Enfin, elle touche. Mais elle mord pas, hein. Bah ouais, c'est ça. On va essayer. Essayer avec ton zizi. Non, c'est hors de question. Non, mais l'autre fois, quand j'ai donné un gâteau, elle le prend délicatement, hein. Ouais, les gâteaux, ouais, c'est tu lui dis tiens, doucement. Tiens, ouais. Tu fais ton. Tu veux le donner avec la bouche, Non, mais attends, on va y aller. Ah là, c'est dangereux. Vas-y, on va essayer. J'ai pas envie de. Elle regarde chelou. Tiens, viens. Essaye avec la bouche. Elle vient. Tu sais que tu es très très vilaine quand même. Arrête, la pauvre, elle est belle. Mais non, elle est mignonne comme tout. La gueule un peu. Ah non, c'est Marie, elle s'est rapprochée. Ah ouais, c'est ça. C'est moi. Je suis un souffle. C'est Marie, gros. Ah non, mais ce chien, il sort. Ah, c'est son cul, la nuque. C'est ça, évidemment. Ça va de soi. Elle sent que tu te fous de sa gueule, gros, elle a baissé les oreilles. Vous entendez, toute l'équipe est là. Cédric, Romano, Karim, Jitoubé. Samy, yes. La Marie, et on a avec nous. On a avec nous. Alors Angélique, on vous a salué les filles. On donne les résultats du clash dans un instant. Qui va gagner, Romano ou Cédric? Cédric ou Romano? Ouais. Les résultats arrivent. Minou de Belfort, t'es toujours là, oui. Minou? Ouais, Minou. Oui. Très bien. Angélique, t'es toujours là aussi? Angélique du 53. Après, oui. Après la tempête. Toi, ta tempête, c'est quoi? Putain, ça a tout pété, c'est génial. Ils sont tous morts, génial. Ah oui, il paraît que c'était un truc de ouf, votre tornade là, machin. Ouais, j'ai vu des photos là. Ouais, sur les informations, c'est passé, ouais, il y a eu pas mal de dégâts. Hein. Bah dis donc. Hey, l'embarras, elle a plus de toit. Ouais, c'est sûr, il y a un agriculteur qui est pas très content, oui. Ah bah j'imagine, ouais, t'imagines, t'as ça qui t'arrive chez toi. Tu peux tout perdre. Non mais tiens, on nous disait aussi dans le sud-est, du côté de Montpellier, il y a eu des inondations ce week-end. Le maire qui nous envoie un message sur l'appli Skyrock. Salut le maire. Bon, alors, toi tu voulais... alors c'est qui? C'est Minou qui voulait nous parler d'un truc qui s'est passé sur une aire d'autoroute, toi? Oui, c'est ça. C'est quoi? Comme Marie, mes parents, ils m'ont laissé sur une aire d'autoroute. Ah putain, c'était... Ah, ça fait plaisir, ça. Ouais, mais toi, t'étais toute seule? Ouais, mais sauf que c'était passé exprès, c'était en Italie, en fait. Alors que Marie, on le rappelle, Marie, c'était fait exprès. Ah ouais, c'était fait exprès, on l'avait... Non, moi, c'était pas fait exprès. Ah putain. Mais voilà, ouais, j'avais 14 ans et ma mère mettait le plein, mon père est parti aux toilettes et je suis restée dans la voiture. J'ai dit à ma mère, j'y vais aussi. Mmh. Et en fait, elle m'a dit oui, mais sans faire attention. Et ils sont remontés dans la voiture, ils sont partis. C'est cool, ça? Enfin, c'est cool. Ah, putain, c'est l'horreur. Et ils sont rendus compte au bout de combien de temps? Parce qu'en fait, au bout d'à peu près 20 km, ce qu'ils avaient à York, un petit Quand même, 20 km? Ouais, et en fait, ils ont pilé sur l'autoroute. Oh, de Dieu, on a oublié un gosse. Ils ont pilé, c'est ça? Non, mais c'est ça. La gamine! Et du coup, donc 20 km, 20 km de l'autre sens. Ouais, et puis il faut que tu aies une station-service qui fasse le. Tu sais, avec un pont et tout ça, parce que si t'es dans l'autre sens. Bah non, tu repars dans l'autre sens. Là, tu repars dans l'autre sens, tu sors et après tu reprends dans l'autre sens. Ouais, c'était une sortie. Ouais. De l'autre sens, ouais. Ah oui, tu en général, sur une autoroute, Marie, au bout d'un moment, tu trouves une sortie. Ouais. Forcément, ouais. Oui, oui. Non, mais surtout, oui, tu ne fais pas demi-tour directement, ouais. Ouais. C'est dangereux. Marie, voilà, trouve un contresens. Non, mais je conduis pas, donc il n'y a pas de problème. Vaut mieux pas, non. Il y a Yaz. Voilà, j'étais en Italie et je ne parle pas italien, donc c'était un peu la galère. Ah oui, j'imagine. J'avais le portable dans la voiture. Il y a Yaz qui allait pisser, il prenait un Flixbus. C'est ça, Flixbus. Ah, c'est ouais, ça, Flixbus. Et le bus s'est barré. Et alors là, t'es comme un con, là. Laisse-nous ton. Bah, t'es comme un con, t'as ta valise, t'as tout. Ouais. Laisse-nous ton. Ah ouais, t'as ta valise dans le Flixbus. Bah ouais, t'es bien dans la merde. Bah sauf si t'as pas de valise. Ah, dans ce cas, c'est possible c'est, aussi. C'est mieux comme ça. Tu peux juste avoir un sac à dos. Voilà, c'est ça. Mais bon, ouais, si tu l'as laissé dans le bus, t'es comme un con. Ouais, quand même, c'est ça. Quoi qu'il Mais nous, comment s'est passé, Liaz? Ah, bah là, c'est une galère parce que je pense que le bus, il fait pas demi-tour, lui. Et. Tu sais, parce que le mec, il a des horaires à respecter, donc je pense que t'es bon pour appeler un taxi, quoi. Mais j'avais vu l'histoire d'un Italien comme ça qui avait été oublié sur une aire d'autoroute dans le sud, et effectivement, il avait
pas ses papiers, il avait rien, il errait dans l'air d'auto. T'avais pas vu ce truc-là, Romano, non, qui, enfin, on regarde des reportages un peu. Non, mais déjà, bon, si le mec, tu vois, il est italien en Italie, ça va, le mec, déjà. Mais il était dans le sud de la France. Ouais, t'as la barrière de la langue, ça peut vite être une galère, quoi. Et en fait, c'est quelqu'un de la station service qui s'est dit, mais que fout cette personne ici? Et en fait, il parlait même pas français, et ils ont réussi, en fait, à le renvoyer par train. Allez, dégage. Non, mais un bordel. Et toi, Angélique, il t'est arrivé quoi? Moi, ma maman, elle m'a oublié sur le marché. Oh, mais non. Moi, je m'étais perdu dans une fête, une fête foraine. Une fête de village? Ouais, non, c'était sur la Côte d'Azur, on était en vacances et je m'étais perdu et ça m'avait traumatisé. Mais tous les étés, il y a des gamins qui se perdent sur les plages. Les plages, ouais. T'sais, les parents, ils sont en panique. Bon, en même temps, il y a de quoi être en panique. Puis en plus, tu sais, il y a toujours les histoires, tellement de tordus sur cette terre. Mais moi, j'avais récupéré une petite comme ça, une fois, elle était en pleurs. Je l'avais vendue. Non, mais j'avais pas vendu, mais j'étais allé voir les secouristes. Mais en pièces détachées. Oh, c'est bien. Non, mais tu sais, plus. Non, mais pour les enfants comme ça, il faudrait mettre des petits bracelets avec le numéro des parents, tu vois. Comme ça au moins. Comme pour les chiens. Non mais ouais, mais tu sais, des petits bracelets en sinon plastique. Laisse. Non. Non mais ça existe. Ben hein. Ouais, non mais il faut mettre ça, tu non, vois. Non mais sinon tu mets le en laisse. En laisse, mais tu vas pas même mettre un mot en laisse. Il y a des gosses qui sont en laisse. Je sais, j'ai déjà vu. Putain, c'est horrible. C'est un truc de ouf. Bah, c'est horrible. Au moins tu le perds pas. Hein. Ah non, mais c'est un gosse, c'est incapable de se repérer. C'est capable d'avoir un gosse. Non, mais tu lui mets un AirTag ou un. Ouais. Oui, voilà, ça, ouais, à la limite. Ouais, comme ça tu le suis. Non, mais sinon tu mets une grande corde. Une corde. Autour du cou. Oui, voilà. Non, mais l'AirTag, c'est bien. Merci Puccino. Puccino, il propose l'AirTag aussi. Sinon, mon père m'a abandonné en haut d'une montagne à Orcières. C'est Clovis qui nous laisse un message. C'était volontaire. Ou pas 18 ans. C'est volontaire, c'est. C'est sympa. Mec, c'est un criminel. Oui. C'est ton prénom. C'est comme tu dis le truc, ouais, c'est chelou. Mon père m'a abandonné, j'avais 6 mois. En une montagne à Orcières. Gaël du 73, moi quand j'étais tout bébé, ma mère m'a oublié à la boucherie. Ah, oh, mais ça va encore. Ça va encore, ouais. Ah, bah. Ouais. T'as les clients, t'as le boucher et tout. Bon, ça va, il y a du monde. Quoi. Ouais. Heureusement que c'est pas arrivé à un membre de l'équipe. Ah, bah, il finissait dans la vitrine. Oui. Finissait dépecé dans la vitrine. Voilà, salut. Avec du persil dans les doigts. Ouais, c'est ça, avec la boule dans la bouche et il y avait droit, là. Voilà, c'est bien ça. Non, mais encore une boucherie, ça va, parce que en général, c'est pas super grand, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que si c'est genre comme toi, dit full, genre fête foraine ou sur la plage, genre l'été ou quand c'est blindé. Ah, ça peut être une galère, là. Non, mais je suis tout petit, je vais avoir 5 ans. Ah ouais, les parents ils sont en panique, il y a du monde. Combien de temps ils t'ont perdu, ouais. Les foules? Je sais plus, mais c'était long, hein. Non, mais puis pour tes parents ça devait être une éternité. Je me souviens, il y avait des parents, moi, un été, ils avaient perdu un gosse, leur gosse pareil, tu sais, la mère elle était en sang, elle bah murmait, ouais, tu te dis c'est peut-être noyé ou machin. Bah c'est ça, les gens ils pensent à ça, ou alors ouais, genre il y a quelqu'un qui s'est barré avec, tu vois. Tordu. Ouais. Ouais, tordu, ouais. Regarde le petit là dans le village là, le petit Émile. Le petit Émile, ouais, 2 ans et demi, ouais, il se passe. Non mais ça c'est dingue. Il y a quoi? Il y a 10 baraques, môme il a disparu, quoi. Ouais, chelou cette histoire. Et toi, donc, ils t'ont perdu sur le marché, comment ça s'est passé? Bah, c'est passé que j'étais à côté de ma maman, elle faisait ses petites courses, elle achetait ses petits légumes parce que c'était un stand de fruits et légumes. Mmh. Et moi, j'étais là, tranquille, en train de manger du raisin et je me suis retournée. Elle était plus là. Elle était plus là et je me suis mis au milieu et puis j'ai commencé à crier maman, maman. Et une dame est venue et puis on a commencé à faire après ma mère. Et elle était en train de continuer à faire ses courses dans un stand de vêtements. C'était pas Ah ouais, elle croyait que tu suivais. Ouais, voilà, je pense, ça doit être un truc comme ça. Et elle continuait à faire tranquillement ses petites courses. Et moi, j'étais restée sur mon stand de fruits et légumes. T'attendais, donc tu bouffais tes raisins, t'étais tranquille. Ouais, c'est ça. Elle pleurait. Non, mais quelque part, t'as eu le bon réflexe de rester à l'endroit parce que le pire, c'est que quand tu commences à bouger dans tous les sens, c'est plus compliqué, tu vois. Au moins, elle revient sur ses pas, ouais. Tiens, à un ancien magasin, Continent. C'était un. Vous connaissez pas Continent? Ah, si, Continent, si. Il y en avait un à Marseille. C'était une vieille grande surface. Ouais, c'est ça. Ça a été racheté par Auchan, je sais pas qui. Ou Carrefour. Nous, c'est Carrefour maintenant. Ouais, c'est Carrefour, voilà. Et Continent, ancien magasin, je m'étais perdu. Mon père m'a retrouvé à la caisse. Il m'a mis une grosse baffe. C'est sympa pour. Ah, putain, bienvenue. Putain, même te perdre, t'es pas foutu de te perdre correctement. Ouais. Moi, à chaque fois que j'ai perdu mes mecs en faisant les courses, on se retrouvait au rayon 20. Ah bah voilà, c'est vraiment le repère. Je te jure. Rien de quoi. Et qu'on se retrouve là au moins. Kaya a une idée, depuis que mon fils a 12 mois, je lui mets un papier dans la poche, je m'appelle Mick, j'ai 5 ans et je suis perdu, appeler ma maman au 06, etc. Non mais c'est très bien ça. C'est pas con, ouais. Mais Samy, c'est pas toi qui avais un t-shirt justement où il y avait un. Ah ouais, non, pour les mecs bourrés. Tu te souviens du t-shirt là? Ouais, en fait, c'est un t-shirt et dessus, tu le mettais à ton pote quand il est parti en soirée, qu'il allait être bourré. Ouais. Et sur le t-shirt, il y avait son numéro de téléphone écrit avec son adresse, le mail, le machin. Ah, t'avais genre nom et tout ça. Il y en a plein qui font ça. Si je suis bourré, merci de contacter.
le. Ouais, c'est ça. Non, mais la plaque, ils font ça maintenant pour les gros festivals, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. J'allais, ouais, j'ai vu plein, moi. Ouais, c'est merci de contacter et tout. Sur le t-shirt. J'adorais ce t-shirt. Bon, et au Canada, regarde, au Canada, quand les petits vont en sortie scolaire, le groupe est genre attaché en laisse pour ne pas en. Ah ouais, ouais, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu truc. Même en France, j'ai déjà vu. C'est comme une meute de chiens. Moi, j'ai déjà vu à Paris. Mais non, mais ils ont une espèce de corde. Ouais, tu sais, qu'ils tiennent tous, mais ils sont pas accrochés à la corde. Ah, moi, non, moi, ils avaient un genre de harnais, tu sais, ils ont les trucs. Ah, non, moi, c'était un genre. Et les harnais, c'était accroché. C'est comme une corde de sécurité, ils tenaient tous la corde. Ah, okay. Histoire que les gamins, je pense, peut-être qu'ils font chier, donc bon. Ils s'éloignent pas. Il y a moi, plus Guigui, qui nous dit c'est pas mieux que les gens qui oublient les gosses dans la voiture. Ah, ben ça, bah, ils peuvent mourir, quoi. Non, mais c'est. Ouais, en plus, tous les étés, il y en a qui meurent. Bah, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, il y a les chiens aussi. Il y a des chiens, des fois, qui meurent en plein soleil. Ouais. Mais In, j'ai mis une médaille avec mon numéro de téléphone. Oui, ben c'est. Ouais, bah ouais. Non, mais t'as raison, c'est pas un truc de dingue non plus. C'est tout, ouais. Tout le monde le fait. Ah ouais, tu peux le faire avec un gosse. Ouais, petit ouais, médaille. Ouais. Tu mets une médaille, t'écris mes délits. Avec un collier de chien. Ah ouais, mais une muselière aussi. Muselière aussi, le gosse, pourquoi plus faire. Moi, on en revient avec ma laisse, tu vois. Voilà, et puis la laisse. Collier, autant mettre une laisse, hein. Voilà. Les t-shirts en soirée, l'idée, elle est pas mal, j'avoue. Message de LLBZH, 28 ans, elle a. Bonjour LLBZH, j'en fais plein de gros bisous. Bon, ben merci Angélique du témoignage en tout cas. De rien. Et puis bah, tu reviens quand tu veux, dès qu'il y a une prochaine tempête, même avant hein, si tu veux. Hein. D'accord, ok. La tempête, elle a date, ça te fait kiffer, mais un truc de ouf. Et merci à Minou aussi, merci Minou hein, pour le coup de fil. Merci. On vous embrasse tes filles, t'es à Belfort, on t'envoie ton t-shirt Skyrock, Minou. Et, merci, c'est et en Mayenne. Oui. T'es où en Mayenne toi, Angélique? Laval? Non, le jeune. D'accord, très bien. Un tout petit trou. Non, que, ah bah moi j'en ai un gros. Comme quoi, ah c'est charmant. Il faut tout pour faire un monde. C'est ça, de tout pour faire un monde. Marie-Luc, oui, je sais. Ah ouais, ça, tout le monde est au courant, manifestement. La rumeur se répand, Marie, attention. Elle dit que j'ai Mickaël. On t'embrasse, bisous à toi. Bisous. Salut. D'ailleurs, tu vois, Chimotaire 79. Oui. C'est vrai que c'est pas con ce que tu dis. En fait, sur la médaille, il faut juste mettre le numéro et pas le nom du chien. Parce que si le mec, il va te le voler, s'il appelle le chien par son nom, le chien, il va avoir tendance à aller vers lui, tu vois. Ouais. Et à se laisser faire. Ouais, en plus, elle est gentille, Medellin. Ouais, moi, j'essaierais pas de la voler, perso. Non, mais croquer le genre. C'est pas. Tu vois, j'irais pas. Je crois que tu as raison. C'est non, pas le genre de chien. Oui. Non, mais je pense que Medellin, elle va avec tout le monde. Oh, non, 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 ah ouais, elle va avec tout le monde. Non, non. Il y a un mec qui avait voulu me la. Et elle avait pas aimé. Ah ouais? Elle est quoi? Elle a essayé de la voler? Il a fait un truc bizarre. Ouais, mec, il a fait un truc bizarre. Ah ouais? J'étais au bar, le mec il arrive, il fait. Ah, il est joli, machin. Oui, joli, ouais, fais attention, on sait jamais. Le mec il prend son collier, l'endroit où il est attaché avec sa laisse, et commence à détacher la laisse, ce con. Normal. Je dis, mais tu fais quoi toi là? Et t'as répondu quoi? C'est un ouf lui. Bah, il a répondu. Je dis. Bah, l'autre fois, le truc. Tu fais plus jamais ça, attention. Hein. L'autre fois, là, le truc que je vous avais raconté. Là, Méline, elle était pas. Quand elle a vu que je m'énervais, elle était un peu énervée. Les mecs, là, que. Je vois son visage, à ses yeux. Les mecs, là, je vous racontais, là, le chien, là, qui s'est fait voler chez moi, j'ai eu plus d'infos. En fait, la nana, elle est à la terrasse du bar. Et en fait, les mecs, ils ont commencé à tourner avec le vélo pour exciter le chien. Mmh. Et il y en a un pareil qui a détaché le collier. La meuf, elle a pas fait gaffe, tu vois. Et le chien, il s'est barré. Bon, il a été retrouvé, mais il était blessé. Parce que il s'est fait tamponner, non? Ouais, parce que en fait, les mecs, ils voulaient le voler. Mais les chiens, ils sentent en plus quand les gens, ils ont des mauvaises intentions. Ils sont mal intentionnés. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein. Dès qu'ils ont des mauvaises intentions. Ouais, ils sentent le truc. Et si vous avez un chien, ne dites jamais que c'est un bébé, parce que les bébés, c'est des trucs, les chiens qui sont les plus volés. Ouais. Moi, à chaque fois, je dis qu'elle est vieille, moi. Elle est vieille. Oh là, elle est vieille. Non, mais je dis. Déjà, moi, je l'ai jamais personne la caresser, tu vois. T'as raison. Ah ouais, pourquoi? Ces gens, ils sont sales. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, tu sais. Non, mais tu sais pas, tu sais. Moi, vers chez moi, il y a eu plein d'histoires vers la Tour Eiffel. Hein. Là-bas, il y a eu plein de chiens de voler. En fait, les mecs, par exemple, il va se baisser. Toi, tu vas pas faire gaffe. Il y en a un, il va arriver derrière, il va te mettre un coup de pompe, tu vas tomber. Tu vas lâcher la laisse. Les mecs, ils vont se barrer avec le chien. Ouais. S'ils se mettent à cavaler, qu'est-ce que tu veux faire? T'es comme un con. Hein. Le chien, tu l'as perdu pour le retrouver. Amuse-toi, quoi. Tu sais pas ce qu'ils vont lui faire. Ils vont l'emmener, je sais pas où. Ils vont le revendre. Moi, sitôt qu'il y a quelqu'un, je dis non, je dis elle est pas gentille. Elle est méchante, elle est mort. Non, mais c'est comme ça, les gens direct, ils arrêtent, ils disent ah ok, bon ben désolé. Ah, parce que moi, nous, là encore cet été, ça allait, mais où on était en vacances, mais tous les gens en Italie là, mais tous les deux mètres, les gens nous arrêtaient, ils étaient là, ah, piccola, piccola. Ça veut dire petite, oh la petite.
Ah oui. Ah lui, ah bah oui, après il y en a qui j'adore picoler. Oui, donc c'est ça. Moi j'ai un pote, il a une technique, elle est pas mal. Lui en fait, quand les gens veulent caresser son chien, ce qu'il dit, il dit que le chien n'est pas vacciné contre la rage. Il a dit ouais, faites gaffe, c'est vrai que ça calme. La rage. Ça calme. Ouais, mon chien, il a le Covid. Non, mais d'empêche, il a raison. Hein. Je te jure que ça marche à chaque fois. Ah ouais, mais non, mais je dis, il faut pas. Il y a des mecs qui ont trop la technique, ceux qui les volent. Ouais, moi j'ai un pit, tout le monde en a peur. Personne ne me le volera. C'est Brun là qui nous laisse message. Brun d'acier. Ah, genre, les pits, ouais, ça fait. Salut, Brun d'acier. Ça impressionne, quoi, tu vois. Les staff, hein, t'es méchante, Médéline. Montre que t'es méchante, vas-y, fais la méchante. Bien voir. Mais fais wouhouhou là, ça fait va aller cool. Wouhouhou. Ouais. Tu vois, ah, hein, même à la limite, du coup, tu devrais faire ça. Tu sais, quand un mec qui s'approche du chien, elle est gentille. Tu lui fais wouhouhou, il va aboyer. Elle me répond. Ah, là, tu fais. En plus, c'est quand elle fait wouhou, tu sais, elle saute, tu vois. Tiens, le mec qui va voir ça, il va se barrer direct. Ah, mais fais wouhouhou, mets-toi à quatre pattes, comme ça, le mec qui va se dire, oh, elle met ça à marche. Ouais, ça marche. C'est bien, Médéline. Allez. Wouhou, le chien. Bon, allez, on va passer à la suite. Tiens, il y avait. Elle est où d'ailleurs? Attendez, ne bougez pas, que je retrouve son message, parce qu'on a plein de messages qui défilent depuis tout à l'heure, ce qui fait plaisir d'ailleurs, à continuer. Avec l'appli, le 41759 et le skyrock.fm. Elle est où? Sylvie Dra qui nous envoie un message pour le docteur Zgeg. Oui, bonsoir. Ah, c'est toi. Bon, là, je prends mon nom normal, docteur Romano. Hein. Sylvie Dra qui s'inquiète. Alors, t'as 17 ans et tu t'inquiètes parce que tu mouilles beaucoup quand tu es avec ton copain. Ça me gêne. Ah, bah, Marie aussi, tu peux répondre. Ah, c'est ça. Que t'es excité. Si t'es, non, moi, je muque. Non, mais oui, non, mais a priori, c'est du c'est sérieux ton message. Donc, laisse ton numéro pour qu'on puisse en parler. Et est-ce que le docteur Zgeg a un avis médical à nous donner? Bah, c'est que tu dois être excité à ce moment-là. Et puis, bon, il y a des filles qui mouillent. C'est vrai que toutes les filles ne mouillent pas pareil. Il y a des filles qui mouillent plus que d'autres. Ouais. Il y a des filles qui mouillent pas du tout même des fois. Ouais. Elles sont sèches. Ça c'est quand elles font l'amour avec certaines personnes qui ne les excitent pas vraiment, que je ne citerai pas bien sûr. Ah là, dis pas mon plan. Non, je dis pas de blase. Et il y en a d'autres, putain, mais c'est des tornades gros. Marie, tu mouilles tout le temps? Bah ouais, quand je suis excitée, mais plus ou moins. Ça dépend. Ah, ouais. Mais est-ce que ça dépend, mais moi ça va, j'ai pas de problème de mouille. Est-ce que parfois t'as pas mouillé? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Et ça fait mal, ça rappe, premier sur le rap. Bah un peu, ouais, mais moi comme tu sais, je suis une fan à gel. Ah, t'as ton gel. J'ai pas de soucis avec ça. Ouais. C'est vexant que ça mouille pas trop, hein. Bah, je sais pas, je sais pas. Pour toi, pour les mecs, oui. Mais genre, tu prends ton tube de gel et tu fais. Sur ta chatte. On joue de toute façon avec le gel. Tu sais, genre comme de la mayo, tu sais. Attends, mais on joue avec le gel. Non, mais tu fais comment? Tu joues avec le gel. Non, tu joues avec le gel sur lui et sur moi. Ah, je sais pas, moi, putain, j'aime pas trop, moi. Non. J'étais chelou, mais j'aime pas trop la matière, le gel, moi non plus, j'aime pas. Ouais, je sais pas comment on dit, mais. Ouais, pourtant, c'est bien. C'est du gel, Romano, c'est du gel. La consistance, on va dire. Pourtant, c'est bien. Ouais, toi, Marie, c'était une fan de gel. Ouais, elle était vite de. Mais j'ai essayé, j'en ai sur moi. Mais c'est arrivé à tout le monde. Ça, les filles, dites-nous si ça va, ils arrivent de pas mouiller. Ou alors, si vous mouillez beaucoup pour aider Sylvie Dra, là, qui nous a envoyé son message. Allez hop, attends, tu veux essayer? Un peu sur le truc. Allez. Ah, je suis bien badigeonné, je suis tout gelé. Non, mais c'est très utile, mais même quand tu touches et tout. Mais moi, t'as toujours un pot de gel sur toi. Non, mais là, j'ai sur moi parce que je vais voir mon cam après. Tu l'as? Ouais, tu veux voir? Ouais. Bah, moi. Bah, si, bah, bon, salut, comment? Alors, je me mets sur la table, j'écarte les jambes et je me badigeonne. Allez, vas-y, un petit tuto, Marie, s'il te plaît. T'imagines, la meuf, elle se balade avec un tube de gel dans la rue. Je vais chez mon mec. Ah, non, excusez-moi, je me suis trompé, c'est la maillot. Attends, Sylvie Dra, j'ai des nouvelles. Ça veut dire, il te fait pas mouiller, ton mec, Marie? Si. Ah, non, mais c'est pour le. Mais c'est pour jouer. Non, mais Marie, tu t'es déjà trompé, genre, tellement t'étais bourré, tu t'es mis de la maillot, du ketchup. Non, et de la bernaise et de la harissa, ça brûle un peu. Mais je déjà que j'ai fait la sauce algérienne aussi, c'est pas mal. Oh putain de merde. Non, ou genre pendant t'as pris, genre tu veux faire un sandwich, tu trompes, tu prends le gel pour ton fils. Tu lui enlèves la maillot, tu mets du gel. J'ai acheté du gel. Je peux pas manger l'eau frais, bande de nœuds. Je t'ai mis du gel fléau. Mais non, mais j'ai déjà expliqué. De toute façon, je joue avec le gel sur le sexe de mon mec. Donc c'est quoi, tu le branles avec le gel? Joue plutôt avec la langue, Marie. Tu le manges après le gel? Non, mais je joue aussi avec la langue. Ah oui, il a un goût le gel. Non mais attends. Ah attends, bah montre-nous, Marie. Tu vas goûter, tiens. Ah si, ouais, je vais goûter. Je prends une petite liche. Viens, on t'en met une chiquette. Bon, et Sylvie Dra, on pourra pas la voir, elle est à côté de sa sœur. Je vais te donc on a une peu d'en parler en direct. Mais bon, est-ce que ça dérange les mecs quand ça mouille beaucoup? Bah non, moi ça va, moi. Moi j'aime pas que ça mouille trop non plus. C'est-à-dire que moi je suis un peu relou, donc si ça mouille pas, je suis vexé. Et si ça mouille trop. Ça faut pas trop quoi. Mais qu'il y en a avec Marie après, parce que vous êtes relous tous les deux. Non, mais attends, je trouve pas. Putain, au milieu de mes godes, c'est un bordel. Marie, elle a un panier à godes. Mais t'as quoi dans ton sac, Marie? Bah, j'ai mes affaires. T'as une culotte sale?
Ah oh, non. Non, je la porte là. Je l'ai sur moi. Lili, prends-la. Bah, je suis le seul à être un peu gêné quand ça mouille beaucoup, beaucoup. Ah, ça me dérange pas du tout, moi. Moi, ça va. Ah, moi, si ça mouille trop, je suis pas fan. Ça me gave un peu. Moi, je m'en bats les reins. Moi, ça me gave, on va s'en parler. Si elle a vraiment trop, moi ça, je pense que ça peut m'écœurer. Écoute, Sylvie Dra, il vaut mieux que ça mouille trop que ça mouille pas assez. Ah, moi je préfère déjà, limite, ça mouille trop que ça mouille pas assez. Vous avez déjà fait l'amour à sec quand c'était sec? Non, par contre, une meuf comme Marie, une fois qu'elle a sorti du lubrifiant, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Mais parce que t'as des meufs comme disait Carré, mais. Ah, excuse-moi, Samy, tu elle me fais pas mouiller. En fait. Ouais, voilà. Je vais sortir mon lubrifiant. Non, c'est que la meuf, je sais pas quoi, elle prenait un traitement, un truc, elle avait des problèmes. Ah, de... ça a séché. C'est, ouais, c'est ça, sécheresse. Avec le shit, il paraît que ça le fait aussi. Je sais pas, c'était un truc à la con. Hein, mais... Quand tu fumes, ça sèche la chatte. Ok. Ouais, bon. Ah, franchement, non, moi, j'ai ken des fumeuses de ouin. Ah, pareil, ouais. C'est tout mouillé. Ouais, c'était bien mouillé, gros. Ouais, c'est bien. Avec Cariole, on a fumé pendant des années. Elle mouillait. En même temps, avec. Moi, elle ne pouvait faire que ça. Exactement. Bah, évidemment. Ouais, attends, vous comprenez bien. Tiens, je vais donner. Bon, Marie, maintenant j'ai fini le tube en fait. Ah putain, elle a pas son gel. Je l'ai pas. Non, bah ça c'est du dentifrice, Marie. Tu vas lui brûler la bite. Et Romano, tu cherchais un mot, c'était le mot texture qui est envoyé. Voilà, par, exactement. Par, oui, oui. Par 20 000 mes auditeurs de Skyrock. Merci, ouais, merci à vous tous. Comprends. Merci à Nordine, merci à Jérémy, merci à. À Yanis aussi, à tous les autres. Bon, on va tester avec le dentifrice. À Zakalou. Ouais, bon, ben, je lui ai lavé la bite à la brosse. Tu nous ramènes ton gel. Hein? Ah, bah, Marie, oui. Elle a sa vie entière dans son panier. Ben non, j'ai comme ça. Attends, il y a un god et il y a une tranche de jambon à côté, Dino. Ouais, une tranche de jambon. Il y a mon saucisson. Il y a deux clopes aussi. Et mon camembert. Bon. J'ai un cure-dent aussi. Vous pouvez rager là-dessus, hein. Pour l'histoire de la mouille. Ben, j'ai pas. Tu fais bien mouiller la femme, Guigui? Oula, ouais, vite, ça allait, ouais. Elle a jamais été sèche? Non, jamais. C'est à part au tout début. Les 4-5 premières fois, c'était, je sentais que c'était un peu sec. Ah, c'est tout stressé. Mais bon, c'était le début. Elle a séché. Tu lui crachais pas dans la moule? Non, je crachais pas dans la moule. Franchement, déjà, moi, c'était ma première fois, donc je me voyais pas arriver, tu sais. Lâcher un mollard. T'as jamais craché? Moi, j'ai déjà craché dans une chenille. Non, mais je me sentais pas. Ouais, bah, c'est, ouais, j'avais la pression, c'est le début. Je comprends, moi. Ah, j'avais la pression. Ouais, la première fois, tu fais pas forcément un cunni. Un peu plus, je sais pas si elle aurait bien accepté et tout, donc je me suis dit, oulala, attends, je vais essayer de faire soft. Oulala, drague. Qui a gagné ce soir? Alors, Romano a serré dès le premier tour. Cédric a eu une invitation. Après, Romano a eu une invitation deuxième, je crois. Non, j'ai une dame. C'est quoi ça? C'est une dame un peu pourrie, quoi. Une dame pourrie, excuse-moi, une dame pourrie. Cédric a serré au deuxième tour, je crois. Ouais, c'est ça, invitation premier, serrage au deuxième tour. Et après, le tour de la mort. Et après, tour de mort, c'était la mort pour les deux. Ouais, on a arrêté là, parce que on a arrêté le carnage. Qui a gagné le clash de ce soir? Ouais, non. C'est très, très, très serré. Franchement, je filme rien du tout ce soir. Attention, spamming m'écrit. Non. Ah, ouais. Tu l'ouvres, cette putain d'enquête, avant que je pète un plomb? Bah, Wade a fait l'enquête. Il est bien, Wade. Vous pouvez l'écouter sur Skyrock tous les week-ends. La merde, il n'y avait pas de spamming. Bah si, attention, spamming. Ah ouais, n'importe quoi. Spam, c'est Wade qui est spamming. Mais qu'est-ce qu'il y connaît, lui, en spamming, lui? Il est le compteur du clash, c'est Il est pas complètement con, il sait lire. Bah, tu sais, quand il y a 50 messages qui viennent du même mec ou de la même meuf, spamming. Wade, spamming, t'as vu? Putain, t'es vachement barbu. Mais ça a poussé de ouf. C'est quoi ça? En 2 jours. En 10 minutes. Tout à l'heure, on l'a vu tout à l'heure en 21h. Il a un berbe, mais là, il a une barbe de ouf. Ah ouais. Ouais, non, mais t'avais pas vu Romano, t'inquiète. Ah ouais, non, mais ouais, putain, mais. Non, mais ça te va bien, t'es beau. Merci, c'est gentil, il va te pécho. Suceur, t'es le comptable. Gros suceur. Là, profites-en. Ouais, de petites salopes. Elle doit être du spamming. Il y a du spamming de Light. Ouais, mais c'est lui, c'est fréquent en plus. On l'a vu à l'antenne. De toute façon, c'est une saloperie, lui. Bah voilà. Saloperie de la team de Cédric. Il est là depuis des années, lui. Hein. Ah, une petite pourriture. Tu dois le remercier d'être là depuis des années. Merci, moi, je le soutiens. C'est infidèle. Une saloperie. Bah, remercie-le. Oh, non, bah certainement pas. L'autre fois, on l'a eu à l'antenne. D'ailleurs, je lui avais dit que c'était une saloperie. Alors, les résultats du clash de la drague de ce soir. Bah, c'est une victoire pour Romano, 55%. J'ai pas vu ça, mais t'as pas vu ça. Si tu enlèves le spamming, forcément. Bah, n'importe quoi, il est pas de spamming. Non, mais faut faire attention, il y a une machine, il y a des trucs qui rôdent. 55, 45 pour Romano. Et de 5 à la suite. Et bam, et boum, et bim, bam, boum. Et demain, clash spécial sponsorisé. C'est-à-dire que nous avons un sponsor. C'est qui? Ben, un sponsor de classe en plus, un sponsor pour le clash. Pour le clash, j'entends, ouais. Pour le clash de la drague.
Putain, j'ai envie de pisser. Le clash a un tellement grand succès international qu'ils sont venus nous voir et ils ont dit on achète. Ouais, bah vas-y. J'achète. Donc, pas de galère. Un clash spécial demain soir, soyez là. T'auras une augmentation. Entre 21h et minuit. Je vous ai pas demandé. Ça, c'est pas sûr. Ça. je vous ai pas demandé, dis donc. Ça, faut gagner. C'est pas sûr. Alors, tiens, les conseils pour. Non, mais pourquoi on fait pas une prime pour celui qui gagne? Une prime de quoi? Bah, je sais pas, tu sais, par clash gagné, c'est. Dans un prize money, tu sais. Tant d'argent, tu vois. Non mais, oui, non, mais alors l'autre il va pleurer. Dès que je gagne, il va dire ouais, il y a de la triche. Non, mais là vous allez vous battre, ça va finir en bas. C'est insupportable. Non, mais là, mais ça dépend. Si je gagne, je m'en fous. Oui, si tu gagnes, oui. Mais bon. Non, mais là ben, franchement, là, tu vois, par exemple, je sais pas, tu pourrais donner 10 foules de ta poche. Bon, on va passer à la suite là, parce que ça commence à délirer. Elle est pas mal, celle-là. Non, mais genre, allez, admettons, tu donnes 50 balles par clash. Ouais, bien sûr. 150 balles par semaine. C'est bas, c'est ça bien. Fait. Ouais, ça va, ça fait. Ça 600 va. Balles par mois. Ça fait 600. Oh, bah, c'est bon. Ouais, c'est bon, bien sûr, c'est bon. 600 balles par mois. Attends, bon, je voulais saluer le monde entier qui vote pour le clash. On dit en Allemagne, on a voté Romano. Ah, et merci. On salue Dédé King aussi qui nous écoute en direct du Mali. Salut à toi, Dédé King. Salut, Mali. Salut. C'est Gisela qui nous écoutait en Allemagne. Salut Gisela, ou Gisela, peut-être qu'on dit en Allemagne. Gisela. Et là, on va prendre Yann, retour en France, avec Yann dans le 22. Salut à toi, Yann. Salut l'équipe. Salut. Salut Yann. Et il y a Abdel de Vitry aussi qui est là avec nous. Salut Abdel. Salut l'équipe. Salut Abdel. Ouais, Abdel. Bon, soyez bienvenus tous les deux. Est-ce que vous avez déjà eu, oui, vous n'êtes pas des filles, donc je ne vais pas vous demander si vous mouillez, mais est-ce que vous avez eu déjà des problèmes de pénétration à cause d'une fille qui mouillait pas assez et par rapport à Sylvie Dra, est-ce que ça, parce que la question qu'elle posait en gros, est-ce que ça vous dérange une meuf qui mouille beaucoup? Alors, Yann. Ah, moi, c'est gênant. Ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir une femme, mais à peine que tu mets les doigts, elle se mettait déjà mouillée, mais. Ah ouais, beaucoup trop. Ouais, tu vois, moi, je suis comme toi, ça me dérange un peu. Ouais. Après, bah, je comprends que je les excite à fond, mais quand c'est trop mouillé, je. Ouais, mais en plus, elle avait un nom de chien, quoi. Elle s'appelait Gypsy, quoi. Gypsy. Celle-là, oh, putain, c'est chelou. Comme Gypsy King. Ah, je vais m'en souvenir toute ma vie. Non, mais c'est vrai que Gypsy, c'est souvent un nom de chien, ouais. T'es Gypsy. Bah, c'est vrai qu'une nana, de chienne, plus précisément, là. Non mais puis des fois quand c'est trop mouillé, bon, alors moi, c'est peut-être parce que j'ai pas une très très grosse bite, mais des fois, t'as l'impression de nager dedans, quoi. Tu sens plus rien en fait, tellement c'est mouillé quoi. T'as l'impression de noyer ton sexe. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est quand on est excité qu'on mouille. Pourquoi vous dites ça, les gars? C'est ça, c'est plutôt bon signe. C'est Adia qui nous envoie ça. Non, mais moi, si tu veux dire trop, ça me dérange aussi. Ouais, tu sais, moi, mon sexe se noie. Et ça laisse des taches dans le lit. Il y a Remix qui nous dit ça, ça laisse des taches dans le lit en plus. Oui, c'est vrai que si tu fais chez tes parents, par exemple. Non, mais de temps en temps, à la limite, T'as ta copine qui passe l'après-midi, les parents sont pas là et que t'as une grosse tache dans le lit. Bon, c'est vrai que t'es mal. Non, mais ce que tu peux faire, c'est limite, de temps en temps, tu lui mets. Oh, tu lui dis, j'ai pissé dans le lit. Non, mais tu lui mets des coups de torchon à mouille. Coups de torchon. Ou une éponge à mouille. Non, mais tu lui dis, attends, ma chérie, je me retire. Je vais t'éponger un peu la moule. La moule, voilà. Ah, c'est charmant. Ouais. Et toi, Abdel, t'es dérangé quand une fille mouille beaucoup? Abdel, ah bah Abdel ça a coupé, dis donc. Ah, bon, on va rappeler Abdel, c'est qui s'occupe d'Abdel? Ah, Cédric, tiens. Ah, le bâtard. Étonnant. Alors que Yann, c'est Samy qui s'en est occupé. Eh ouais, il est encore là, tu vois. Eh bah oui, c'est dingue ça. Les enfants. Le réseau, je vois ça. Ça peut couper. Eh oui, ça peut couper. Ah bah on a bien remarqué. Alors, tu rappelles? Ouais, on rappelle. Eh bah faut l'appeler, rappeler. Ouais, ah non, mais attends, il a filé le taf à Guigui. Non, là, je m'en charge. Ah, c'est Guigui, ah, d'accord. Et Guigui, t'es le stagiaire de Cédric? Ah oui, je bosse pour lui. Non, on bosse en équipe. Oh là, c'est ma pute. Non, là, c'est pas ma pute. Cédric parle bien quand même là. Juste, on bosse en équipe. C'est ma salope. Tu peux au moins respecter ton stagiaire. Guigui, salope là. C'est du travail d'équipe, c'est tout. Bon, alors, heureusement que Cédric s'occupe pas des stagiaires, on aura des problèmes en justice. Voilà, viens sucer. Regarde-le sur Cédric. Le maître de stage. Abdel? Non, j'arrive pas à l'avoir. Bah oui, il a eu Cédric. Ah voilà. Tu vois, Cédric. Mais t'es sûr que Cédric t'a noté ton numéro? Je vais essayer de l'appeler. Vas-y. Voilà. Bah, bon, donc on n'aura pas Abdel, ça vous laisse une place, à la limite, si vous avez le temps de. Ah, n'hésitez pas, venez faire un petit tour. Profitez-en. Bon, tu nous appelais pourquoi, Yann, toi? Parce qu'on parlait de mouille, tout ça. Bon, qu'elle s'inquiète pas, hein, Sylvie Dra, Marie. Hein. Ah bah non, qu'elle s'inquiète. Mais non, il faut pas s'inquiéter, au contraire. Bon, tu vois, c'est bien, Sylvie Dra, au moins ça marche. C'est bien. Bah oui. Alors Yann, ouais, dis-nous pourquoi tu nous appelles toi. Ouais, bah c'est juste comme ça. Parle bien dans ton téléphone quand on entend bien Yann, parce qu'on t'entend. Ouais, tout à l'heure je me suis rappelé qu'on venait eu la personne là, quand elle a bu le vomi là. Ouais. Moi j'avais fait un sale coup à mon père. Ah, c'est Karim de Lyon qui a bu du vomi, hein, je crois. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. C'était en boîte en fait, il a squatté une table et il avait pas vu, il a bu un verre cul sec, sauf que c'était un verre de gerbe. C'est ça.
Et du coup, ce que j'ai fait, bah, en gros, je m'étais fait opérer de mon rein. Et comme c'était une grosse opération, c'était une opération saignante, je devais contrôler mes urines parce qu'il y avait du sang dans mes urines. Mmh. Du coup, j'avais plusieurs bouteilles. Et mon père, lui, c'était un grand fan de vin. Il était alcoolique. Oh, merde. À 9h le matin, il buvait du vin. Et du coup, avec mon collègue, là, on était défoncés. On s'est dit, bah, pourquoi pas, on mettrait un peu de ma pisse dans la bouteille de vin. Oh. À ton père, toi, tu fais des... Ah ouais, tu fais des blagues cheloues, tes parents. Ça donne envie de faire des gosses, tout ça. Ah ouais, c'est clair. Et du coup, le lendemain, il y a un collègue à lui qui se ramène. Du coup, il commence à boire la bouteille. Mais il est bon, le vin et tout. Ah bah, oui, ils ont rien capté. Il est bon, le vin. Ah mon Dieu. Ça a quel goût, la pisse? Bah, je sais pas, tu ne demandes à nous. De la pisse. Demande à Médéline. Elle boit pas de la pisse. Non, mais elle sent la pisse. Mais elle sent la pisse. Non, elle aura un chien, lui offrir. Tiens, ben, j'ai fait un pipi dans ta gamelle. Non, mais les chiens, ils sentent la pisse. Ouais, ma fille, c'est pas cher. Non, ça va pas, Marie. Non, mais ils sentent la pisse, les chiens, on est d'accord. Non, mais c'est en fait, ils la boivent pas. Mais non, ils sentent la chatte et le cul. Non, mais non, mais dans la rue, des fois, elle renifle et. Pour savoir qui c'est. Ah oui, c'est normal. Ouais, mais c'est en fait. C'est la carte d'identité. Ouais, ça, je sais. C'est pour savoir qui est passé par là, tu sais. Et tiens, j'ai appris un truc, puisqu'on parle des chiens, on en parlait tout à l'heure. Les chiens, avec l'odeur de la pisse des autres, ils arrivent à savoir si c'est un gros chien ou un petit chien qui a pissé. Ah ouais, bah, surtout sur un mur, ils voient la hauteur aussi. Ah oui, c'est pas con, dis donc. Ah ouais. Pour les mâles, parce que les femelles, elles pissent pas sur le mur. Non, ouais. Non, mais moi, putain, là, quand j'avais mon chien. Mais elle pisse partout, elle. Ouais, quand mais pas, tu sais, pas comme les mâles. Ouais, elle lève pas la patte. Ouais, voilà. Mais mon chien, Mehmet, moi, c'était un calvaire de le sortir. Parce qu'il était dominant et il fallait qu'il repisse sur tous les pipis. Ouais, c'est pareil. L'autre jour, j'ai compté, elle a pissé 20 fois. On a fait une grande promenade. L'autre jour, j'ai compté. C'est étonnant pour une femelle, ouais. Je suis allé à la gare, je suis revenu de la gare, je suis allé au parc. Et après, elle repisse dessus. Et elle repisse dessus. Elle doit être dominante. Mais à la fin, elle fait 3 gouttes ou elle pue. Même des gouttes. Deux petits frires, l'odeur. Ah ouais, parce que moi, Mehmet, c'était pareil, mais c'était un mâle, tu vois. Sitôt qu'il sentait un pipi, il fallait qu'il repisse dessus. Ah bah, tu verras la promenade avec elle, c'est un truc de ouf. Ah ouais, parce qu'en général, les femelles. Tu vois, par exemple, Queen Elizabeth, là, que je garde, la grande, bon, la petite, là, elle est encore en réglage de pipi. Bon, elle pisse un peu de manière aléatoire. Elle a surtout beaucoup d'émotions, donc ça, c'est un peu un calvaire. C'est qu'elle est tellement heureuse de nous retrouver. Elle pisse. Ah, bah, elle pisse. Elle lâche tout, ouais. Mais l'autre, on la sort, on peut la sortir 2 heures, elle va pisser qu'une fois. Hein. Ouais. Médeline, elle se pose, comme ça. Donc, ma Marie, non, on ne fera pas voir la pisse à Médeline, donc on lui demandera mais si pas. Mais non, mais non, mais non. Mais tous les chiens font ça. Mais non, mais non. Et donc, toi, t'as pissé dans la bouteille de ton père. Et lui, il a kiffé ça, lui. Oh mon Dieu. Mais... Ouais, et en plus, c'est de la pisse avec du sang, en plus. Ouais. Oh. Hein? Pourquoi t'as fait ça? Ah, il est content. Ouais, parce que mon père, c'était un salaud avec nous. Du coup, bah, j'ai fait le salaud avec lui. Ah, tu l'as vengé comme mais ça. Mais c'était quoi, par exemple, dans la bouteille, t'avais mis. C'était quoi la quantité de pisse et la quantité de vin? Genre moitié-moitié ou. Non, j'ai pas quand même mis la moitié de la pisse, mais j'ai dû mettre quoi. Un tiers? Allez. Ouais, c'est ça, cocktail. Un tiers pisse, 2 tiers alcool, 2 tiers vin. Il a rien senti, quoi. Ah ouais, c'est incroyable. Ça a quel goût, la pisse? C'est salé, non? Bah, j'ai envie de pisser, si tu veux, je peux te pisser. Non, mais vous êtes personne à jamais goûté. Non, mais je pense que c'est salé. Tu me prends pour des dingues. Bah, non, Manon, t'as goûté ton sperme. Ouais, mais c'est pas. Pisse, moi, tu vois, j'ai pas. Mais c'est pas en fonction de ce que tu bouffes aussi. Ah, bah, dis donc. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Parce que là, t'en bois, tu sais, quand je bois beaucoup de café. Non, moi, je sais, quand je bois beaucoup de café, quand je vais pisser, tu sais, il parle dans le café, tu vois. Ouais, ça change beaucoup. Non, mais Cédric, tu la goûtes pas, tu l'as décédé. Non, non, je la goûte pas, non. Et pour Marie, quand elle va pisser, tu sais, tu passes après, ça sent la bière. Non, c'est vrai, mais non. Je fais un fût sur la bière. Je suis d'accord. Non, mais moi, ça m'est arrivé, des gros week-ends chargés en alcool. Par exemple, beaucoup de vin ou compagnie, de la pisse, je pense que je pourrais même remplir des bouteilles, je pourrais remplir des bouteilles de vin, quoi. Non, mais c'est vrai, je pense. Je suis preneuse. Ça prend un peu l'odeur. Ouais. Si vous mangez des betteraves, vous avez pissé rouge, vous inquiétez pas. Ouais. Et les asperges, ça pue. Ouais, j'avais parlé des asperges. Samy, t'avais pissé dans la bouteille. Ouais, j'ai dans le jus d'orange, moi. Ouais. C'était de la pisse normale et les profs avaient bu, c'était ravi. Vous étiez mort de rire. Ah putain, regardez. Après, c'était les grosses briques de 2 litres là. Ouais. On avait pissé peut-être, on était deux à avoir pissé, je pense, donc ça fait pas énormément de pisse par rapport à 2 litres de jus, tu vois. À mon avis, ouais, je pense que ça doit bien faire un bon tiers, quoi, non? Un verre, peut-être un verre sur. À deux? Enfin, un gros pipi, hein. Tu pisses plus un verre, tu vois? Ah ouais. Je pense, hein. Peut-être 2 verres, ouais, un verre chacun. Ah, ça dépend. Je pense, en fait, on pique pas. Ça dépend si t'as vraiment envie de pisser. Parce que moi, je pissais dans les bouteilles, des fois, je remplissais les petites bouteilles. Pourquoi tu pisses dans des bouteilles? Un peu moins d'une bouteille. Il les met dans sa voiture, après, il les regarde au rouge. Non, c'est pour les vider dans les. Quand je veux me venger d'un mec, la vidéo dans le radiateur, tu sais, au niveau d'une. Donc, Cédric se balade avec des litres de pisse dans sa voiture. Au cas où il y a besoin de se venger. Voilà, oui. Non, mais j'avais regardé une bouteille. Tu l'as rempli ça? Non, une bouteille de 33, tu peux la remplir.
Contrairement, t'as pas pissé pour le moment. Mais sinon, les 50, ouais, jamais beaucoup. Tu l'as rempli, pareil. Ouais, ouais, je pense jamais, ouais. Je pensais qu'on pissait plus que ça, moi. Bon, mais tu vois, Yann, il y a Cédric qui remplit des bouteilles de pisse, et voilà. Et Samy qui avait pissé dans le, tu n'es pas le seul, en fait. Pour le repas de fin d'année, moi. Pour le repas de fin d'année au collège. Une petite idée pour vous qui êtes au collège. D'ailleurs, elle plaît beaucoup ta petite idée. Hein? Ça rajoute du goût. Oui, ouais, c'est particulier, c'est spécial, quoi. Ouais. Il y a 7K d'ailleurs qui nous dit c'est très bonne idée pour les profs. Ah, mort de rire. Ah, faut pas le faire, les gars. Il y en a d'autres qui veulent dire. C'est un réfléchir. Petit con, faut pas le faire. Voilà. Oui, non, mais oui, surtout si. Ben non, débile. Ouais. Non, mais après, t'imagines, le prof il vient, il te fait hey, Samy. Un petit verre de jus. Un petit verre. Allez, il reste un petit. Tu vas le finir. C'est pour toi. En fait, nous, c'était complètement débile. Pourquoi on avait fait ça? Parce qu'en fait, c'était un repas de fin d'année. Et au lieu qu'on soit tous, tu sais, nous, c'était l'injustice un peu. Tu sais, genre, au lieu qu'on soit tous à manger la même chose, il y avait d'un côté le buffet pour les profs. Genre, eux, c'était en place de ouf. Ah, c'était jaloux. Ouais, et nous, d'un côté, on avait le buffet pour les élèves. C'était tout éclaté. Tu sais, il y a des vieilles chips. Et... ouais, bon, c'est souvent comme ça. Voilà. Ouais. Donc, nous, on s'était faufilé. On avait pris une brique de jus d'orange de leur buffet à eux. On était à la toilette, pissé, on l'avait remis, on avait attendu. Non, mais moi, je pense que pour revenir à ça, si t'en mets pas beaucoup, je pense que tu le sens pas. Hein. Ah, ils avaient pas senti, tout le monde avait bu dedans. C'est Cédric, il y en a plein qui s'inquiètent. Regardez les messages qu'on reçoit pour Cédric. Pour toi aussi, Yann, d'ailleurs, hein, pour le pipi du papa, là. Et regarde, par exemple, je vais lire, tiens, le message de un parmi des millions. Il a 28 ans. Tu n'es pas très équilibré, Cédric. Un autre message, Jimis. Tout va bien, t'inquiète. Cédric, mais t'es tordu. Non, pourquoi? Bah, te balader avec tes bouteilles de pisse dans la voiture. Parce que je voulais me venger. Oui, mais bon. J'avais pas me pisser dans les mains. Putain, quand j'avais vu ça. J'avais pas me pisser dans les mains. Bah, ouais, c'est toi qui avais vu ça. Ouais, c'est moi qui avais vu ça. Bah, avec Carion, ouais. On partait du morning. Et ça t'avait choqué? Ah bah non, mais au départ je ne savais pas que c'était de la pisse. Parce qu'en fait Cédric il était devant nous. Et c'était un jour où il y avait un bloc de soleil. Et tu sais, on voit dans la voiture, on était juste derrière. Tu sais, il soulève une bouteille en plastique. Et tu sais, il admirait la bouteille. Mais genre magnifique, voilà. Je la bois tout de suite ou j'attends un peu? C'est de l'or. Non mais c'était ça. Et après je sais plus, ouais, je crois qu'on s'était appelé. Ouais, tu m'as appelé, ouais. Ouais, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous avec ta bouteille? Je lui dis, mais c'est quoi cette bouteille que t'as, que tu regardes? Et là, le mec tout fier, il me dit, voilà, oh, c'est pas toi, c'est une bouteille de pisse. Ouais, c'est ma pisse. Donc là, je me suis dit direct, bon, bah écoute, ça va nous faire l'émission ce soir. Je me suis dit, on va s'en payer une bonne tranche. Après, tu nous as raconté le direct. Ah non, mais j'étais halluciné. C'est ma pisse. Non, mais en plus, il était tout fier, tu sais. Oh là, tu sais pas, toi, c'est de la pisse. Quoi, ouais, mais je m'étais bien vengé d'ailleurs. Ah, et c'est là où il m'avait dit, voilà, mais c'est pas la seule bouteille, j'en ai. Non, mais tu m'avais dit que t'en avais mis dans ton garage, je sais pas où t'en avais mis. Deuxième, oui, parce que je voulais pas. Non, tu as dit que t'avais plus que ça. Je pense que t'avais un pack de 6. T'avais un pack de 6, gros. Ah là, j'ai un pack de 6. Non, pas un pack de 6, t'abuses aussi, toi. Non, mais tu m'abuses quand même. Romano, je t'explique un truc. Non, mais t'as avec ton gros cul, là. C'est quoi, Ceci? Je vais descendre dans le parking avec et tu vas leur faire. C'est parti, ton truc de pipi. Ceci, elle est pour toi. En parlant de pipi, je vous ai déjà raconté un matin, tu sais, je vais au laboratoire pour faire une prise de sang. Et là, il y avait la queue, tu sais, il y a un vieux qui arrive. Avec un sac dégueulasse. Et le mec, il arrive, tu sais, mais genre, il était vraiment. Ouais, vieux, mais au final, pas tant que ça, quoi. Et il arrive, genre, il passe devant tout le monde, il est sur le comptoir, il sort. Et voilà. Il vit. Tu sais, il enlève le sac et il sort, mais genre, une bouteille de 2 litres de pisse. Oh, bah, et la meuf, elle lui fait, non, monsieur, enlevez ça tout de suite. Ah oui, mais tu nous avais raconté. Et la meuf, il fait, non, mais jamais de ma pisse. Tu sais, il hurle dans le truc. Non, c'est bon, on a compris, tu vois, qu'on avait tous compris que c'était de la pisse, tu vois. Et le mec, en fait, il dit, moi, j'ai un examen à faire, je devais récolter ma pisse. Et la meuf, elle lui dit, mais monsieur, fallait pas en mettre autant. Il fait, ah, bah, moi, j'en ai rempli 2 litres. Donc, Mon Dieu. Si vous travaillez dans un labo, bon courage, quoi. Parce que c'est, ça n'a pas été évident, quoi. Bon, en tout cas, voilà, Yann, tu te sens moins seul malgré tout. Tu as donc bien fait de nous appeler, tu vois. T'as un point commun avec Cédric, et ça, c'est beau. Et je salue également Lone Wolf, qui a 29 ans, et qui dit, moi, je pissais dans les boîtes aux lettres. Ah, écoutez, très bien. Tout va bien. Ah, bah, putain, tu vas bien galérer. Et Nono, qui a mélangé du jus de pomme avec du pipi. Ah, ça ne se voit pas, tu vois. Ah, tu vois, bah, pareil, c'est la même couleur. Exactement. Bon, bah, écoutez, bon appétit, si vous êtes en train de. Si vous êtes en train de. Contenté de manger à minuit 4, là. Contenté de minéral. Minuit 5. Moi aussi, je prends des riches, je suis avec du pulco, là, ce soir. Ah ouais. Pas où il est passé, celui-là. Bon, Yann, on te remercie, on t'embrasse, on te souhaite une belle nuit. Et puis rendez-vous. Ouais, merci à vous, les gars. Rendez-vous demain soir dès 21h. T-shirt ou pas, les gars? Ouais, on va t'envoyer, t'inquiète. On t'envoie ça dans le 22. Salut, Yann. Salut, bonne soirée à vous, les gars. Et bonjour à Romano.
Ah ben bisous Yann, bonne nuit. Donc demain clash clash bonus demain. Vas-y, clash bonus dès 21h. Soyez là, Radio Libre avec ma PSG Dortmund à suivre hein, demain soir. Les places à gagner demain matin d'ailleurs, hein, si vous voulez voir PSG Dortmund. Yes. Ça coûte bien cher, il y a plus de places, on le sait parce qu'on les a achetées bien cher. Donc elles sont pour vous demain matin, ne les loupez pas. Et si vous êtes de Lille aussi, et si vous aimez le LOSC, on aura des places à vous offrir pour la Conference League contre Ljubljana. C'est le match de Conference League de Lille. C'est quoi Ljubljana, c'est quel pays? C'est Slovénie. Slovénie. Hein. Ouais, okay. C'est ça. C'est l'Olympica Ljubljana. Ljubljana. Ouais, c'est ça. Capitale de la Slovénie. Bravo, Samy. Premier sur la géographie. Et, oui. Et nous, premier sur le foot. Et demain matin, il y a l'iPhone 15 qu'on va vous offrir avec le 720. Ça, c'est bon, ça. Ouais, ouais, vous envoyez 15 au 720, il y aura 15 000 euros vendredi. L'iPhone 15 demain matin. Donc demain matin, le morning des 6h, on se réveille ensemble. Passez une belle nuit sur Skyrock. C'est Corentin tout de suite. Yes. Et le son de Skyrock toute la nuit. Urban Music non-stop. Des bisous et à demain. Ciao. Salut.